vraiment fort. Non. Bonjour. Ah, ça y est. Bonjour Poulpouline Bird. Bonjour Ildensen. Bonjour Puri Puri. Karine Sweet. Nico Nicoli. On est où ici là? C'est pas Seiya là? On est au Japon. C'est pas Seiya ici hein. C'est pas Versailles. Nico Nico ta mère ouais. Ah ok. Bah super, on a monsieur pourrir l'ambiance qui est ici avec nous. Pourrir l'ambiance, ils aiment se faire insulter, tu le sais très bien. Ouais. Pouli pouli. Oui, oui. C'est le pseudo de quelqu'un? J'arrête. Bon. Bah au revoir hein. Je dis juste coucou sur un live. Coucou, au revoir. Aux gens, merci. Donnez, puis on se barre. Ouais. Bah silencieux. Oui, bonsoir. Pourquoi vous, vos noms sont en bleu, en violet? What tu les fuck? As pas surlignés? Non. Ah si. Elle est si conne. C'est dingue. Bonsoir, bonsoir. Il est 15h, il est pas allé tout le soir. Attention. Waouh. Regarde, c'est nous. Manoa veut prendre ta chambre pour ce soir. Oui, pas de soucis. Non, je ne dors pas avec Manoa. Arrêtez. Stop les people, les caméras. C'est faux. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis comme grosse connerie? De la merde. Ok. Salut les gens! Ça va bien? Vous passez un bon vendredi après-midi? Est-ce que vous pensez un bon vendredi après-midi, les amis? C'est bientôt. Eh oui! C'est bientôt le week-end! Ça va le son? Ça va le son? La musique est pas trop sombre, non? C'est moi. Il fait sombre. Pique! Ah, quelqu'un m'a demandé de dessiner Pique. Pique Finger. Et attends, je te donne la pause en DM. Mais il a donné, ça y est? Ouais, il a donné 10 000 bonbons crocodile. Oh putain. Son prénom, c'est Finger. Son nom de famille, c'est Finger. Ouais. Ah ouais. Je pense. Trop bizarre. Bizarre. J'entends Nico Nico, je réfléchis pas. Le son est nickel, Arcade aussi. Ah, le plaisir. Ah, est-ce que c'est moi qui suis nickel ou alors mon son est nickel? Les deux, je pense. T'es nickel, mon gars. T'es Nico nickel, nickel, ni. Stop. Je propose qu'on s'arrête. J'ai cours là, donc I've done no aprem, j'ai connu mieux. C'est-à-dire que tu regardes le live en cours. Ouais, quel boss. Quel boss. Je suis au chômage le week-end, ça veut plus dire grand-chose. Moi, je suis pas d'accord. Parce qu'on a aussi quelqu'un qui est en mode oui, je fais rien, du coup le week-end c'est pas grand-chose. Même quand je faisais rien, le week-end c'était quand même un petit moment. Un petit moment où les gens sont plus disponibles, tes potes sont plus disponibles, tu parles plus souvent, tu peux organiser des trucs, les gens se machin, etc. C'est quand tes potes mineurs qui sont encore au lycée. Mais il va me répondre, j'ai pas de potes. Et je te demande, bah, désolé. Attention, waouh. Deus Worms, bonsoir. Tu veux que j'allume une lumière parce qu'il fait super sombre, non? C'est moi. Non, regarde, la caméra, elle va bien. Tu trouves? Par rapport à d'habitude, oui. Tu peux allumer, mais ça changera pas grand chose, je pense. J'ai juste tenté un truc. J'ai tellement sucré monté, putain, je prends toutes les calories que j'ai jamais perdues. Hop. Ça ne change pas grand chose. Ouais, mais ça change assez dans mon cœur. ça change surtout sur la facture d'électricité. Non, d'accord. Okay. T'as pas utilisé mon argument. L'argument radin, tu l'as eu. Le sucroté. Ouais, moi j'adore quand c'est bien sucré là. Le week-end, c'est toute la semaine en ce moment. Waouh, parce que le Covid fait qu'on n'a pas cours. Mais c'est quand qu'il envoie l'ARF? What? Si. C'est fini ça. Ça, c'était mars dernier qu'il y avait vraiment plus cours. Bah Coco, tu m'envoies où l'ARF là? Alors j'attends. Coco? J'attends là, je Coco, fais rien, tu vas pas lancer l'ARF maintenant. Je suis colère. Non. Sinon, dessine Pic comme ça, très rapidement, en vieux chibi de merde. Concentration ultimale. Ah, tu l'as fait dans sa vieille position là. Voilà, c'est parfait. Est-ce qu'il n'est pas mieux que tous les autres dessins que tu pourrais faire? Ohio. Ohio, poco. Attends, elle a une jupe. Et elle a un brassard. Incroyable. Elle est fascinante. Un peu. Elle est un peu tu ouf. Peux poser une tasse sur son bras, c'est une table. On pourrait manger dessus, quoi. C'est une table basse. Oh, c'est ouf. Je surface Sonic Colors, bizarrement, je suis passé de putain le Sonic 3D de la Renaissance, en fait, à putain c'est pas ouf, comprenez, c'est de la merde. Alors, c'est pas de la merde, c'est pas ouf, parce que les gens sont excités parce qu'ils avaient pas eu un pour Sonic depuis un moment, mais il était pas What, était c'est pas quoi ça? Je suis en colère, non, tu es Carthage. Plus fois, vrai que la vraie. Je comprends pas ton dessin, Coco. Est-ce que c'est la position? Oui, c'est la pose, mais je la comprends pas.
Putain, il est un peu ouf. Il est un peu ouf ton dessin, Coco. Je trouve qu'il y a une énergie assez incroyable. Tu permets que je l'utilise en PP? Ça veut dire quoi? Je comprends vraiment pas du tout, Coco. Parce que ma PP Discord, c'est toujours ça, je fais n'importe quoi. Je suis un viewer depuis day one, t'as pas le droit de me faire ça. Te faire quoi? De dire que ton dessin c'est de la merde ici? Au contraire, tu sais, si j'étais un connard. Merci bien. Pour la ref, c'est vachement bien. C'est quoi, je peux la garder? Si t'es un viewer day one et qu'on t'aime bien, on te dit que c'est de la merde. Je vais la garder, je la trouve drôle. Mais ça va pas être le dessin de Coco. Non. Tu sais que hier, quelqu'un a pris les 8000 points pour un fact sur script. Ouais. Et du coup, il s'est rendu compte de la carotte et il me déteste. Ouais, c'est que j'ai donné un script de merde, je lui ai dit qu'il y aura Gavroche dedans. Faut que je partage le live. Un jour, t'auras plus de trucs. Il y aura la couleur violette dedans. Non, mais plus ça avancera, plus vous aurez peut-être des infos croustillantes. Je ne sais pas. Gueule, arrête de tease. Mais peut-être. Mais non, mais je peux pas retweeter. Attendez, il me faut mon portable. Je reviens. Pourquoi tu peux pas? Ah, mais tu peux te déconnecter. C'est bon, tu peux. Oh non, j'ai la foule. Mais quelle merde. Alors, pique, table basse. Ça, je la garde pour moi. Du coup. Ok, attends, merci Coco de me faire des petites précisions. On a compris, c'est bon. On peut passer à autre chose sur le plan d'existence. Arcade est un scammer. L'arnaque! Deux petites questions, Carthaz. Tu connais le logiciel de. Un logiciel de montage? C'est possible d'avoir un dessin pour une bannière YouTube? C'est pas faisable? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il faut que tu me payes, quoi. Logiciel de montage, moi j'utilise HitFilm Studio, c'est pas mal. C'est gratuit. Et en fait, tu payes seul. C'est payant seulement pour genre si tu veux des add-ons en plus, tu vois. Mais le logiciel de base, avec beaucoup de trucs de base, pour du montage vidéo, c'est pas mal. Mais si tu veux une bannière, oui, il faut me payer. Mais mes commandes sont pas ouvertes en ce moment, désolé. D'ailleurs, je voudrais que je change ma... Tu fais pas souvent des commandes de bannière, si. Ouais. Bah, je peux en discuter si les gens sont intéressés, tu vois, mais je les propose pas. Il faudrait que je note que mes commandes... Faudrait que je refasse une bannière, moi, d'ailleurs, pour quand même ma chaîne YouTube. Oui. Pour la sortie de script, faudrait que je refasse une bannière, quand même. Mais le chat, c'est tellement parfait. Le chat, c'est drôle. Ou alors, effectivement, je continue d'être une grosse merde et je mets juste des trucs marrants. Oui, c'est drôle, les trucs marrants, moi j'aime bien. Comme je suis sur Twitter. Twitter et Discord, c'est mes deux shitposts de bannières et de PP. La PP de Twitter, je la change la moins souvent du monde. Table. Ah, la okay, PP Discord, par contre, vraiment. Merci pour la précision. Quoi, table? Bah, elle est adossée. Elle est comme ça. Ah, moi, j'avais compris. Moi, j'avais pas compris. T'avais pas compris ça? Non. Je croyais que c'était un titan qui a bouffé quelqu'un. Oh lol. Regardez, c'est mon chat et oui, elle est magnifique. Et oui, elle est magnifique, n'est-ce pas, hein? Avouez que c'est le plus beau chat que vous avez jamais vu du monde entier. Avouez-le. Si vous dites non, c'est faux. C'est pas vrai. Genre, c'est... vous mentez à vous-même ou j'aurais à moi. J'aurais voulu qu'elle s'appelle Pink Flower. Comme ça aurait fait Pink Flower. Bah, ça fait Pink Finger. Pink Finger. Pink Finger, ça me ressemble, ça me fait penser à un truc. Bon, je sais plus. Yo les sauces, ça va par ici? Yo me! Hello! Comment ça va, mon pote me? Non, c'est faux. Bah, tu mens. J'aime vraiment beaucoup ce dessin, en vrai. Il est un peu incroyable, hein. Rayo Poco. Il est où ton tweet, ce meuf? C'est avec Kermit, c'est le dernier que j'ai fait. Je t'ai même notifié dedans. Quoi? Bizarre. Je connais pas ça. Je connais pas les notifications, moi, tu sais. Je suis un peu vieux sur Twitter. Putain, t'as quand même 6684 abonnés, mais t'es tellement connu, meuf. Bah, oui. T'es tellement connu, et pourtant, personne retweet tes lives, hein. Oui, tout le monde. Bravo là. Bon, en même temps, les gens suivent pour ton dessin. Ouais. Mais tu fais du dessin. Les gens n'ont aucune race. Ouais. Aucune race, hein, vraiment. Je sais pas, les gens sont peut-être pas 100% sur Twitter. Peut-être qu'il y a des gens qui sont à l'école là. Parce que... C'est fou comme ça, tu retweets jamais mes lives. Hein. Bravo. Ouais, je le dis maintenant. Mais tu fais des attributions sur mes serveurs et je te laisse le faire. Oh, tu me laisses le faire. Je pourrais dire, parce que je t'ai déjà dit plusieurs fois, c'est chiant, mais je me dis, bon, c'est cool. Ah, déjà, je fais des hier. Il y a juste hier, j'ai fait un everyone. Les hier, c'est beaucoup mieux. Puis en vrai, je te laisserai le faire aussi sur mon serveur. J'en ai plus parce que c'est chiant à tenir. C'est moi, en vrai, je le tire même pas, je laisse les gens le tenir. Oui, mais moi, il y avait des vocaux et tout. Toi, t'as fait le bon choix. Oui. Parce qu'il a pas besoin d'être bien tenu, tu vois. Ouais. Et puis t'as Flo. Oui. Flo est plutôt... Quelle erreur. Bah, pas tant là que ça, en vrai. Je comprendrai jamais pourquoi j'ai choisi Maestro comme second modo et pas Flo. Je comprends pas cette décision. Après, on le connaissait moins, Flo, à l'époque. Ouais. Ça va, je suis pas du tout en rush pour rendre un projet pour mardi. Ah yes, c'est toujours les situations qu'on adore. Salut, Ulcha Bane. Ulchab Fane. Tu t'appelleras Oul. Contrairement, les chats persans.
Bah c'est faux. Vous mentez en fait. J'entends pas ce que vous dites. On est respectable sur le serveur, on raconte que du shitpost. Bah vous faites bien. Ouais. C'est le. Et aussi c'est là, il y a des grands débats. Il y a des grands débats sur ce qui peut être posté ou pas sur le serveur NSW. Tu vois. Parce que ça, moment... c'est le grand débat de ton serveur tous les 3 mois. Ouais, j'ai dit genre. Est-ce qu'on devrait vraiment mettre du viol? Bah non. Oui. Non ça mais oui. Au fait. Non en vrai c'est le vrai débat. Le vrai débat c'est genre les poitrines exagérées de ouf. Ah oui. C'est le king de beaucoup de gens, mais moi je trouve que c'est pas genre je suis en mode. Les gros tchouches. Moi personnellement pas les gros tchouches. Mais tu peux des gros tchouches, mais quand c'est des meufs comme ça avec des tchouches qui font la taille d'un ballon. Les gros tchouches réels ou les gros tchouches. Qui n'existe pas. Parce que genre limite tu peux aimer parce que c'est de la fiction si t'aimes bien les gros tchouches qui n'existent pas, ok tu vois. Mais moi je suis en mode j'ai pas envie de ça sur mon cerveau parce que je trouve que c'est pas ouf tu vois. Mais ça c'est moi. Ça je t'ai vu lire des romans, c'est adorer des romances ou la meuf. Oui parce que c'est pas comme si je devais éviter tous les médias cool avec des meufs avec des immorts sains, et ben je devrais éviter beaucoup de médias. Je t'avoue. Ouais mais tu devrais. Pourquoi t'es pas radical dans tes positionnements? Madame elle est flexitarienne, elle veut pas directement être végétarienne, quelle connasse. Flat is justice. Oui. Bah aussi petit écoute, est justice. Girls is justice. I like girls. Girls pretty. Les tchouches qui font du lait se prononcent Ulchabain. Ulchabain. What the fuck? Ulchabain. D'accord, je l'ai. Les bzez, les tatas. Hello, flemme. Les tatas d'hommes aussi. On les oublie souvent. Oui. Genre les tchouches de Rainer, quoi. Les tchouches. Tu veux parler des briques? Ouais. Des briques en acier trempé, ouais. Tu sais que les male boobs, c'est pas seulement genre qu'on des mecs pourrait gros. Pas percer, même avec une sorte de, ouais. de perceuse industrielle. Les male boobs, c'est pas seulement genre des mecs qui sont un peu gros et du coup qui ont des trucs qui pendent, tu vois. C'est aussi genre les immenses pecs, juicy becs, tu vois. T'appelles ça des boobs? Ouais. Moi, genre, il y a les male boobs et les pecs, tu vois. C'est deux formes de poitrine masculine. À mon sens. Pour moi, genre, c'est juste les après, ça, les pecs, c'est des male boobs parce que c'est les boobs des mecs. C'est juste ça. Est-ce la même chose? Oui. Après, les deux ont leurs intérêts et leurs inconvénients. Hein. Ouais. Alors, je sais pas si les pecs ont beaucoup d'inconvénients par rapport à des seins. Je trouve que les inconvénients... Les non, mais entre les male boobs et les pecs. Ah oui. Oui, oui. Non, les pecs, en soi... Non, mais genre, même les belles boobs, t'as tu pas vois, genre, un si homme, ta poitrine n'est pas généralement, ne va pas te briser le dos si elle est trop grosse. Tu vois, oui, ça c'est va, ça. Ça va juste peut-être casser des chemises, mais c'est tout. Oui, et on adore le faire. Superman. Donc bon, gros débat sémantique, bien sûr. Bonjour Gaspard Savoureux. Bonjour Gaspard. Quel plaisir de t'avoir ici. On dit pas poitrine, on dit tchouch, je note. On dit plein de choses. Plein de choses. Les bzaises. Les badonkers. Les barongahos. Les mommy milkies. Les tatas. Les bzez. Les big mommy milkers. Ouais. Des tas de choses. Internet a un dictionnaire, un glossaire immense devant toi. Opaï, bien sûr, aussi. Hein. Opaï. Pexartidis arcade. Mais je le reconnais. Moi, je les appelle pas comme ça, mais juste... Pexartidis. Je pourrais les appeler comme ça, sans problème. En fait, c'est genre, imagine genre... Un mec qui est un peu gros et du coup qui ça sa pendouille, c'est aussi des moobs, tu vois. Mais genre un mec qui est très musclé, mais pas parce que les mecs secs ils ont pas de titties, tu vois. C'est juste plat, tu vois. Mais les mecs qui sont genre musclés, genre rugbyman, eux ils ont des titties, tu vois. Du coup Rainer, genre Bertold, il y a pas de titties. Mais Rainer si. Rainer, je sais pas s'il a un physique de rugbyman, il a plutôt un physique en V, hein. Ouais, mais il est un peu carré, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas en physique de rugbyman, c'est plus genre il y a de la graisse avec le muscle, tu vois. C'est pas juste du muscle. Parce que les gens qui ont que du muscle, c'est sec, tu vois. De toute façon, c'est ça. En tout cas, c'est ça vraiment. Pourquoi à la fin de SNK est décevante, on n'a pas vu Rainer topless. C'est ça. La vraie. C'est la seule. C'est vraiment ça qui pousse les choses vers le bas. Quand j'étais petit, j'appelais ça des glouglous. Incroyable. Les glouglous. T'as pété combien de chemises avec tes musculis, Arcade? Pas beaucoup. Les gougoutes. Les gougoutes. C'est le nom des seins aussi. Ah ouais. Les gougoutes. Les boubas, bien sûr. Les bazongas, oui, bien sûr. Le frérot YAB29. Flen. Ah oui, vous êtes retrouvés, putain, dans un champ de fleurs, vraiment. Il y a eu une belle interaction entre vous. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a juste y a Bioma et YAB qui sont venus, qui sont vus en mode... YAB Flen. Ta la 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 la. Rainer, il est solide sur les côtes. De pute. Pardon, les bzesses c'est la base. Les glouglous des dindons. Les choses se ressemblent. Glouglou. Je t'ai vous dit ça. C'était dans un rap jeu. Je sais pas si vous connaissez rap jeu.
C'est une émission où c'est genre un jeu à la télévision, mais un peu plus tranquillou, quoi. Ouais. Avec qui invite que des rappeurs. Et c'était, je sais plus, c'était, on demandait à Medine comment est-ce que Ademo de PNL appellerait ses couilles. Et il a dit, ouais, une onomatopée, un truc genre gla gla gla, oui. Et je trouve ça plutôt ouf. La gla gla, oui. C'est le oui qui est plutôt ouf. Regarde, elle va commander aussi un bar, quoi. Elle va dire un scotch, s'il vous plaît, un Drax. Putain, j'avoue, elle a l'air malheureuse. Elle a l'air vraiment, mais genre vraiment, tu vois, elle revient de... Tu me meurs de ce truc, là. Elle est en mode, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais dire Royo Poco ou autre chose? Est-ce que je devrais Royo Poco ou est-ce que je devrais simplement... Baiser Poco? Bon, je sais pas s'ils avaient ça, hein. Je pense qu'elle était plutôt en mode foutre de sa gueule. Oui, oui. Qui voudrait baiser Poco? Excusez-moi, mais bon, c'est quand même... Il est beau, quand même. Ouais, mais petit c'est nazi. Petit nazi espiègle. J'ai ça avec Simon aussi de... Ah oui, il est beau, mais petit nazi espiègle. Il est beau, mais c'est un nazi, j'en ai marre. Je t'en nomme bien un fond, mais le fait qu'il soit nazi est embêtant. C'est ça, hein, c'est bon mood. Hein. C'est cousu d'autotune, c'est ça. Les fameuses covers avec tout le monde musclax. Musclax, hein. Si on a Rainer topless sur une cover. Ah oui, on l'a vu topless, Rainer, une fois. Oui, c'est possible en vrai dans tous les SNK. Je vais taper. Oui, mais on l'a pas vu dans le dernier chapitre, topless. Ça, c'est ce que je dis. Topless, Rainer. Non, pas Ren. Non, pas des meufs. Non, stop. Faut savoir qu'il y a un king de fuck les nazis, c'est vrai. Genre quoi, dans une dynamique de vengeance. Arcane, regarde-moi ça. Got some drip, Poco. Wouh. Pas mal, hein. Il y avait aussi Bertolt qui suçait Rainer, mais je l'ai pas montré. Il lui suçait le Rainer. Bah écoute, ce sont des guerriers. Elle est canon la cover où tout le monde est à Walp. Il y a une cover où tout le monde est à Walp. Ah bon? Ils en passent des trucs, putain. Putain, il y avait une vidéo. Genre, tu domines TikTok, un nazi. Oui, c'est ça, tu vois, un petit côté. J'ai vu une vidéo TikTok qui parlait de à quel point le perso de Mikasa il avait été un petit peu. Changé par l'anime, c'est un peu dommage. Je trouvais ça dommage. Ah bon? Ouais, genre qu'il y a plein de moments en fait où ils ont rajouté du drama entre Mikasa et Eren pour. Genre à un moment, Mikasa elle est en mode ouais, c'est ma faute, il faut que je me fasse pardonner. Et dans l'anime, elle dit ouais, il faut que je le fasse pour Eren. Ou alors, t'as un moment où elle. Il y a plusieurs moments oh, où. Oh, Yandere! Bienvenue Yandere! Prend un abonnement 4e mois consécutif qui a toujours son first. C'est possible de le retirer le first hein, dans les machins. Ouais. Faut le savoir. Tu peux le retirer si tu veux juste le petit. Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Coco? Ouais, tu me demandes un gay porn. Ah oui, bien sûr! Incroyable, trop bien ce truc. Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve. Ah, salut à tous, c'est GS, les gars. Alors putain, on arrive avec le reporter. Oui. Il est en train de live. Dis-moi à dire. Sur le droit. Non, je n'ai rien à dire. Bienvenue Yabé. Yabé. Tu peux dire bienvenue Mano aussi. Il est pas mal. Il est assez intéressant cette cover. Putain, ils sont beaux. Ouh. Montre. Ah, moi, ça. Oui, c'est une édition spéciale. Sérieux? Édition limitée. Mais ils sont tous beaux. C'est le tome 33. Attends, édition limitée. Attends, c'est Yelena. Ça c'est Rainer, ou c'est Armin. Ça c'est Lévi, ça c'est Armin, c'est pas ça Yelena, c'est Jean, ou dirait Yelena. Ça c'est Connie, putain, ils ça sont c'est Eren. Bah oui, à Poilos. Je vais travailler. Tu vas travailler? Ouais. Alors qu'on live, t'es sûr que tu vas réussir? Ouais, t'es trop fort. Attends, je dois juste... Tout le monde te dit coucou. Ohio, ayo, mano. Ohio, mano. Je vais derrière Kata, du coup personne ne me verra. Je suis là. Tu seras la voix. Je suis la voix. Du coup, elle est canon, incroyable. C'est une cover spéciale spa. Spéciale spa. Merci Draco Sensitive. Oh waouh. Salut Carta et Arcade. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour le dessin, il y aurait possibilité de t'envoyer les rêves d'un OC sur Twitter? Absolument pas. Jamais. Faut pas te faire foutre. Mais t'es complètement taré, mec. Envoie. Sur Twitter? Tu veux dire le réseau social qui nous permet de communiquer? Mais t'es fou. Bizarre. Trop bizarre. Qu'est-ce que tu fais, mec? J'essaie de l'ouvrir. Je crois que tu réussis pas. Tu disais quoi, mec? Putain, mais t'es juste trop fort. Le truc. Putain. Ah, mais c'est ma souris? Non. Attends une seconde. Mais quand Théro est là, il l'a fait tomber le petit truc. Oh. Il est perdu à tout. Putain, mais Théro, cette maladresse sur pas toi. Waouh. Théro, je le harcèlerai jusqu'à ce qu'il accepte qu'il soit maladroit et qu'il arrête de... Il accepte, c'est juste qu'il aime pas. Je pense qu'il en est conscient et il aime pas ça. Et donc, du coup, il l'assume pas dès qu'on mais lui dit. Mais assume-le. Dis oui, je suis maladroit, tant pis. Tu veux faire un live Minecraft là? Tu live Minecraft? Mais putain, les gars. Vas-y, on y va.
Bah c'est ça, allez B0 et laissez-moi tranquille tout seul. Non, on va faire un live Minecraft. Qui est chaud là? Levez la main dans le chat. Mais non, mais on a déjà un live avec Marina. On peut pas faire un live Minecraft. Et Among Us. Among Us. Among Us. De retrouver cette musique. C'est une musique sur TikTok. Et c'est un appel. Oui, si vous retrouvez une musique trap bien très mal faite où le mec fait Among Us. Là, tu penses qu'il va refaire un manga, Isayama? Ou genre il s'arrête? Non, il veut faire un spa, il veut ouvrir un spa. Il veut vraiment ouvrir un spa? Mais c'était son rêve. Il voulait jamais être mangaka. Il voulait ouvrir un spa. Et maintenant qu'il a l'argent, il va ouvrir un spa. Petit détour. Tu vas aller au spa de Isayama? Petit détour. Je vais ouvrir un spa. Je fais l'œuvre la plus importante des années 2010. Un spa. Voilà. C'est juste un petit. Les moyens de la fin, quoi. Non, j'arrête. Le spa fait avec les larmes des fans qui a été promis. Il arrive plus tard, on ira au spa de Isayama. Oui, c'est ce que j'ai dit, quand on ira au Japon, on va au spa d'Isayama. Mais il sera pas ouvert avant un an. Peut-être aussi, hein, tu sais pas. Peut-être. Je suis pas chaud. On ira l'année où il y aura. Oh, merci Flen. Oh, waouh. Tu peux dessiner hier pour lui souhaiter la bienvenue dans tes îles, je t'envoie des refs. Oui, merci pour les refs, les gars. Merci les gars, j'adore ça les refs, putain, j'en bouffe tous les jours. Sachez aussi que j'ai mon ami. Mon ami Slow qui a pété son téléphone, du coup je compte l'aider financièrement. Du coup, si ça m'aide, si vous me faites des dons. Voilà, bref. Qui a demandé un beat avec Among Us? Mano ou Arcade? Moi. Mano. Mano, ouais. Mano, je sais pas, il a une musique en tête avec Among Us dedans. Among Us, c'est le thème de Among Us très mal, puis ça part en trap nul. Bah voilà, c'est ça qu'il cherche. Bah personne m'a envoyé rien en DM, ah si. Bah personne ne me parle. Je viens de t'envoyer les rêves de Tiara. C'est bon, j'ai. Tiara, donc, est son nom. Attends, regarde-moi cette petite pique, là. Merci, Uchaban. Putain, mais ça part. Un petit dessin de Mibi et Shoji, Makir, Wall Walker, s'il te plaît. Oh. Visage content, chef d'œuvre, meilleur visage de carte. C'est qui de Wall Walker, Meb? Meb. Je pense que c'est Agamine Rousse. Ou McTyre. Avec le gars qui m'a envoyé une musique, Amogus, c'est peut-être ça. Amogus. C'est Coco qui t'a envoyé le lien en DM à Skip. Le thème trap Amogus, je crois que je l'ai. Bah oui, mais pourquoi t'as pas juste cherché Amogus trap? Ah non, Meb, c'est la gamine blonde. C'est l'héroïne? Non, c'est Robin. Elle, c'est Meb. Ouais, c'est elle, Meb. D'accord. C'est bon, j'ai la ref. J'ai la ref. C'est ça? C'est ça? T'as trouvé? Bah ça y est, trop vous bien. Avez rendu Mano heureux. Mais attends, mais toi tu vas être en live toute la soirée, toi, parce que tu refais un live ce soir. Oui, c'est pas grave. On fera une pause pour manger. Il a dit Amogus en fait. Amogus. C'est très drôle. J'adore rire. Là, mon oui, c'est la fille Louve. Très sympa d'ailleurs, ouais, Wolf Walker. Il avait été nominé aux Oscars, je trouve ouais, impressionnant. Alors je pensais vraiment que tout le monde s'en battait les couilles de ce film. Non, mais d'ailleurs, il faut qu'on regarde Connecté. Oui. Mitchell's and the Machine. Ah, tu vois le truc connecté là. Ça s'appelle Connecté en français? Non, non, il devait s'appeler Connecté à la base. Arrête, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que Mitchell et les machines. Mitchell contre les machines? Regarde-moi dans les yeux. Connecté, c'est. Je sais pas, le film a l'air. Moi j'aimais beaucoup le titre Connecté. Parce que c'était Connected du coup en anglais. Je sais pas, parce que genre, le film, après tout ce qu'on a vu, ça a l'air un peu quand même Boomerland. Non, non justement, je pense. En fait, non. Parce que je pense que l'idée, c'est que ça part en Boomerland, en mode, ça a l'air de le père qui veut reconnecter avec sa famille, avec sa fille, en étant en mode, oh, on part en camping-car, en road trip, sans jamais de, let's go faire des barbecues dans l'Iowa et l'Idaho. Et puis en fait, les machines attaquent. Doublement, d'ailleurs. Ouais. Alors, je sais pas qui aime Mitchell, mais... C'est leur famille, c'est leur nom de famille, les Mitchells. C'est les Mitchell. Mouton. De quoi tu parles? Quoi? Cartaz, regarde. Quoi? Mais je suis occupé là. C'est Godzilla. Je suis occupé à faire de la moula. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec Godzilla? Oh, il est trop stylé. Mais bon, Pixar, Disney. Il est pas mal, hein. Excellent. Montre-leur, hein. Viens, trop stylé. Ah, mais c'est ton Godzilla là. Viens, montre à la caméra. Godzilla. Attention à tout quand même. En troisième, c'est un de mes projets de fin d'année. Et il fait Godzilla en 3D. C'est Godzilla en 3D. C'est pas ouf. C'est Shin Godzilla. C'est ouf, hein. Voilà. Il est un peu mignon parce qu'en fait, il a pas de visage. Regarde, il a... Mano, ouais, ses projets de ouf de 3D. Est-ce que ce soir, il y aura le voice chat, juste pour savoir si mes oreilles vont souffrir? Je crois que non. Je crois qu'on est en vanilla, non? J'aurais trop aimé. Mais ça, moi, en vrai, ça me manquait un peu du Among Us Vanilla. Non. Moi, j'aime bien quand il y a du... Moi, en plus, sur la nouvelle map. Je pense qu'on va jouer sur la nouvelle map. Oui, on va un peu jouer sur la nouvelle map. J'aime trop l'idée que quand t'approches quelqu'un, ils t'entendent. Oui. J'aime trop ça.
Ouais, mais moi j'aime bien le côté t'es tout seul et tu peux pas vraiment. Oui, j'aime bien. Du coup, t'arrives pas à décrypter ce que les autres font, tu vois. Il y a un côté un peu angoissant. Trop chiant, Max, ton Godzilla. Bah merci. Mais bon, Pixar Disney, donc Auto Win, je suis dégoûté pour Tom Moore. Après, j'ai bien aimé Wolfwalkers. Hein, et je trouve, niveau animation, il est plus intéressant que Soul. Mais je trouve que Soul a un meilleur scénario quand même. Alors que je trouve pas dingue. Mais putain, le visuel qui ressemble à des trucs médiévaux, c'est tellement stylé. Entre Wolfwalker et Soul. Faudrait peut-être arrêter de faire une. Mais si, on l'a vu ensemble. Ah non, t'étais pas là ? Wolfwalker, ça veut dire un film d'animation ? Mais oui, c'est le film d'animation sur des louves là, qui se... sur des gens qui se transforment en loups. T'étais pas là ? Non. Tu l'avais pas regardé avec nous ? J'ai vu Soul deux fois. Waouh. Ah non, Wolfwalker, j'ai pas vu. Non. Ah bon, bah je sais peut-être que c'est vraiment pas là. Parce qu'on l'avait regardé ici, je sais plus quand. Mais Soul. Soul, c'était pas mal. Oui, c'est pas mal, mais pas. Je trouvais qu'il y avait un vrai. Il y avait un... Merci, Clem ! 20 euros ! Oh ! Oh! Tu t'as régalé comme Jaja? Oh oui! Merci! Merci Clem! Merci pour ce généreux don! Un plaisir! Mais merci beaucoup! J'ai posté. J'ai juste posté genre. Bah non, quel... ce serait pas Steven Spielberg! Quel pic vous préférez? Heart Emoji Demon. Il est joli le dessin. Perso, je préfère. Celle de gauche. Mais c'est juste toujours moi. Celle de gauche. Pic de gauche ou pic de droite? Non, c'est juste que je vais mettre genre. Je sais. Mais oui, Soul, en tout cas, il y avait un. Le message de fin, je le trouvais super bien. Très intéressant. Mais je suis pas fan de l'exécution. Je trouve que le monde des âmes est vraiment pas inspiré. J'aime bien tout le moment où il tombe et tout. C'est très sympa et tout, ça c'est joli. Ouais, je trouve sympa. Mais le monde des âmes, la colline Windows là, et les gens Windows ils sont marrants, non, mais ils sont pas très... Oui voilà. Macintosh. Et vraiment, je trouve vraiment pas dingue. L'espèce de grand désert bleu avec un machin, un truc où tout le monde juste est dans l'espace. Et en rentrant, je suis en mode, ouais bon, j'avais aucune autre idée visuelle. L'idée est cool, tu vois, mais je trouve visuellement, je trouve ça manque. L'idée est sympa, le moment où ils sont dedans, mais juste qu'ils flottent dans le désert, je trouve ça pas ouf. Moi non plus. Et voilà, et puis tout le moment où il enchaîne. Par contre, comment il s'appelle, Terry ? Best perso ? Ouais, Terry, il est drôle. Terry, il est très, il est drôle. Très drôle. Mais tout le moment où il est en chat, je trouve que c'est une torture. Ouais. Le film est vraiment nul quand il est en chat. Et j'aime pas du tout que ce soit l'âme qui résout ses propres problèmes. Ça me casse les couilles. Je me chie dessus. Ah, je t'ai pas hâte, désolé, Coco Eco. Tu as juste. Le Vachetat est bien, mais c'est bien mieux quand t'es solo. T'as plus de tension, c'est plus kiffant. T'as plus de tension, t'es. Je sais pas si c'est bien mieux. Je trouve que c'est pas pareil. Tu peux aimer une ambiance ou l'autre. Moi, je pense que je préfère légèrement quand t'es solo. Parce qu'en plus, ça te permet plus de strat. T'es un peu plus serein. Ah, Mogus, oui. Ah, Mogus. Et mais le Vachetat, c'est drôle. Parce que tu peux arriver. Il y a un côté. T'es tout seul, etc. Parler tout seul ou autre, t'as un mec qui peut, tu vas genre prévoir et dire les bons trucs, tu vois, genre, peut-être qu'on m'entend ou autre. Oui, mais donc du coup au final tu te... Moi, c'est ça en théorie. En réalité, c'est juste tu croises quelqu'un, tu vas me tuer ? Non. Puis voilà, vous passez quoi, c'est bon. Moi je trouve ça super drôle. C'est très drôle. Mais Rainer est plutôt sus. Rainer, you can de sus. Si tu le postes, mon hâte c'est Coco Eco 20. Je l'ai fait. Bah voilà. Hello Kiara Lennon, c'est sûrement la fille de Bob Lennon. Ouais. Kiara Lennon qui est. Ah, faudrait que je le note d'ailleurs. Oh, demain je vais devoir faire refaire tous les trucs Tipeee alors que j'ai pas fini ceux de mars. Oh là là. Ceux d'avril, pardon. Mais Kiara Lennon qui a pris un rang requin sur Tipeee récemment. Voilà. Oh, stylé. Du coup, je vais faire son nocé dans la tenue de Space Jam. De base, ce pseudo est une ref au Pyro Barbare. Incroyable. Waouh. Ah ouais, Cartas, tu as un truc à nous dire sur Shin Godzilla ? C'est trop bien. C'est trop bien. Et il est très triste, Shin Godzilla. Et sa musique est trop bien. Comment ça ? Je l'ai pas écouté encore. Ah oui, toute seule, sans le film ? Moi, ça m'a fait bizarre qu'à la fin du film, ils mettent en place un plan qui réussit. Oui. Oui, ça fait bizarre, hein. Genre, il n'y a pas de problème, en fait. Genre, à un moment, il y a un truc imprévu, mais c'est réglé en 2 secondes, et voilà.
Moi ça va, je m'en pas dérangé. Le film est incroyable, le film est vraiment trop bien, mais juste ça m'a déstabilisé à la fin. Quand te dire que... Que un plan se passe bien, tu vois, alors que dans tous les règles de scénario, c'est en mode, bah, un plan pour qu'il reste intéressant, faut qu'il y ait quelque chose qui le challenge, tu vois. C'est un plan, genre, qu'ils ont préparé sur plusieurs mois aussi, tu vois, qu'ils... Ah oui, mais moi, je te parle en termes de... Je trouve pas ça illogique, je trouve, en termes d'écriture et de scénario, généralement, tu fais jamais un plan qui réussit de bout en bout, tu vois. Après, parce genre, que sinon, il n'y a pas de tension. Mais ça a pas marché. Je te parle pas dans l'univers du film. En plus, ça a pas marché. En plus, ils font deux essais, non ? Ils font une première dose, ça marche pas, puis une seconde dose. Non, ils font une première dose, ils se réveillent, et juste, il va dans l'autre... Enfin, tout oui, semble bien contrôlé, tu vois. En gros, il savait qu'il allait être... Ouais. Ah ouais. Pourquoi tu aimes autant Shin Godzilla ? Bah, le film est trop bien. Parce que le film est très bien, que le Godzilla est genre trop visuellement intéressant, que la musique, il est dramatique de ouf, le Godzilla, il me rend trop triste, que il est terrifiant, que c'est une analogie de la bombe nucléaire, des séismes et des tsunamis que subissent le Japon, et je trouve ça trop stylé. Le Godzilla de base, mais oui, j'aime juste le concept de... Bah, il est encore aujourd'hui, ouais. J'aime trop le concept de que le Godzilla de base, c'est ça, quoi. Yo, Xenorm, Team King Kong ou Godzilla ? Godzilla. Godzilla, en plus. Puis ce film est pas ouf, en plus. Salut Albin Gardien, qui a tout donné sur mon stream hier. Ah bon ? Tout l'argent du monde. Ouf. C'est quoi, je vais juste clean le stream. Reviens demain, Albin Gardien. Normalement, je fais un live sur Mario Sunshine. Ou alors donne ici tout ton argent. Non, c'est chez moi. Il est kebab arcade. Chez moi. Là, tu vas live combien d'heures de suite là ? Non, elle s'arrête. Elle fait une pause pour manger, je pense. Oui. Bizarre. Mais même en vrai, je suis assez. Je pense que c'est cool. C'est que je suis assez endurante. Genre, le fois, j'ai fait un live de 6 heures toute seule et je m'en suis même pas rendu compte. Oh putain, 6 heures, quelle vie. Non, tout ça, moi j'arrive pas, surtout quand je joue. Tu dirais la musique des souris dans Coraline. Le pu, 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 tu vois. Je me souviens plus. Le cirque des souris là. Ouais, je me souviens plus. What the fuck. Bah, je sais pas, je me retiens. J'avoue que j'ai retenu la scène, mais pas la musique. La question est vite répondue. Tu veux faire un gorille de 3 mètres ou un Fokim roi des monstres ? Arrêtez, c'est pas un gorille. Bah, c'est de stylé, déjà, c'est gorille. Monkey. Je comprends les gens qui aiment Godzilla, c'est juste que moi je préfère les lézards. Non, justement, il était plutôt côté Godzilla. Ah! Il était en train de mettre un taquet à King Kong. Moi, tu préfères genre un gorille de 3 mètres ou le fucking gros des monstres? Mais toi, t'as défendu comme si tu juges je préférais les arts, mais il était de ton côté. Oui, j'ai dit, mais je comprends. Tu t'es mis en contradiction en mode, mais non, mais machin, en donnant finalement, en montant plus en fonçant King Kong. J'ai dit, non, il est cool King Kong. Faut arrêter de rabaisser King Kong. Mais moi, personnellement, je préfère Godzilla, tu vois. King Kong, il est cool. Ça va, quoi. Mais juste que moi, les singes, ça me met mal à l'aise, du coup. Bon. Mon kiff. Mais c'est pour ça que je déteste que ce soit. Je déteste un peu que ce soit un mème. Parce que, en même temps, ça me fait un peu rire. En même temps, les singes, ça me terrifie. Du coup, j'en vois partout et du coup, ça me met mal, tu vois. Voilà. Ça va, je trouve que c'est pas le singe qui ressemble le plus à. Un humain ? Un humain, ouais. Le chimpanzé, il me met mal à l'aise. Enfin, c'est pas terrifiant, mais. Parce que ceux qui ont peur de ça, je comprends. En fait, ceux qui hurlent. Ça va tant qu'ils hurlent pas. Mais quand ils hurlent, je commence vraiment à avoir très peur. Les orang-outans ? Les orang-outans, ils ont un visage humain. Ouais, non, mais ils ont ce côté paisible. On dirait pas qu'ils vont attaquer, ils sont. Je suis sage. Oui, mais leurs yeux. Oui. Tu regardes dans leurs yeux et tu peux les comprendre. Ouais. tu nous sommes pareils. Bah, comme les Monkey. Chiens. Monkey. Bah, les chats, un peu moins. Non, les chiens. Les chats, un peu moins. Les chiens, ils ont des sourcils, c'est pour ça. Quoi ? Pas c'est vrai ? Tous, non ? Les chiens ont des muscles sourciliers que peu d'animaux ont. Oh. Et parce qu'ils ont chopé ça pour qu'on se comprenne. Du coup, ils savent faire genre. Tu vois. Ils savent te faire. What the fuck. Voilà. Je t'ai envoyé un DM Carthaz. Il a slide. Elle. Putain. Elle a slide. Putain. Flo ! Flo ! Flo 5 et moi l'abonnement. Je pense au bouton parce que boulot, mes grosses bises, Flo ! Flo, Flo est un requin. On se voit ce soir de toute façon, Flo. Ouais, des bisous. Vous avez vu la vidéo du petit singe orange qui mange des fraises qu'un humain lui donne ? Non, je n'ai pas vu cette vidéo. Par contre, j'ai vu que Lin-Manuel Miranda allait être un monkey. Monkey. Il y a un film d'animation qui va sortir et Lin-Manuel Miranda joue un singe. Ah bon ? Ça s'appelle Vivo. Et c'est genre un singe qui chante. Oui, totalement vrai, Cartel, ils sont plus expressifs grâce à ça. Arca, tu sais quoi, je t'oblige à me genrer au masculin maintenant, c'est bon que masculin à toi. Mais non, mais je vais finir par m'habituer. Je suis pas fou, je suis capable, hein. Ça demande juste un temps d'adaptation. Préfères que je te joue en masculin, comme ça t'as toujours un pilier. Le mec, je me dis t'as envie, j'en sais rien.
Un pilier. Ouais, mais juste ça prend du What temps. What the fuck, un pilier. Un pilier, de, genre le mec qui t'appelle juste masculin, je sais pas pourquoi. Ouais. Flo, Flo. Quoi, Flo, Flo? Je sais pas, les gens disaient Flo. Flush. Salut Narix. Bah ça se passe pas mal ici, regarde, on dessine un OC qui s'appelle comment? Tarnia? Tiana. Tiana. Ouais, Tat. Tata. Ou Tania, je sais plus. Oui. Tiana ou Tania, je sais plus. Bisous. Bye. Bisous. Non. Bisous, mais. Adieu. Mais toi, des baffes en live à chaque fois que tu fais une faute, Arcane. Non. Non, ça va. Ah putain, ça suffit, tu vois. T'as pas cours, Cartas? C'est pas juste. Ben en fait, on est en jour férié aujourd'hui. En Belgique, en tout cas. Je vais peut-être régaler. Ils ont déplacé. Je vois pour un dessin. Albin qui veut régaler. Oh. Alors, mais t'as tellement d'argent. Attendez, mais en vrai, gardez votre argent, argent deux minutes. parce que j'ai déjà pas mal de trucs en cours là. J'essaie de les faire vite, tu vois. Mais c'est gentil, merci beaucoup d'envisager de me prendre des What trucs. What the fuck, Pili, is that a motherfucking architecture référence? Is that a Jojo référence? Je vois que tu me mets genre, tu donnes un indice sur le nouveau script. Un indice du niveau que ce que je donne dans mes lives? Oui. Non. Il faut dépenser des points pour ça. C'est, tout, hein. C'est juste pas les mêmes expressions. Salut Golgotia. Salut Golgo. Gol gol gol. Golo golo. Golo golo. Kill kill. Quelqu'un est hype pour Monster Hunter Stories 2? Non. Non. Désolé. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi, c'est un manga? Bon, alors c'est nous. Parce que je sais qu'il y a un film qui est sorti il y a pas si longtemps, Monster Hunter, avec Mila Jovovic. Mila GGG. Mila G. Glou glou glou. L'alcool on l'a glou glou glou. Dépenser mes points, mais tu vas me les rendre les points surtout, escroc. Excuse-moi, Narix, mais enfin, tu as pris l'option donner un fact sur le prochain script. Est-ce que je t'ai donné un fact sur le prochain script? Oui ou non? La réponse est oui. Je te l'ai donné. Oh, t'es un connard. Tu as eu ce que tu as acheté. En plus, c'est même pas de l'argent, c'est juste de la présence humaine, ça n'a aucune valeur. Oui, en plus, ouais. C'est comme Pokémon, mais avec Monster Hunter, mais en mieux. Ah. Ah bon? What? Mais c'est un nouveau jeu. Je suis perdu, hein, Monster Hunter, en ce moment. Avec le... Moi, je joue juste au World, et il est bien. Voilà, je m'amuse, enfin... je tue des monstres. Et je suis un malade. J'utilise la Morpho H. J'ai raté un fact foireux sur le prochain script. Tu n'as pas vraiment raté quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas. De la valeur humaine. Voilà, des points de valeur humaine. Les points de valeur humaine n'ont aucune valeur. Vous, enfin, vous découvrez la vie. Le temps est la ressource la plus précieuse à donner avec des points de chaîne. Putain, je pourrais appeler ça mon point de chaîne juste du temps. Voilà. C'est un Pokémon-like où tu peux collectionner les monstres comme le Rattalos. Oh, ah stylé. Oui, ça va être sympa ça. Bah oui, je suppose que si c'est comme Pokémon, tu dois avoir des monstres comme ça. Tu as une petite équipe alors, de monstres. Même ça, c'était pour Flynn. Non, c'était pour Draco Sensitif. C'était ça, hein? Eh? Oui, je suppose. Voilà. Parce que j'ai perdu en valeur humaine, je peux plus forcer à tuer quelqu'un. Ah bah, tu pouvais pas à 8000, hein. Mais... Je dois dessiner Yabé. Est-ce que qu'on m'a envoyé la rêve de Yabé? Sûrement. Yabé. Ya. Oh, souvenir aux cheveux. C'est dire exactement. Merci Albin. Merci Albin. Je voudrais savoir où on envoie la demande pour le dessin. Ici, bah tu aurais dû le mettre dans ton message, du coup c'est mort, tu pourras faire un autre don pour. Non. Viens en DM Discord ou Twitter. Voilà. Les DM sont ouverts. Est-ce que Yabé est d'accord pour que sa tête soit montrée en live ou alors il préfère pas? Dites-moi. Je te laisse, c'était le new Pokémon Snap. Ah oui, c'est vrai qu'il est sorti. Bisous Golgotia. J'espère que tu t'amuseras dans ce jeu moche. Pourquoi tu niques le plaisir des gens? Mes lunettes. Pourquoi t'es pas sympa? Il commence à faire noir, tu peux allumer les grosses lampes. Morpho H, gang, let's gong. Ouais, c'est cool la Morpho H. Moi j'aime bien. Au début, tu vois. Il y a un coup, tu peux genre tu le mets et puis il commence à rouler comme ça et puis il explose. C'est trop stylé. Ah, c'est trop bien. Moi j'ai l'épée double épée. Ouais. Ça va vite. Un peu comme le prince de Perse. Oui. Tu peux aller allumer la grosse fumée. Oui, bah, je fais que ça, c'est bon. Yabé, pas de problème, go. Nickel. Et moi, tous ces cheveux. Bah, qu'il est beau. Attention, attention. Let's go. Yabé. Yabé a dit oui. Yab, Aya. C'est beaucoup d'entretien. Bah, je me doute. Moi, ils sont plus secs que ça. Hein. Je sais pas avec quoi tu les laves, mais j'aimerais tes mec, secrets. Mec, tu vas me chercher de l'eau, s'il te plaît.
t'es pas obligé, hein, je te demande juste. C'est entièrement faux, je mets rien dedans. Connard. Non, en vrai, ils sont comme ça quand je les lave pas trop souvent, justement. Parce que du coup, ils sont gras, et quand ils sont gras, ils sont un peu plus facilement balayables. Balayables, tu utilises le mot balayable. Pour tes cheveux. C'est l'heure de noyer Carthage. Fais des dons pour que je boive. Waouh. Dame la flouf. Regardez-moi ça, quoi. Voilà, deux fois, deux bois. Hein. New Pokémon Snap is cool. Oui. Tiens, bois. Comme si j'étais un yinche, quoi. Bâtard, cette baffe venait du cœur, MDR, mais TKT, je reste une éternelle gamine et j'ai du mal à avoir le mauvais. Non, mais non, c'est pas une baffe contre vous, vous avez le droit d'aimer. J'espère que vous aimez, d'ailleurs. Hein. Quoi, ça se trouve, le jeu est trop bien. C'est pas parce qu'il est moche qu'il est pas bien. C'est pas parce qu'il... Après, le but, c'est que quand même que tu prennes des photos, tu vois. Non, mais tu vois, le jeu peut être un peu moche, mais avoir des très bonnes animations, tu vois, par exemple. Elles ont pas l'air très très bonnes, les animations. Ah, mais ça, c'est toi qui l'as dit. Tiens, tiens. Bizarre, mais qui le disait d'autre ? Non, je sais plus. Je te dis. Ah, il est de retour. On disait que Pokémon Snack était moche. Snack. Pokémon Snack. Pokémon Snap, il est sorti. On disait qu'il avait l'air moche. Mais Golgotia va s'amuser. Ah, elle a bien raison, d'ailleurs. Ouais, j'ai pas vu assez d'images du jeu. Tu vas l'acheter, mec ? Vraiment pas, non ? Ouais, vous étiez super tenté quand il y avait eu le trailer. Bah, on était hype, mais c'est vrai qu'après, on a vu que c'était plutôt moche. Il y a Miitopia qui est sorti. Il y a plein de gens qui font plein de petits. Oui, c'est plutôt ouf. Vraiment, le truc de Miitopia. Les gens disent que Miitopia, ouais, il y a un peu de perruque et tout. C'est mieux que Photoshop, les gens. Non, genre, les gens vont faire genre des jolies et tout. Je crois. C'est plutôt ouf, ouais. Avatar, t'es sale. Homme des cavernes depuis le début, c'est parce qu'il est arabe, Arcade, sale arabe. What the fuck? Fais attention, ton... mais j'ai rien dit. Non, t'as dit. En plus, t'as dit que c'est toi qui. En plus, il parlait de lui-même. Il disait qu'il est... quand ses cheveux sont sales, ils sont plus jolis parce qu'ils tiennent mieux. Pourquoi vous êtes. Mais qu'est-ce que vous êtes. Vous êtes parti dans quel tunnel? Tu peux poser ça sur le top, s'il te plaît, merci. Non, mais j'ai un trou, tu les laves souvent. J'en sais rien, justement. Il a dit qu'il mettait rien dedans. Bah oui, c'est vrai que. Et quand ils sont sales, ils ont à peu près cette texture, les miens aussi. Enfin, pas sales, mais quand ils sont genre un peu plus gras. Mais c'est bien de pour au boulot, c'est pratique. Mais non, bah oui, mais c'est haut. Oui. Mais le bypass qui s'envole, mais je ne peux. Ouais, ça suffit. Le Covid, il est pas parti, surtout qu'on vit tous ensemble et qu'on personne ne voit là-dedans. Mais faire attention, c'est dégueulasse. Regarde-moi ça. Ça, c'est de la merde, ça. Tu veux que je te mette de la merde dessus? Putain. Mais Arcane aussi, il boit au goût vos trucs. Mais lui, il a le droit. Qu'est-ce que j'ai? Gisèle Chad, vous étiez en train de vous engueuler de ouf. Il m'engueule parce que je bois au goulot alors que c'est toi qui m'as passé le truc. Moi, je bois au goulot dessus, ici depuis 8 mois en fait. Bah, ça me dégoûte. Bah, tant pis. Fais pareil. Le street pass, il mérite pas encore le bipass. Mais bipass, j'en ai pas envie. Pas envie de dire le bimo. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, passe-le. Passe. Qu'est-ce que vous faites? Des chips. Mais vous êtes fous. En plus, vous avez pété toutes les chips dans le paquet maintenant. Des buggers. Mais il est 16h! Et alors? C'est du gâteau? Attends, je viens de manger un biscuit là, attends deux secondes. Mais genre, j'ai saveur! On va bouffer des Pokémon dans le snack. C'est la suite du Pokémon Café là, qui était un peu mignon. C'était mignon, mais quel gameplay de merde. Non, on allume cette lumière comme ça on nous voit mieux sur le live des os. Mais c'est clair dehors! Ouais, je sais, mais. T'as vu? Enfin, c'est l'appart! C'est ça, voilà! Non mais je l'ai le street pass, mais à condition que la prochaine fois que je vois Bioma, je lui offre une canette. Faut que je lui ramène une petite canette. Tu sais, street pass, c'est une application 3DS. Oui, je me disais. C'est la même chose. Ah d'accord. Merci. Mais si tu prends des photos, et bah ça bouge, donc plus tu profites, pas des émissions. Putain, mais t'es vraiment une grosse merde à regarder ça comme ça, hein. Vraiment. Tu peux même pas en prendre du coup. Mais je vais le mettre là, mets-le là, voilà. Sinon je le mets dans un bol plutôt, non? Non. Non, bizarre de mettre ça dans un bol. Trop bizarre. Parce que j'ai peur qu'il tombe en fait. C'est toi qui vas tomber dans mon esquive. Je vais mettre dans un bol. Vous allez avoir des bruits de chips pendant des années. J'ai désolé. Tester, hein. Je vais faire un live dessin car t'as envoyé des chips. La question, c'est fini le ramadan? Ah. Tu vas avoir le bypass un jour, j'attends que tu perces comme ça pour 50 sel. Les gars, c'est fini le ramadan? C'est bon, on a le ramadan passe. Ah bon? Je demande. Je demande si c'est fini. Qu'il n'y ait pas des gens qui sont en mode, oh les bâtards devant leur écran. Non, ce n'est pas fini. Ah merde. Mais c'est pas grave, ok. Sûr, hein?
C'est vrai, ça vous gêne par exemple s'il y a des gens qui font le ramadan là dans le truc? Est-ce que ça vous gêne quand des gens mangent, quand vous voyez des pubs de Mais bouffe, non, je pense pas, mais ça les gêne pas. Mais putain, on va vraiment avoir ce débat? Est-ce que j'étais agressif? Oui. Je demandais justement mais non, on l'a pour déjà, voir si des gens soutenaient déjà ta demandé, position. Et la plupart des gens ils disent non, non, ça me gêne pas, mais je préfère, pour personnellement, je préfère demander est-ce que ça me fait plaisir. Mais là, je demandais pour être sûr, c'est tout, je demandais. Ouais, ouais. J'ai pas le droit de demander. Non. J'ai vraiment pas le droit. Au contraire, est-ce que c'est pas plus gentil d'être en mode est-ce que ça vous gêne machin et tout? Mais si, mais tu l'as déjà demandé sur un de mes lives. T'es un immense connard. Hein. What? Je m'en souviens pas. Bah, temps. Tu passe-moi de l'eau et souviens-toi. Ça va m'aider sûrement. Mais oui, bien sûr. Pardon. Ça se finit quand d'ailleurs? Demain. C'est vrai? Non. Ok. Pourquoi t'aurais su? Vous pouvez continuer. Fanta, c'est bien la street. T'es gâté de chill, non, ça gêne pas. Non, ça gêne pas. Tant que c'est pas un immense kebab, ça va. Ah, heureusement que je suis pas en live ce soir. Oui, mais je suis pas en live moi, chez moi. Sur l'aide de Marina ou Flo ou Gartas, personne verra que je mangerai un immense kebab. Enfin, de toute façon, je pense qu'on mangera avant l'immense kebab. Enfin, moi, je vais me chercher un kebab sûrement. Ah, tu y vas IRL? Ouais. IRL? Le 12 mai. Oh, c'est bientôt, ça va. Non. C'est un moment quand même. Le 12 mai. Attends, le 12 mai, c'est pas. C'est long, attends. Ouais, c'est dans longtemps. Ouais, c'est dans 2 semaines. Ah, dans 3 semaines. 12 mai, c'est mercredi dans 2 semaines. Dans 2 semaines et demie, pour être exact. Quel courage. Ah, demain, je vois quoi faire. Ouf. Ouais. Oh, tu sais ce que je vais mettre juste? Pas aussi street que Hawaï qui vient de Dubled. Quoi? Ah! C'est pas le thème du château? On aurait dit, mais en fait, non. What? Il y a 3 thèmes qui ressemblent au thème du. J'en ai marre, il y a 3 thèmes c'était de. C'était pas la même orchestration. Oh ouais, c'est putain, ça, c'est... Il aurait fallu du. Non? Il va sortir nouilles sautées au poulet. Alors, encore un plat qu'on peut pas faire. Bah, tu remplaces au poulet. C'est vrai qu'on pourrait mettre des champignons. Bah, alors, c'est juste des nouilles sautées, c'est super simple à faire. Bah, c'est le chef qui le fait. C'est le chef. Mec, tu sais que je pourrais faire n'importe. Le riz frit, je change juste le riz par des nouilles, c'est pareil. Ça fait des nouilles sautées. C'est ce que je vais mettre juste. Et je mets un peu moins d'huile. On va couper la musique Nintendo Chill là. Et je vais mettre une autre musique de Nintendo. Juste parce que j'ai envie de full être à fond. Le 5 euros c'était pour payer le kebab d'arcade. Quel plaisir. Tu me le payes? Je sais pas si les gens l'entendent bien. T'as dit quoi? Des gens sans goût. Sans aucun goût, vraiment. On entend. Ah. C'est la musique de Shogun Land! Elle est trop bien! Je sais pas pourquoi ils ont tout donné sur cette musique. Ils ont dit alors ça va roxer! Babadaba! Arcade Toasters! Quoi? Ouais? Tout de suite là? Bah. C'est un four, hein. Moi j'attends que tu fasses le vrai site web du. Ouais. Non, de, le truc de, que t'avais fait de Madeo. Le truc que t'avais fait de Madeo, c'était tellement stylé. C'est vrai. Sur un faux site web. Oh, stylé. C'est trop bien. Oui. Ouais, c'est classe. C'est bien. Je vais mettre ça dans un vol. Espèce de porc. Je me suis bourré la gueule. Je suis à ça de prendre une bière. J'ai envie de clean le sketch en vrai, mais avec une flemme. Hop. Tu vas en bas. Hop. Oh, c'est vraiment chiant hein, le dessin. Tu veux voir ce que je fais? Tu fais du dessin, bordel. Que ça rapporte de la moula, c'est la seule raison pour laquelle je dessine. C'est pas doux parce que c'est ma raison de vivre et que j'adore ça. Moi je fais ça bizarre, la moula. Tu vois, il y a toujours des gens qui genre, sont en mode waouh, je comprends pas comment ça se fait que tu dessines autant. Et à chaque fois, je leur dis, bah en fait, j'avais pas d'amis quand j'étais petite, du coup, c'est devenu ma seule raison, c'est ma seule façon de me distraire du malheur de la vie. Putain, vous faites des variantes de 8 et 0, je m'en mets. Personne ne s'amuse. Moi aussi, hier, j'ai fait que ça. En vrai, c'est un peu rare. Non. De quoi? Si tu peux tenter plein de trucs, moi j'ai mis. Ah, c'est ce qui est, on dirait des arbis. Pour les 80. Merci. Ah, excellent. Ah,
Elle est tellement cool cette OST. Oui. Tu fais des nouilles, tu mets sur de l'huile sur une poêle, tu fais des nouilles, tu mets les nouilles dans la poêle, tu cuis les nouilles et t'as fini. Alors, c'est à peu près ça, mais il te manque quelques étapes. Ah ouais, c'est assez simple, hein. Bon, faut cuire les nouilles à côté, mais... Bah, allez-y, bah, cassez-vous, allez voir MV, quoi. Il fait encore du RP machin, là ? Ouais. Trop bien, les musiques d'Origami King. Oui. Oui. Trop bien, Origami King, c'était vraiment un c'était jeu vraiment sympa. Un chouette jeu. Enfin, au niveau de l'écriture. Le système de combat était à chier. Désolé. Ça va. Tous ceux qui disent c'est trop bien, on résout des puzzles, n'y ont joué que 2 heures. Le reste, ils n'ont pas joué au jeu. C'est, vous pouvez les notices comme ça. C'est des gens qui n'ont pas joué au jeu. Non, c'est vrai que c'est bien, mais bon. Pas longtemps. Une heure, quoi, max. Genre sur. Un peu de soja dedans, c'est mieux. Oui. Ouais, vraiment, c'est pas dingue. Après, j'aimais bien les combats de boss. Mais ils sortent un peu de nulle part, leur fonctionnement. Et puis, je sais pas, il manque des niveaux, quoi. Comment ça, il manque des niveaux? Bah, pas de système de niveau. Ah oui, oui, ça c'est dommage, oui. Je comprends pas. Du RPG GTA, oui. Par contre, il y a des phrases, genre, toi aussi, tu veux venir chercher le salut. De niveau écriture, et même décor. Décor et situation, et univers et tout. Le jeu est vraiment très bien. D'ailleurs, c'est lui, il est pas trop stylé, on dirait un batteur dans un groupe. Putain, je l'avoue. Il est trop classe, on dirait qu'il est dans un. Dans un shoujo. C'est le. C'est le mec un peu ténébreux mais toxique. D'un shoujo centré sur un groupe de rock. Ah. Ou un groupe de pop un peu machin, tu vois. Ouais. Un peu à la. Je sais plus comment ça s'appelle. Killary. Vous suivez le RPZ, j'ai l'impression qu'il y a des polémiques. Je suis pas. Non, pas vraiment. C'est quoi, le Mano RPZ aime beaucoup. Moi, je suis un peu, ça me fait. Et je suis, genre j'ai regardé le début de la première VOD d'Antoine Daniel, peut-être que je continuerai quand j'ai rien à foutre. Le truc c'est que ça m'emmerde de juste regarder une vidéo pendant longtemps. Pourquoi ça fait polémique? Une VOD. Non, je ne sais pas pourquoi ça fait polémique, dites-le nous, pitié. Jamais... Est-ce que ça fait polémique parce que Ponce fait un accent du sud tout le temps? Est-ce que c'est ça qui fait polémique? Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des accents. Il y en a un qui fait un accent, je sais plus quoi, portoricain je pense, j'en sais rien. Ah oui, genre espagnol. Ouais. Je sais plus, j'ai pas suivi, je t'avoue. Ouais, moi non plus. Enfin, ouais, je traîne sur un chemin dans une situation totalement différente. Soudainement, ils sont à l'église. Soudainement, ils sont arrêtés par la police. Soudainement, ce machin, genre, qu'est-ce qui se passe? Il a les mêmes lunettes que dans Gurren Lagann. C'est vrai, c'est les mêmes lunettes que de. Tiens, la musique de combat aussi à Jogunan était ouf. C'est les mêmes lunettes que. Comment il s'appelle déjà? Carapuce. Merde, c'est le meilleur personnage. Carapuce. Non, pas Carapuce. Enfin, du mec de Gurren Lagann. Comment il s'appelle? Le frère. Le meilleur perso de Gurren Lagann. Le mec aux cheveux bleus? Oui. Je sais pas, j'ai jamais regardé. Il y a plusieurs des mecs aux cheveux bleus, il me semble. Kamina, merci. C'est nul d'ailleurs, Gurren Lagann. Bref. Quoi, t'es un connard? C'est genre le truc numéro 1 qui me définit, c'est ma seule passion. Les lunettes comme ça? Il est la guitare. Guitariste, respectez-moi. Bah, tu seras le guitariste mec toxique. C'est ça. Je suis désolé, hein, c'est un peu ça. Vous avez pas ce genre de vibe? Pourquoi t'as essayé de combattre tout le monde que Yabou est toxique, c'est pas cool? Je dis si ce. Oh mon dieu. Tu fais de la diffamation, Arcade. Waouh. Je suis une guitare. Un peu stylé. Deux fauves, deux frères. C'est pas cet ordre-là, mais oui. Je suis juste cosplayé en humain. Mi. Kamina. Bah ouais, Carapuce dans Gurren Lagann, j'adore. Yabé égale guitare, respect, c'est physiquement une guitare. Ah d'accord, juste tu joues de la guitare, Yabé. D'accord. Plutôt électrique ou plutôt... Je sais pas s'il y a des... Les guitaristes, il y en a, ils ont des préférences. Genre, si tu sais très bien jouer de la guitare électrique, est-ce que ça veut dire que tu sais très bien jouer de la guitare folk? Pas du tout. Non, je sais pas. Où il faut vraiment deux skills assez différents. Je sais pas les guitares, je suis... Elle est rigolote quand même, t'as vu? De dos, c'est juste un buisson. C'est vrai, c'est vraiment juste un buisson. Une goutte de feuille. Hein. Yabé cancel sans faire exprès par les propos d'Arcade. Ce n'est pas lui dont... Oh. Ouais, je vais me tirer une balle. En soi, si tu es fort, tu es fort en tout.
Ah bon? Un mec très fort en guitare, je sais pas s'il sera aussi fort au piano. Peut-être qu'il apprendra plus vite. Parce que du coup, il aura l'habitude d'autres instruments. J'avais vu un truc, c'était genre, un mec qui avait appris plein d'instruments, qui parlait à un autre mec qui avait appris plein d'instruments. Ils disent, le premier instrument, il est difficile. Le deuxième, il est très difficile. Parce que tu vas te séparer, genre, si tu fais piano, très différent. Ah oui, mais le troisième est beaucoup plus simple. Le troisième, plus simple. Parce qu'en fait, genre, le premier, bah, t'apprends un nouveau instrument. Le deuxième, tu apprends un truc, tu vas être complètement contre les règles que t'as apprises sur ton premier instrument. Et puis ensuite, t'es en mode, ok, je sais que c'est différent, tu vois. En gros. Oh, d'accord. Si tu es fort en tout, mais tout le monde a sa préf. Ah non. Ah oui, tu parlais genre de toutes les sortes de guitares. Ouais. En gros, si t'es très fort dans une guitare, bah t'es fort dans tout. Ouais. Alors peut-être, en tout cas, bah, tu devras apprendre beaucoup plus vite, je suppose. Ouais. Bah c'est comme, tu vois, un mec fort en piano, il est fort en mélodica, tu vois. C'est à peu près pareil, tu vois. C'est pas exactement pareil, mais globalement, il est fort, quoi. Un mec fort en guitare est d'office ultra bon au kazoo. C'est vrai. Non, en plus, il y a des gens qui ont de la guitare qui chantent extrêmement mal. Alors que pour faire bien du kazoo, faut bien chanter. Hein. Pour Akad, donnez-lui de l'argent pour le soutenir. C'est vrai, je suis vraiment en manque de thunes. Et si vous me donnez de l'argent sur mes streams, c'est pour Manu et Kerry. Et pour Script. Donnez directement de l'argent à Manu et Kerry, en fait. Juste à moi. Pourquoi pas Kerry? Arcade STP, harcèle Cartas pour qu'elle t'envoie le dessin en DM. Tu vas me proposer d'harceler une meuf? Qui te dit que je suis une meuf? T'assumes mon genre? Pardon. Oh putain, tu m'as fait genre mode reverse cancel. Trop forte, quoi. Ouais, trop forte. Incroyable. Dans Retsuko, ça parle de guitare à un moment. D'ailleurs, bientôt la saison 4. Bientôt? Ça va faire plaisir, ça. Oui, mais Aida, il joue de la basse. Ah bah tiens. Un mec, quelqu'un de très fort en guitare. On est d'accord que basse et guitare, par contre, c'est vraiment différent. Peut-être que quand tu sais bien jouer de la guitare, t'apprends plus vite la basse. Mm-hmm. Mais globalement, c'est vraiment pas la même chose. Il y a que 4 cordes sur une basse. Ouais, sur un ukulélé aussi. Donc c'est pas pareil. Okay, surtout pas du tout la même technique, tu vois. Tu joues pas de la basse comme ça. Tu joues pas en grattant. Tu tapes, tu vois. Et limite, un ukulélé guitare, oui, ça se comprend, tu vois. A priori, la grosse diff entre électrique et acoustique, c'est comme le son est créé à partir de ton input. Ah ouais? Mais le truc c'est que entre acoustique et électrique, il y a pas de différence de jeu. Tu joues pareil en fait, c'est juste que c'est un son très différent. Bah du coup, tu adaptes ton jeu en fonction du son. Oui, mais genre il est pas aussi différent qu'entre une basse et un guitare, tu vois. C'est comme si tu passais de piano à clavecin. C'est le son qui est très différent, du coup tu joues pas la même chose, tu vois, mais enfin je pense. Moi je pense que la différence entre basse et guitare, c'est un peu pareil que la différence entre ah non, est-ce que c'est pas moins différent? Parce que j'ai jamais joué de l'orgue entre piano et orgue. C'est pas exactement pareil, il me semble, piano et orgue. J'ai jamais joué sur un orgue, j'avoue. Ça va être sympa. Bah, ça va être joli. C'était un peu mon rêve de jouer sur, tu sais, les gros orgues qu'il y a dans des églises, les trucs avec trois niveaux, t'es en mode, mais c'est magnifique. Il y a énormément de techniques différentes. Heureux, Karl et Nano. C'est la même chose, la basse et la guitare, ça se joue pas pareil. Oui, d'accord, oui, vous êtes d'accord, c'est très différent. La première moitié de la saison 3 est nulle et pas exploitée. Genre, là, on se focus sur les jeux VR de drague. Le truc avec Agretsuko, moi je trouve la saison 3, globalement, elle est bien. Moi je trouve globalement, il y a vraiment une storyline qui se suit. Par contre, la saison 2, on en parle du personnage de. Du fils de pute de merde là. Qui prend littéralement 3 épisodes et donc tout le monde se bat les couilles après. Anaï, c'est ça? Anaï, oui. Voilà, donc lui, non, tu peux pas me critiquer le début de la saison 3 si t'aimes bien le début de la saison 2. Pire perso, hein, vraiment. Normal. Moi j'avais bien sa relation avec la meuf hippopotame. Mais parce qu'on aime bien la meuf hippopotame, elle est trop bien. Elle a braqué une banque, je te rappelle. Ah bon? Oui, à un moment, elle enfant, elle a doit... Oui. C'est. Comment elle s'appelle la meuf hippopotame? Elle a la grippe et elle a braqué une banque et. What the fuck? C'est peut-être pareil que droite et REM. La République en marche la diffère est peu perceptible. Elle est dure à faire en vrai parce qu'elle a des formes très simples. Genre sur la basse, il y a le slap, le tapping, et après, c'est les mêmes techniques que la guitare. D'accord. Puis là, la basse, c'est un peu le Luigi de la guitare. C'est vrai, c'est ça que c'est moins connu, mais les vrais savent reconnaître leur valeur. Et tout le monde trouve ça un peu plus sexy, bref. C'était Clara qui... Clara, elle thirstait sur tous les bassistes, et puis elle est devenue bassiste. Le truc avec la guitare acoustique, c'est que soit t'es un vieux mec un peu tradi,
un peu boomer ou quelqu'un qui sait vraiment jouer, et là c'est stylé, soit t'es vraiment un petit blanc qui veut jouer Wonderwall. Donc à la guitare acoustique ? Oui, c'est les deux après, moules. Après t'as Basile. Basile c'est un petit blanc, mais il te joue des petits trucs, des petits airs et tal. Mais qui est allé au bout du truc. Ouais. Qui est vraiment, mais je suis sûr elle a un peu commencé comme ça. Non, sa famille joue de la musique depuis les petits. Ouais. Sa sœur fait du piano mais de manière parfaite, elle chante très bien. Oh. Non, il a une famille de bobos qui font de la musique quoi. Ah nice, c'est le collègue toxique un peu incel qui déverse son stress sur les autres. Je le surkiffais, ah non pas lui. Non mais désolé, Anaïs c'est vraiment le pire. Après la fin de son trame est un peu vénère parce que ça hit way too close to home. Ah. Dur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que vous dans la saison 4 parce que alors c'est pas la dernière? Parce que franchement c'est bientôt fini, je sais pas, ils vont pas étirer l'élastique de Aida et Retsuko pendant des années. Moi je pense que la saison 4 c'est la dernière. Après, je sais pas, parce que si ça se trouve, ils sont. Moi, je pense qu'ils ils écrivent pour les mettre ensemble à la fin. Mais, peut-être que non, justement. Je sais pas ce que vous pensez, vous. Mais, moi, les deux pourraient se passer, ça me dérange pas. Oui, je pense les deux sont possibles, mais moi, je pense qu'ils vont vers cette direction. Et aussi, parce qu'en fait, j'adore Aida, j'ai juste envie qu'ils soient heureux. Mais, c'est moi. Est-ce que tu seras vraiment heureux avec Retsuko? Parce qu'elle est quand même très indécise et. Non, mais après, c'est l'arc de Retsuko aussi de. de faire un peu l'ordre dans sa vie. De réussir à être heureux, de pleinement profiter de la vie, bien sûr. Today is gonna be the day. Today! Tadano big crush sur lui. Tadano, oui! Les gens shippent Tadano et Aida. Bourgeois boy communiste. Les gens ils shippent Tadano et Aida et je vois très bien d'où ça vient. Ouais. Je vois très bien cette idée-là. Je la trouve tout à fait possible. C'est-à-dire que si Aida n'est pas écrit pour être avec Retsuko, il a une maison, une porte grande ouverte devant lui. Et j'espère qu'il sautera dedans. Feneco des avis, baisse perso. Non. Elle est trop bien. Elle est très drôle. Elle est très sympa. Ah, ouais. Quelle connasse, mais qu'est-ce qu'on l'aime. Nous, on regarde en VF et la VF est vraiment pas mal en vrai. Ouais, la VF est bien. Mais pourquoi j'ai tellement adoré Tadano? Parce qu'il est communiste. Bourgeois communiste à Wii Arcade, quoi. Ah oui. Eh oui. Bah, après, toi, t'es pas aussi riche que lui, quand même. Je suis pas aussi riche que lui. Et pas aussi intelligent. Bah t'as vu, il a créé une... Il est pas aussi intelligent. Il a créé une AI. T'as créé une AI. Je sais. Je le répétais en mode, mais pas sur la même intonation. Attention, bot dans le chat. Ah bon? Ah oui, j'ai le big pouvoir de... J'ai le pouvoir de le barrer. Ouais. Oh putain. Là, le c'est bon. Ton ordi de merde, là. Comment on banne? Ah, bannir. Bannir, c'est bon, c'est fait. Offrir un abonnement. Au bot. Ouais, vite fait, là, comme ça. Aida, le best, il mérite best life. Mais oui, il est tellement chou. Moi, je refuse de dire qu'il fait des grosses conneries avec... enfin, je refuse. Comment elle s'appelle, la chienne? Ah, Inui. Ouais. Oui. Parce qu'il est indécis, tu vois, il fait pas non plus, je sais plus. Est-ce qu'il fait des grosses dingueries, vraiment des trucs de connard? Non, il est juste très très indécis parce qu'il est très amoureux de. Et il tente, il est en mode ah, peut-être ça me tente, machin, etc. Elle se rend compte et ça la blesse, du coup, là, je me pars et elle a raison, tu vois. Sauf que les deux sont pas en tort. Les deux sont pas mal écrits, hein. Moi j'aime bien leur relation. J'aime bien Inui. Inui, elle est cool. Elle est cool, ouais. La VF de Gratsiko qu'elle régale. Ouais, elle est cool. Elle est vraiment bien. Arcade connoisseur. Aida, c'est l'un de mes persos préférés, mais je préfère Feneco. Feneco a jamais dans mon cœur. Je comprends. Mais Aida, globalement, j'aime. Aida, c'est une hyène et j'adore si les hyènes, en fait. Du coup. Bon. Je l'aime si fort, il joue de la basse. Il est beau. C'est une hyène. Il est trop gentil. Il est trop mignon. Il est un peu tragique. T'es tellement infurié. Ouais. Mais non, mais je suis pas. Putain, mais. T'as dit ouais avec tellement de confidence, putain, t'as dit t'aimes tous les. T'aimes n'importe quel perso de Retsuko, je parle juste de mon préféré. Tu regardes Retsuko, t'es un peu infurié, hein. Bah, j'ai pas dit le contraire, je lui ai dit que t'étais infurié, t'as dit non. Non, tu as jeté le mot tellement. Allo BoJack Horseman, allo Black Sad, allo Fantastic Mr. Fox, allo... Ça n'a rien à voir. BoJack Horseman, tu vois, j'aime pour les thèmes. C'est faux. Ah si, j'aime aussi pour les thèmes, mais bon. Oui, allo Fantastic Mr. Fox, allo Black Sad, oui. Oui. Black Sad, d'ailleurs, on est censé avoir des infos allo sur Beastar. Les prochains thèmes. Oui, bien sûr. Vous êtes chaud, vous, pour les tomes 6 et 7 de Black Sad? Moi, de ouf, hein. J'aimerais... Vous imaginez, ça sort cette année, putain. Juste pleurer, hein. La 4, c'est le déni. Bon, pff, vous savez. Moi, j'aime bien le boss cochon. Est-ce que t'arrives à lire Hiata ou pas?
Ou difficilement. Si tu me l'avais pas dit, je sais pas. En fait, ça rend l'être inversé. Ouais, mais le fond noir fait vraiment que. Mais c'est parce que c'est dur, hein. C'est nul, Yata. En fait, on dirait que ça fait Yaya. Je sais pas, prends le logo Istopac et enlève les lettres. I'm not furry, but. Tu sais que c'est un truc à Yata qu'il y a tout, que tout le monde a. Ah bon? De quoi? Dès qu'un élève a un truc Istopac, sa musique de Mister GD. Ah, je sais plus d'où elle vient. Attends, je vais regarder. Non, c'est Mario Kart. Toad's Factory. Ouais, c'est ça. Elle est trop bien cette musique. Arcade en mode I'm not gay, but $20 is $20. But a bro is a bro. Agatsuko, c'est l'un des seuls animés, si c'est un animé que j'ai fini. Bah, c'est de l'animation faite au Japon. Donc, techniquement, là, tu vas rentrer, faut en parler de ça avec Teromik. Là, il te lancera dans un long débat. Qu'est-ce que c'est entre Avatar, Agatsuko, tout ça. Et bien sûr, il va y avoir l'exemple, le token absolu, le débat. Il y a deux débats. Il y a Avatar, et dans l'autre coin, il y a Pingu, bien sûr, et Plenty of Stacking. Et ça, c'est les deux moments où les weebs sont en sueur. Dès que tu dis ces mots-là, ils sont en mode, qu'est-ce que quoi. C'est là tous, on va regarder CNews pendant 24 heures avec Usu Master. Je veux bien. J'ai aimé Black Sad, c'est si bien. Alors, moi, j'aime énormément Black Sad. Je trouve ça vachement, vraiment, vraiment très, 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 très bien. Mais c'est des polars. Faut aimer les polars. Faut aimer les histoires policières et les polars dans ce genre-là. Bah, j'aime pas, moi, si mais j'aime tellement les dessins que ça passe. Oui, c'est aussi magnifique. Graphiquement, c'est vraiment beau. Mais globalement, c'est des histoires de polars. En vrai, en termes de polars, c'est assez classique. Ça révolutionne pas le monde du polar, mais c'est très beau. Et les histoires sont bien. Et moi, j'adore. J'adore voir un max de meufs se faire violer et se faire tuer. Super. Je t'avoue, j'en ai rien que. C'est pour ça que j'aime pas les polars. C'est les polars. Voilà. En tant que femme, je t'avoue que c'est pas agréable de lire ça, tu vois. Quand tu vois que le héros est un mec et que jamais t'as une meuf en position de pouvoir. Et quand c'est une meuf en position de pouvoir, c'est. Waouh, t'as vu, c'est une meuf en position de pouvoir. Voilà. Il y a des très bons polars avec des meufs en. Bah, oui, t'en avais lu un. Récemment, il y avait une meuf policière, tout simplement. Ok, laisse tomber. Peut-être. Ça, j'en lis beaucoup des polars souvent en été, et du coup, je les oublie un peu. Parce que c'est des polars un peu comme ça, tu vois. Mais il y en a des vachement bien. Il y a la meuf de l'orphelinat, un peu. Bah, il y a, en vrai. C'est marrant, il y avait Agatha Christie. Il y a toute une série d'Agatha Christie qui, en fait, l'enquêtrice, c'est genre une vieille boomer. C'est une vieille meuf, c'est trop marrant. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est. Je sais plus comment elle s'appelle. Miss Marple, je crois. Et Wakfu, tout le monde s'en fout. Wakfu aussi pose des questions, mais effectivement la différence c'est que Wakfu, tout le monde s'en bat les couilles. Waouh. A raison ou tort, je vous laisse choisir. Moi j'aime bien Wakfu, sauf la saison 3. Moi je... oui. Moi, je me rends face à Gatsuko pour la cinquième fois. Ouf. C'est sympa, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. En même temps, genre, je comprends. Il y a aussi genre, cet attachement que quand t'as joué à Dofus et que t'as regardé Wakfu, il y a un full attachement. Moi, j'ai pas joué. Voilà. Arcade, j'ai oublié de te dire un truc urgent. Regarde DM. Oui, c'est Miss Marple, mais Wakfu est sur ADN. Bah, Wakfu, ça a eu un succès au Japon aussi. Hein. Merci, Brocraft. Bienvenue. Envoyez DM, c'est-à-dire, tu m'as envoyé un truc sur Discord, Bioma, parce que là, j'ai pas Discord sous la main. Enfin, j'ai mon téléphone, mais j'ai la flemme de regarder. Donc, plus tard, peut-être. Ça me parlait de quoi? Vitef. Bon, je vais regarder parce que ça lui fait plaisir. Qu'est-ce qu'elle m'emmerde? Elle. Combien c'est un truc sur One Piece? Tu connais la fin de One Piece? Ah oui, merci. Oui, tu peux utiliser deux. C'est vraiment une salope. Hein. Pourquoi? Elle a dit quoi? J'ai juste envoyé Ned Stein. C'est vrai, on est vendredi aujourd'hui. Nous sommes vendredi. C'est la fête des œufs. Non, on s'en fout de ça. Pap, oh, pap. Je te hais, Arcade. Bioma, j'ai le droit de me foutre de ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est vendredi? Qu'est-ce qu'il y a de si bien? Parce que... Y a pas de chapitre de One Piece cette semaine. C'est la Golden Week. Ah oui, ah oui, nous sommes vendredi, mais c'est le compte de Macron. Pas popé. Ah bon? Wakfu, c'est un gros succès aux US aussi, et la parodie aussi. La parodie. Vous parlez de la parodie porno? De quoi? De Wakfu. Ah oui, oui, je l'ai vu. Très gros attachement à Wakfu, c'est le dessin animé de FR3 quand on regardait avec ma soeur. Non mais Wakfu, c'est bien, en vrai. Non mais c'est bien, mec. Arrête. En fait, de ce que j'ai vu, j'aimais pas. Mais t'as pas vu, du coup, tu t'as pas donné le droit de donner ton avis, en fait. Tu fermes ta gueule. Désolé, c'est trop bien, Wakfu. Hein. C'est trop bien, trop Wakfu. Trop bien. C'est sympa.
C'est très bien au niveau du fait que ce soit un cartoon français et que les cartoons français ont rien en termes de crédibilité dans le... En vrai, tu penses à... Tu remets en question, c'était... Je trouve dirigé vers les gosses, il est bien, tu vois. Je trouve vraiment, un gosse peut vraiment apprécier Waku. Ouais. Et il reste avec... Je trouve qu'il est très bien dosé pour son public. Parce qu'à la fois, il est bien et tout le monde peut le regarder en enfant, c'est super cool. Et à la fois, il y a plein de des trucs un peu sérieux, j'ai machin. J'ai jamais dit le contraire, je trouve qu'il est juste pas je trouve la saison 1 est cool. Est vraiment bien. Non mais... Un peu de respect quand même. Mais j'ai du respect. Pour Wakfu. Je kiffe. C'est un peu le sol dans son genre quand même. J'ai kiffé de regarder, tu vois. Mais vraiment, je suis en mode. Il y a tellement de petits trucs qui me. Les persos féminins, quoi, je les trouve insupportables. Et Pimpin est moi, en vrai, je trouve ça va, tu vois. Tu bloques énormément sur Evangeline et Pimpin, mais les persos féminins non, en non, soi, je tu vois. Amalia est pas ouf. Amalia est insupportable. Amalia est pas ouf, la sœur d'Evangeline est dégueulasse. Moule. La sœur d'Evangeline, c'est une connasse. Ouais, mais oui, il y a pas d'autres persos féminins, mais. C'est pas grave, genre, c'est pas grave, c'est très bien, mais les persos féminins sont. Toutes les femmes sont des putes, ok, je retiens. Non, Wakfu, effectivement. Non, mais il y a des gros défauts, moi je trouve, effectivement. Il y a des persos un peu chiants, il y a mais des en général, en Kama, en plus, ils sont très nuls en termes de personnages féminins, même au niveau de design, tu vois. Evangeline saison 2, cheveux courts, ayaya. Ça y est, les gens sortent de leur grotte Wakfu. Wakfu, more like Wakpa si tu... What? Si tu es MR8, pas... J'ai pas compris ton message, Coco. Je suis désolé, je suis un boomer. Il y a beaucoup de Black Salas. Non, mais Wakfu, c'est lourd. Mais on s'en fout. On va pas se mentir, c'est lourd. Hein. Genre, les gens sont... C'est trop bien, il y a des Black Salas. Enfin, cool. Tot, c'est un peu un bof. Moi, j'aime cette série seulement pour Nox, quoi. Mm. Parce que j'adore les méchants dramatiques. Wakfu, les... Épisode par épisode, c'est bien. Les persos sont plutôt sympas. Les méchants sont dingues. Sauf... Enfin, sont dingues et parfois ils sont pas ouf. Le méchant de la saison 2, j'aime pas son changement de design. Et sa fin, je trouve qu'on remet pas assez en question Hugo. Mais les méchants sont trop bien. Sauf la saison 3. Et encore dans la saison 3, le méchant, c'est le meilleur élément. Tu dis, ouais, c'est trop bien, mais la saison 1, elle est cool. Déjà, un peu de nostalgie. Oui. Et ensuite, en vrai, un peu de respect, tu vois, c'est un des... Mais je respecte. C'est un des premiers... Ah, je sais pas si c'est un des premiers, mais un dessin animé français, aussi c'est inspiré d'animé, qui a autant de succès, qui est aussi bien mené, avec des persos aussi forts, tu vois, genre Nox, Hugo, il est cool. Bah, en fait, t'aimes juste Wakfu pour Nox, soit à vous. Évidemment que j'aime Wakfu pour Nox, voilà. C'est Nox. Un peu de respect. Bah oui, justement, je te dis, mais t'aimes Wakfu. Arrête de dire Wakfu c'est trop bien, dis Nox c'est un perso. Wakfu c'est trop bien, ça suffit. Non. Putain. C'est pas trop tu bien. Tu passes ton temps c'est très sympa. À dire que des cartoons américains dont on se bat les couilles sont trop bien parce que tu les aimes. Et moi j'ai pas droit avec Wakfu. Non, j'ai jamais dit genre qu'est-ce que j'ai dit que c'est trop bien. Je sais pas, par exemple, un petit truc qui s'appelle My Little Pony. Bah c'est trop bien parce que c'est un très bon cartoon pour enfants, mais je suis d'accord avec le fait que. Tous les trucs que t'as regardé, genre mes parents sont magiques. C'est de la merde. Mes machin truc. C'est de la merde. Oui, mais je t'ai déjà entendu dire c'est trop bien. J'ai déjà entendu les dire. Tous les machins, tous les trucs de Disney Channel de merde là. Ah ouais, les sorciers de Waverly Place, les Zack et Cody, les Hannah Montana, les machins, trucs machin. Tu passes ton temps à dire c'est tellement bien. Tellement bien, c'était trop drôle quand j'étais petite, mais maintenant c'est bon. Bah, j'ai le droit de dire ça de Wakfu, j'ai le droit de dire c'est trop bien Wakfu. Oui, mais dis pas. J'ai pas le droit. Mais t'as le droit de dire ça, mais dis pas, oh, constamment maintenant c'est encore trop bien. Merci, quel acte t'arrives ? Je viens requérir un dessin d'une nouvelle OC que j'ai adoptée. Une petite dragonne basée sur le monster dragon au thé blanc. Au thé blanc. Je peux autant envoyer la ref en MP Discord. Et comme pour créditer la psy, esti@ukatirebarmac. Ah, bah oui, Oka. Je connais Oka. Dans tout ce que fait Okama, c'est lourd niveau blague de cul. Ah non, mais ils sont super beaux, les chiens Okama, vraiment. Ils ont les têtes pensantes de Okama, c'est des beaux. Enfin, ils sont vous avez vu la gueule de leur perso féminin, quoi. Au secours. Ils sont très beaux, ils sont très doués, c'est très joli. Madame, mais. Mais s'il y a des jolies madames, mais. Mais bon, faut pas que des jolies madames, quoi. J'aimerais bien qu'il y ait des jolis messieurs aussi, au lieu d'avoir des espèces de. Il y a des jolis messieurs quand même. Non, ce qui est chiant, c'est que parfois, il y a des messieurs. Qui sont pas forcément jolis mais qui ont un design intéressant mais ils leur prennent pas sur les meufs. Les meufs oui, les meufs c'est juste des meufs. Il y a des mecs beaux aussi tu vois. Meufs. Bonne meuf. Pourquoi je peux plus faire de molette là-dessus. Allô. Ah non ça va. La saison 1 à Nox a un avantage sur toutes les autres saisons même si le méchant de la saison 2 est cool aussi. Oui Nox est vraiment le meilleur élément de Wakfu en général. C'est le meilleur perso. Son short est très cool. Il a un peu le style à la Mind Game qui fait très animation japonaise justement et... Et en vrai on se branle sur Nox mais en vrai Nox il est pas si... Enfin il est assez simple comme perso. Ce qui est trop fort, c'est qu'il son côté vraiment très réussi dans son côté tragique. Ouais. Mais en non, soi, ce que je trouve horrible, c'est complexe. Que son plan, il le réussit. Oui, c'est là toute la tragédie de Nox. C'est ça qui est beau. Oui. Oui. Sinon, niveau même univers, le film d'Ophus, livre 1, Judith. Ah ouais, j'ai pas vu. Askip, c'est pas mal.
Mais genre, ça casse les couilles. J'ai beau dire c'est trop bien parce que genre, j'ai eu la nostalgie dessus et que je trouvais ça cool. Je vais pas le vendre en mode c'est encore actuellement trop bien, il faut le regarder. Je conseille pas de regarder Mes Parents Sont Magiques, tu vois. Non, mais je trouve pas que c'est vraiment. Enfin, hello! Hello! Ah, y'a Kerry qui vient d'arriver. Je trouve ça encore des solides qualités, tu vois. Oui, mais c'est pas. Au-delà de juste j'aime bien. C'est mieux que Mes Parents Sont Magiques ou mais sur Survivor Replay en termes de il faut le regarder encore maintenant, tu peux encore le regarder maintenant. Mais je trouve que c'est par rapport à d'autres trucs qu'on pourrait regarder, tu vois. Je conseille de regarder Waku, tu vois. Mais par rapport à d'autres trucs, c'est pas non plus, je préfère pas hype, tu vois. Je trouve ça cool, parce que ça fait très shonen, ça fait très mais ça fait très recette Faut autant le hype que Avatar. Non, non Avatar merci. Plus. Franchement, Avatar plus. Hype present, citron. Avatar plus que Waku, franchement. Mmh. Ok. Korra plus que Waku. Korra, faut le hyper bizarrement. C'est mieux quand on n'entend rien, je pense. Korra, ouais. Bah non, Avatar c'est bien, je suis un fils de pute. Avatar c'est un peu mieux. Il y a juste des épisodes chiants. Si t'es trop hypé pour Korra, c'est un peu une déception. Genre, justement, on va dire, tu verras la saison 1 trop bien, on s'ennuie quand même. Eh oui. Avatar mieux que Wakfu quand même. Alors, Avatar, bon, va falloir se calmer quand même. Hein. Avatar ça a quand même plein de défauts. Hein. Et niveau écriture des persos, Wakfu est mieux, je trouve. Enfin, surtout de Nox. Parce que les méchants d'Avatar, bon. OZFU. Et me sortez pas Zuko, hein, d'accord. Zuko, oui, Zuke. Il est trop bien. Zuke, Zuke. C'est pas un méchant. C'est pas un méchant, mais je trouve son arc de rédemption, le moment où il change de truc, je trouve qu'il y a quelque chose qui est raté. Je trouve. J'aime pas du tout le moment où, en fait, tu sais, il rejoint l'équipe et en fait, il est nul. Mais je voulais pas ça, en fait. Je voulais qu'il soit bon. C'est parce que t'aimes pas avoir tes persos que t'aimes bien être nul. Mais c'est parce que c'était pas le moment pour qu'il soit nul, tu vois. Au moins, le décrédibilisait pas, c'est horrible. En plus, il se transforme en espèce de vieille tsundere cringe chelou. Genre, pourquoi pas, tu vois. Mais je comprends qu'il veuille avoir l'air sympathique. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment des moments où là, t'es juste bizarre, Zuko. Genre, on reconnaît même pas son perso. Bah, fou, ça m'attire pas de fou. Ah, je comprends, moi, je trouve que c'est bien. Après, faut y aller avec un certain... Un grain de sel. Un grain de sel, moi j'aime bien, je conseille. Bah oui, essayez, si vous voulez se donner ce temps, tu vois. Hiro le plus grand méchant, bien sûr, hein. Personnage le plus maléfique d'Avatar, Hiro. Zuko versus Azula. Oui, évidemment, tout le monde se pignole sur l'animation du... Comment il s'appelle ? Agni Kai. L'Agni Kai. Et oui, l'animation est très belle. Zuko Sol. Je trouve que la fin du combat est pas ouf, mais mais toute l'animation est trop bien. La mise en scène. Épisode, seul et... Ah oui, bien sûr, Zuko tout seul. Les méchants d'Avatar, c'est surtout des daddy issues. Enfin, y a qui en méchant d'Avatar? Y a Azula. Bon, pas vraiment daddy issues alors. Enfin, si, un peu. Si, quand même. Mommy issues. Ouais. Mommy issues. Et y a le père. Ouais, y a qui d'autre? Y a Jet. Ouais, mais après, ils poussent pas non plus leur idée à fond, tu vois. On sent qu'ils avaient envie des trucs, mais ils se sont calmés sur la fin. Mais globalement, oui. Comment il s'appelle Zahir, bon, bah, il leur met des suplexes à tous, quoi. Globalement. Au moins, je vois que je suis pas seul. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que Wakfu, ça n'intéresse pas certaines personnes. Ah. Je comprends pas. Ok. En vrai, non, bon. Mais c'est intéressant! La joie de rentrer de l'école et allumer Dofus! Dofus! Mais je comprends. Quel plaisir! Hein. J'ai passé des étés entiers sur Dofus. Hein. Tu m'étonnes. Moi j'ai passé des étés sur World of Warcraft, voilà. Aussi, non, c'était pas mieux, c'était. Ça suffit. Sauf que vous. Maintenant on s'est fait pigeonner parce que eux ils avaient pas à payer leur abonnement. Eh oui. En plus, désolé, mais Dofus c'était un tactical. Ouais, oui. Bah oui, mais. C'est oui, moi aussi mes parents ils me l'offraient, mais ta mère. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on se fait chier dans les combats de World of Warcraft? Je crois que tu draguais des quarantenaires sur WoW pour payer de l'abonnement. C'est vraiment ça. What? Il faisait vraiment ça, mais t'es qu'une pute. Il avait pas d'argent en fait. Il empruntait de l'argent à ses potes pour payer des abonnements WoW et il les remboursait jamais. Mais t'es le diable, hein. T'es littéralement le ça diable. Ça coûte cher, en plus c'est 10€ par mois un abonnement WoW. Mais c'est de comme personne féminin dans Wakfu, il y a la fille de Pimpin, tu penses à quoi d'elle? Je ne l'aime pas. J'aime pas les enfants de. J'aime pas le fait qu'ils aient des enfants. Je trouve qu'elle est bien. Genre je vois sa personnalité et pourquoi les gens l'aiment bien, tu vois. Mais je trouve elle va trop, elle est trop ça. Elle est trop ça et que ça. Et ça me saoule. C'est juste Pimpin 2 en plus chiant. Déjà que Pimpin était un peu chiant. Mais au moins il était un peu touchant, quoi. Infinity Train la vie, effectivement. Ah oui, les gens connaissent Infinity Train. C'est plutôt sympa. C'est bien Infinity Train. Là j'ai regardé 3 saisons, là. Il y a
en ce moment, justement, les gens qui disent SDP financé pour... Ouais. Oui, pour la saison 5, 6, 7, 8. D'ailleurs, ça, du coup, ça met un max de spoil pour la saison 4, mais bon, la saison 4 a pas vraiment de retournement, du coup, ça va. Bon. Mais oui, c'est bien. La saison 1 est sympa, la saison 2 est bien, la saison 3 est bien. Je trouve que les saisons 2 et 3 sont mieux que la 1, mais ils sont à peu près les mêmes. Bah, la 1, je trouve qu'en même temps, elle expose un peu, tu vois. Quand t'es plus exposé au contexte du train, t'es plus à l'aise avec le... Ouais, mais aussi, ils auraient pu, on va faire un truc plus intéressant dans la 1, quoi. Mais Tulip. Tulip est cool, mais elle est juste cool. Ouais, mais ouais, elle est cool. Moi, je suis contente de Tulip. C'est elle est cool, mais elle a rien de vraiment très intéressant, je trouve. Elle est chou, c'est tout. Ouais. Mais tu sais quoi, des fois, on a besoin que de ça. C'est vrai. Il y a une saison 4 qui est sortie. Oui, je sais. Faut que je la regarde, d'ailleurs, c'est la seule qui me reste. Pas merci Cartoon Network, c'est pas très sympa. Oui, des putains. Le Big Sum, mais non, mais je sais pas, il y a plein de fans, non? Vous allez la voir votre saison 5. Allez. Au pire, ils font un crowdfunding et puis voilà. Voilà. C'est vrai que ça coûte pas cher l'animation, quoi. Franchement, je suis sûr que ce genre de crowdfunding, ça va. Oui, surtout que c'est une grosse fanbase, une fille du train. Ouais, bah bon, après, les trucs d'animation, les crowdfunding comme ça, généralement, ouais, c'est appelé à dépasser son budget, quoi. Et les Américains, ils sont riches. C'est vrai. Tous, ils, tous. Ouais. Faudrait faire un crowdfunding en Suisse. Oh là, là. Là, ça y est, quoi, ça part. T'as des pantalons plus public. C'est vrai. Le problème, c'est les fans de K-pop sont trop puissants pour Infinity Train. What the fuck, c'est quoi? C'est à cause de la K-pop qu'il n'y a pas de saison 5 Infinity Train? Il y a un lien que je trouve intéressant. Peut-être faire un truc, les fans de K-pop, parce que généralement, ils sont puissants. Ouais, à faire, ouais. Mais sinon, du coup, il y a un truc que j'ai vu, c'est que le film Demon Slayer, il s'appelle Le Train de l'Infini. Du coup, je t'en... Oh shit! Ça, c'est sûrement leur faute, hein, je suis sûr. Ah, ils sont sortis aujourd'hui, en fait, Mitchell et... Oui, c'est aujourd'hui. Le feu, c'est bien utilisé ou pas dans Avatar? Je m'en rappelle absolument pas de quoi ça ressemble. Sur Netflix, il faudrait regarder. Le feu, c'est probablement le plus stylé parce que c'est basé sur la capoeira. Du coup, je trouve que généralement, c'est plus stylé visuellement, après bien utilisé. Ouais, en plus, ils sont très bien animés. Mais il n'y a pas de variation comme il y a avec la Terre. Putain, la Terre, elle prend toutes les variations. Trop plaisir. Si, il y a les éclairs. Il y a les éclairs. C'est trop stylé. Feu top tier. T'as changé vite d'avis, putain. J'avais juste oublié. Ah non, mais la terre, excusez-moi, mais... Bah l'air, tu peux tuer quelqu'un comme ça? En vrai, les 4 sont stylés. Hein. Non, mais genre l'évolution de l'air. Oui, les 4 sont stylés. Le magma. Le magma. Le volcan. Le magma, en fait. Non, je veux dire, genre, c'est trop fort. L'air qui est genre la gravité. Le vide. Le vide. Sinon, mais l'air, c'est pas le vide, Arthur. L'air, c'est... C'est pas le vide, l'air. Tu peux pas contrôler le vide. Mais tu pourrais. En quoi les éclairs, c'est du feu? Merci. Parce que... Ah oui, c'est vrai. Je déteste. Franchement, bon, il fait des films, les éclairs, ça pourrait être l'air, tu vois. Bah oui. L'eau pour les soins. Non, mais l'eau, c'est cool, hein. L'eau, c'est cool. Lieu, t'as la glace. T'as le sang. Le sang c'est fort violent, quand même. Ouais. Ouais, mais c'est interdit comme maîtrise. On peut espérer Infinity Train X Demon Slayer. Putain. Ouais, c'est interdit aussi de télécharger illégalement. Mmh. Un peu besoin, quoi. C'est oh, fait chier. Chier. Oh, des spoilers partout. Trop bien. Tu pourrais enlever l'air d'un endroit pour créer du vide. Mais moi, dans Korra, il y a un personnage, il est censé découvrir le secret de la maîtrise de l'air, le truc le plus machin, enfin, et moi j'étais persuadé qu'il pouvait contrôler le vide, et je trouvais ça trop stylé, et en fait c'est pas ça, en fait c'est un peu moins bien, en fait c'est un truc que d'autres persos pouvaient déjà faire, bref, dont les maîtres de l'air, c'est pas grave, bref. Oh ta gueule, oh t'es, oh je suis pas d'accord, non, ok, d'accord, non, stop, arrêtez pas les photographes. Le vide comme le sketch de Mystery, bon sketch d'ailleurs. Y'a Lou qui exploite bien son concept aussi, l'air c'est plus stylé. Non mais globalement Avatar, comme ils ont fait la bonne décision, enfin... C'est bien d'avoir que 4 pouvoirs, parce que du coup ils explorent bien leurs pouvoirs. Et globalement les 4 pouvoirs sont plutôt bien explorés, y'a des jolies utilisations. Et puis ils sont stylés quoi. D'ailleurs il y a un studio Avatar qui s'est créé pour faire genre je pense l'entre-deux des comics en fait. Mm-hmm. Avatar et... D'ailleurs il sortait un truc le jour de Avatar, je sais pas si c'est sorti. Oh yes. Oui, qui est full lesbienne d'ailleurs. Oui, mais oui. Elle a une copine, non? Oui, oui, oui. Ouais. Bah, oui, oui. La Terre, t'as pas le fer, genre. La Terre, t'as le métal et t'as le magma. Enfin, tout le monde n'a pas le magma. Je crois que c'est au hasard. Non, c'est genre super rare, super difficile. C'est selon ce que tu sais maîtriser, ouais. Métal. Justement,
Ce qui est beaucoup plus fort, c'est tellement fort. Les gens, non ? Là, c'est vraiment trop tard. Mais oui, ouais, ouais, j'avais dit avant. De toute façon, bon, ça va. Moi, je préfère éviter quand même. Le sable avec la terre. Oui, il y a aussi les maîtres du sable. En vrai, avec l'eau, vous avez la végétation, c'est quand même trop stylé. Les marais, c'est plutôt cool. J'aime avec mon quoi. Frère, on écoute que du métal. Et Soul Links 2 Sun. Salut tout le monde, ça parle d'Avatar. Oui, on en a parlé un peu là. Où est la maîtrise de la vapeur avec l'eau, je vous le demande. Alors, ça, c'était aussi ce que je demandais. Hein. Mais je crois qu'ils le font à un moment. Vraiment, si les maîtres de l'eau peuvent maîtriser la vapeur, ils sont terrifiants. Parce que c'est, en vrai, c'est trop fort. La vapeur, vraiment, tu nullifies tout le monde. Vu qu'on voit Katara utiliser l'eau des choses. Ouais, des nuages aussi, ouais. Et des nuages aussi, donc pourquoi pas la vapeur ? Vraiment, la vapeur, c'est trop fort en fait. Vous avez de l'eau à 100 degrés. Tu peux brûler quelqu'un comme ça. Mais c'est parce qu'il y avait des mélanges. Moi, je pensais par exemple que c'était des mélanges. Que le magma, c'était feu et terre, par exemple. Et que la vapeur, du coup, ce serait feu et eau. Et R, je sais pas. Bah, et en vrai, R, les éclairs, tu vois, ce serait R et feu. C'est vrai que c'est un truc, tu vois, qu'ils auraient pu faire. Bah, l'avatar, vu que c'est l'avatar, bah, il fait des combinaisons, tu vois. Et donc, que lui, qu'il puisse les faire. Est-ce qu'il ferait de lui ? Parce qu'au final, il a pas vraiment fait de vrai mixage. Il a juste utilisé les gâteaux en même temps. Mixage. Oui, oui. C'est vrai. Voilà. Il y avait le contrôle du sang dans un épisode avec le... Oui, trop, trop stylé d'ailleurs, le contrôle du sang, vraiment... Oh, il y avait meilleure idée, qui fait un joli dessin. Regardez. Bravo, Folie. Bravo à toi. C'est une petite... Allez voir ce truc, hein, d'ailleurs, c'est très joli ce qu'elle fait. C'est des petites abeilles, et c'est leur feu de camp, c'est une allumette. Pas trop mignon. Vous imaginez le mec, bam, d'un coup, il a plus d'eau dans son corps, parce que toute son eau s'est évaporée d'un seul coup. Moi, je sais pas si tu pourrais, genre, chauffer de l'eau. Mais tu pourrais, genre, s'il y a de la vapeur quelque part, tu pourrais la contrôler. Ça, c'est stylé. Moi, je suis sûr que c'est possible. Mais oui. En mode crocodile versus Luffy. Ah. Oh, go bye bye. Je pense qu'il avait prévu ça, mais ça a été annulé pour pas que ce soit trop le bordel. Ah, c'est dommage, parce que ça aurait été une bonne idée. Est-ce que l'avatar a déjà combiné des éléments ? Non, ils les utilisent tous en même temps, il me semble, c'est tout. Oui, voilà, ce qui est un peu dommage. Ouais, il y a plein de trucs à faire. Hein. Sympathique. Tu pourrais aspirer le sang de tes victimes. Bah, l'idée du contrôle du sang, c'est qu'en gros, comme tout le monde a de l'eau, enfin, c'est pas du sang, c'est un peu de l'eau, c'est un liquide. En fait, tu peux juste contrôler une personne. Ça, c'est fort. Parlez pas crocodile versus Luffy, je suis en plein dedans. Apprécie l'instant, Bioma. Apprécie l'instant. Vous me hypez trop One Piece, je suis sûr que je vais être déçu. Non, toi, pas One Piece, c'est juste bien. Lee, c'est cool en fait. Uh-huh. Et quand t'es dedans avec je les sais, persos et tout, je c'est trop je disais qu'on bien, avait quoi. 10 ans. Plus si t'aimes pas, on aime. Oui. Ouais, voilà. Hein. Écoute. Enfin, je trouve que c'est une des histoires que tu pourrais aimer en fait. Il y a plein de persos, il y a plein de pouvoirs. Moi, j'aime bien les visuels. Cool, les visuels sont cool, les mises en scène sont cool. Il y a des longs, il y a des grands mystères, des trucs machin qui suivent un peu tout partout. C'est trop. Enfin, c'est bien quoi. C'est cool. Imagine la fin de One Piece est décevante. Bah. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. C'est ça le One Piece, c'est que le chemin était plus important que c'est le trésor. C'est le message de l'œuvre. Hein. Le vrai trésor, est-ce que ce ne serait pas l'aventure ? Bon, je vais m'en aller parce que je sens que je vais sortir des spoilers de dingue. Oui, c'est possible. Déjà, j'étais sur une ligne. Quand je vois la quantité d'histoires de rattraper One Piece, ça me démotive, j'ai pas envie de commencer. Mais ça, c'est toujours les gens. Prenez un tome par tome, c'est tout, quoi. Faites-vous un tome un peu. Vous avez juste. Ça jusqu'à ce qu'ils s'y mettent une heure et ils sont en mode, mais on venait trop. Mais c'est trop bien. C'est pas parce que vous avez plein à... Au contraire, c'est cool. Ça veut dire que vous avez ça pendant longtemps. Nous, on va vous avez pas à rattraper rapidement, hein. Mettez-vous à la place de nous, en fait. Ta gueule, t'as plein d'autres offres, t'as... Toi, t'as aussi t'as des trucs à rattraper, t'as... J'ai pas envie de les rattraper, genre Kaguya le visoir. Pas, j'ai la imagine, c'est écrit juste Luffy avec Ekof écrit déjà trouvé. Quel ennui, hein. Si ça se trouve, c'est juste de l'or. On se fiche comme c'est la Luigi. Police. C'est un message de Luigi. Ah, j'ai trouvé la clé de Princess Peach. On se retrouve. La théorie, c'est que Baggy rappelle One Piece depuis le début. Bien sûr. Tu sais le trésor que Nami lui ship avec la carte de Drumline. C'est ça. Il l'a pris, c'est tout. Imagine. Best perso, simplement. Mais non, mais... est-ce que ça va être des ans peut-être? On n'est pas à l'abri. De toute façon, en vrai, One Piece, genre, je trouve ça trop bien.
Mais il y a beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup de chapitres par chapitre ou beaucoup d'arcs que j'aime pas, hein, que je trouve beaucoup moins bien. En ce moment, je trouve par exemple, c'est moins bien qu'avant, One Piece. Bah, c'est clair, je sais pas combien de chapitres ça fait qu'on est dans cet arc, mais au moins 100. Ça fait plus de 100. Et il est cool l'arc, vraiment il est cool, mais je trouve qu'il pourrait être beaucoup mieux. Bah, juste en condensant, il y a des trucs franchement. Jurassic Park. Il y en avait pas besoin, du coup, moi qui suis en train de tout revoir là. Il y a des trucs, tu vois, ça aurait pu être coupé un peu court, ça avait pas gosse. Ok. Ouais. Parfois, tu sais, je sais pas quelle discussion. En ce moment, c'est un gros arc, et en vrai, les personnages de One Piece, genre l'équipage, bah ils sont pas tellement investis dedans. Et tout est un peu facile, donc c'est dommage, je sais pas comment ça va se passer. Mais 108 chapitres déjà, 108 chapitres, tu fais deux arcs de One Piece dedans. D'habitude, hein, donc bon. Voilà. 108 chapitres, c'est pas genre. Water 7 et Enies Lobby. C'est Marineford et Impeldown et Marineford. Ouais, donc c'est déjà énorme. Beaucoup, quoi. Et au final, du coup, bah, ils sont je trouve que personnellement, c'est vrai que je regarde, en fait, ils sont juste là pour aider, tu vois. Mais genre, c'est pas comme Alabasta, tu vois, où t'avais un truc où ils avaient vraiment envie d'aider une amie. Là, tu sens, ils filent un coup de patte parce que un peu du bordel, mais ouais, c'est vrai que t'as pas trop de. Ils essaient de faire genre, oui, non, mais c'est leurs amis et tout, mais genre, on te balance, tiens, petite fille, c'est la pote de Luffy maintenant, et du coup, il a envie de les sauver, genre, c'est pas très naturel, quoi. Mais en vrai, moi, je trouve, s'il fait. Si on est parti pour un arc de 200 chapitres, je pense qu'il peut être dingue. Mais si là, il se termine dans 20 chapitres, moi, je pense qu'il va pas être ouf, cet arc. Mais se termine jamais dans 20 chapitres, on en a encore pour 2000 ans. Hein. C'est vrai. Bah, donc, s'il fait 200, moi, je trouve qu'il y a moyen de faire un truc absolument incroyable. Ah, bah, à mon avis, mais c'est l'idée, tu vois, même. Mais pour l'instant, tout est un peu facile. Moi, ce que je me disais, c'est que tu sais, donc l'arc est séparé en genre grand axe. Tu veux. Donc là, on a eu les deux axes où il y a eu les intros, les machins et tout. Et là, wow, on est dans l'axe bataille. Bataille. On a toujours eu aucun vrai combat 1v1. Hein. Ouais, mais moi je pense qu'après, il les a un peu teasés. Hein. Il les a un peu teasés qu'il allait les avoir. Alors, je sais pas si c'est la fin. Ça fait 50 chapitres et on en a pas eu au moins un. 50 chapitres quand même. Je sais pas. C'est pour ça, moi je fais confiance à Oda. Oda il est quand même pas mauvais pour faire des longues histoires et des longs machins et pour créer des moments où t'es en mode oh let's go. Donc bon, on va voir. Il y en a eu en vrai, je sais pas, il y en a eu plein où t'es en chapitre 1000 quand même et tout, ça envoyait quoi. C'est vrai. Mais après, je pense qu'aussi ce sera plus agréable quand je relirai l'arc, quand il sera fini et que je le relirai d'une traite et qu'il y aura pas le chapitre par chapitre parce que chapitre par chapitre. One Piece chapitre par chapitre est beaucoup moins bien que One Piece tome par tome, je vous le dis. Hein. Oui. Si vous voulez rester tome par tome, faites-le quoi. Bah, ça peut être très décousu, chapitre par chapitre. Je sens Yabé qui stresse niveau spoil. Ah oui, on va. J'écoute là-dessus, on arrête. Ça va. En tout cas, profitez. Vous êtes dans des bons moments de One Piece. Imaginez si Zoro était le navigateur qui aurait trouvé le One Piece au troisième tome. C'est clair. En se perdant. Absolument. Juste. Ah bah, c'était là. Ouais, il l'a trouvé, mais c'est en fait, pas, le One Piece n'existe pas. Bah, sans spoiler. Moi, j'ai l'impression que le One Piece existe. Moi, j'ai un peu. Enfin, en tout cas, on a eu quelques moments où mais c'était un peu confirmé. Enfin, bref. Bah non, et puis bon, One Piece existe, quoi. C'est un peu ça, le truc. C'est ça. Enfin, bref. C'est plus, quoi. Sans spoiler. Lisez One Piece. Je pense qu'il a ça a été officiellement dit par l'auteur, non, en plus. Il dit non, c'est pas symbolique, il y a un bon truc. Il l'a dit dans une interview aussi, ouais. Ils ont dit c'est pas le voyage, quoi. Il a dit oui, ce sera pas le voyage. Il a dit, je crois que ce serait pas juste des pièces d'or, tu vois. Il a dit, enfin, c'est un truc de l'univers, quoi. Moi, j'aurais bien, en vrai, ça. Lol, une. Ouais, en vrai, une richesse, quoi. C'est un max de tunas. Bah oui, tu vois. Waouh. En soi, c'est vrai, c'est ce que veulent les pirates. Imagine ton premier manga, c'est ton seul manga. Non, je déconne, mais imagine quand même. C'est pas son premier. C'est son premier vrai manga, non. Oui, c'est le premier publié. Il a fait plein de petites histoires courtes, plein de petits mangas, je pense qu'ils n'ont pas décollé ou autre, machin. Mais son premier long manga, c'est One Piece. Et je pense que ce sera son dernier. Imagine un jour, il pète un câble, il arrête. Il a présenté genre 4 ou 5 fois à des éditeurs, à chaque fois, on lui a dit non, ça marchera pas. Du coup, il a travaillé. Les éditeurs, ils doivent être en sueur. Mais en vrai, il me semble quand même que, par exemple, l'histoire de One Piece, c'était vraiment un truc qu'il voulait faire. C'est pas une situation comme Kishimoto sur Naruto, où il a fait une idée avec des gens dans un monde ninja et tout ça, et on lui a dit oui, et donc il a eu moins de temps pour préparer. Il me semble vraiment, en gros, il est parti avec vraiment l'envie de faire son univers. Évidemment, il a tout rajouté. Oui, la légende dit qu'il y avait plein de persos, il les avait dans la tête depuis qu'il est au collège, voilà. Oui, enfin, peut-être des idées et tout ça, mais de toute façon, quand il a démarré One Piece, il pensait le finir en 5 ans, tu vois. Oui. Donc forcément, il a tout augmenté, quoi. Putain, en 5 ans, imagine, ils aient dit, ouais, voilà Lockdown, la fin. Ouais,
trop bizarre. Ça, tu vois tous les arcs de personnages qui se jouent, t'es en mode, comment c'était... Il a forcément, genre, improvisé ça, tu vois. C'est fou. C'est fou. Il a eu l'idée de One Piece à 4 ans, d'ailleurs. MDR. Je sais pas. Je connais pas l'histoire, en vrai, mais c'est vrai que... Après, il y a des légendes aussi, peu à peu. Tout le monde a dit qu'il y a... Bon, après, non, je vais pas spoiler, parce que je vais vous laisser, machin, mais... Mais oui, on n'en sait pas trop de toute façon, puisque c'est. De ce que j'ai compris, il a arrêté de montrer sa tête parce qu'il était en mode je veux pas que le succès me montre à la tête, je veux juste m'occuper de mon œuvre. Ouais. Et du coup, il est plus trop dans les. Trucs comme ça, quoi. Je pense qu'il y a des interviews, tu vois, mais. Il répond pas à beaucoup. Oui, il a des interviews et tout ça, mais il se montre pas beaucoup, quoi. Ouais. Il est en mode c'est bon. Du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas. C'est son premier manga, il a eu des one-shots. Oui, il a eu des one-shots, mais pas de manga. One-shot, mais pas de manga, ouais. Pas mal. Oui, One Piece à la base c'était Romance Down. Romance Down, avec une amie aux cheveux bleus. Putain, incroyable. Oda a dit qu'il aurait fini, il ferait un manga sur des robots. Ah bon? Moi je pense qu'il pourrait s'arrêter. Hein. Il s'arrête pendant au moins 10 piges, puis ensuite il s'ennuie. Mais en oui, fait, alors, on piche un peu, Oda, please quoi. Sinon tu vas mourir. Là c'est juste un des cubes avec un mot disant voilà le One Piece. Vas-y, j'ai zappé la baisse du dessin animé qu'il a vu. Ah non, le Bals. Du dessin animé qu'il a vu à 4 ans. C'est le délire avec des pirates. Mais de toute façon, Oda, s'il a envie de rajouter 35 cartes en plus, je pense qu'il met plein d'îles en plus dans l'équipage de One Piece. Bah là, on est vraiment vers la fin. Non, c'est vers la fin. Là, on en est. Je pense qu'il reste. L'arc en cours. 3 arcs. 4 arcs, max. Et le dernier, il sera immense, je pense. Mais énorme. Il reste 3 îles, quoi. Putain, One Piece, c'est énorme. Le Blaze. Ah oui, d'accord. Il y en a une qui est teasée depuis. Bah, il y en a une qui est teasée. Il y en a une qui est encore plus teasée. En fait, elle s'appelle la fin, quoi. Et puis, et puis ensuite, sûrement un arc après. Oui, ou genre une sorte de guerre, je sais pas quoi. Ouais, enfin, un truc, les conséquences d'avoir découvert One Piece, quoi. Il va nous faire une Toriyama et se barrer après son manga. Bah, pff, il peut, hein. Ouais. Il pourrait. Hein. Moi, je lui en voudrais pas. Hein. Bah, il a fait Dragon Ball, Toriyama, tu vois. Oui. À quoi se faire chier. Après, avant, il avait fait Dr. Slump. Et Harale ? Oui, il a fait. Oh, non, ça c'est Harale, c'est Dr. Slump. Et voilà. Et puis bah voilà, il a fini DBZ, il s'est dit bon, c'est bon quoi. C'est bon, j'ai juste défini le genre entier d'un manga quoi. Je peux m'en aller maintenant. Il a inspiré One Piece, c'est incroyable. Incredibly, inspiré One Piece, Naruto, Bleach, My Hero Academia. Tous en fait, tout ce qui vient après, c'est lui. moi je suis pas fan. Faut que je sois à jour. J'avoue. Et vivre de ses rentes à vie. Ah, il peut clairement. Je pense qu'il est richissime. Oda, vraiment. Ah, en vrai, est-ce qu'il est richissime? À quel point est-ce que la Shueisha l'encule? À quel point? Bah, je pense en quel. Je pense pense qu'il est richissime quand même. Ça dépend pas de la Shueisha, je pense que les publications. Enfin, oui, tu vois, mais genre, c'est pas la Shueisha qui est majoritaire sur les ventes de tomes, non? Bah. En vrai, je pense. Ça dépend. Je pense que ça dépend de ton niveau. Est-ce que c'est comme à peu près tout, genre en mode, quand t'es un petit auteur, tu te fais défoncer. Mais si t'as énormément de succès, bah du coup, il te lâche plus d'argent. Je sais pas comment ça marche. Bah, c'est-à-dire que sinon, il te dit très bien, je me débrouille tout seul, juste il faut une dépression ou quoi. Genre, il perd One Piece. A signer des plans marketing et son lit, puis voilà, c'est ça. Je dis pas que c'est bien ou que c'est intéressant d'ajouter plein d'arcs, je dis qu'il peut le faire. Oui, il peut. À mon avis, pour le coup. Et après, en vrai, après One Piece, je pense qu'il y aura des spin-offs. Je pense qu'il y aura pas de spin-off qui se passeront après le manga à la Boruto, mais je pense qu'il y aura des spin-offs sur genre le passé du manga ou sur des personnages qu'on n'a pas trop exploré. Il y en a un en manga, mais c'était à la base c'est des light novels, il me semble. Oui. L'auteur de Dr. Stone dessine d'ailleurs, si vous aimez One Piece et que vous êtes à jour ou au moins passé l'arc de Marineford, lisez-le. Tout à fait. Tu penses quoi de la direction que prend MHA là? Je trouve ça intéressant. Moi j'aime bien. Oui, et machin, en fait, je suis trop salé parce que j'ai trop envie qu'il fasse des trucs, mais il les fait pas. Et du coup, ça me défonce. Parce que je trouve l'histoire, elle est trop bien. Il y a plein de potentiel et tout ça, mais il y a trop de décisions qu'il a prises avec lesquelles je suis vraiment pas d'accord. Et il les continue, donc du coup, j'y arrive pas. Qui, quoi? Bisous. Oh, tiens, il y a Marina. Hello, Marina. Hey, Marina. Marina. Tu veux du pain? Tu veux du pain? Y'a Marina? Ça papote un peu One Piece, ouais, mais sans trop spoiler parce qu'il y a des gens qui sont qu'à l'heure qu'à Alabasta. Puis Kiri est partie parce qu'elle avait peur de spoiler. Oui. Pas spoiler Macha après saison 2. En tout cas, voilà, je suis dubitatif de la direction que prenait Macha. Moi,
je vois un peu où ça va. Ouais, genre le deuxième chapitre là, genre ça renforce pour moi une idée qu'il avait. Moi j'en ai marre que Izuku ne soit pas un personnage entier en fait. Là ça va quand même. Bah non. Bah oui, moins qu'avant. Bah non. Mais si. Excuse-moi, mais il est dans un cosplay en fait. Mais genre. beaucoup moins qu'avant. Ou j'en peux plus. On est à 300 chapitres, il a toujours pas une vraie personnalité. Bref. Ouais, Oh, on paraît de... MLP, alors, ouais, vas-y. En plus, j'étais un peu de trucs que j'ai pas vu parce que genre, je peux même pas participer. Bah, désolé, meuf. Excuse-moi, c'est le chat qui me posait des questions. Enfin, le costume stylé. Pff, moi, je trouve pas. Bref. Et que coucou. Moi, j'ai toujours aimé le costume Izuku. J'en ai marre que les gens disent que c'est de la merde et voilà. Ah non, le premier, la première fois. J'ai toujours aimé. Mais je l'ai toujours aimé ce costume de lapin, moi. Je le trouve vraiment drôle. Non, il y a une version où genre les tout petits sont cons comme ça. Du love, Marina, effectivement, on se voit tout du love. C'est 20h30, non, Marina, il me semble. Dans les souvenirs. Maintenant, il est 17h. Payez et faites des dons pour les kebabs. 20h30, tout à fait, magnifique. On parle du dernier chapitre de MHA. On en parle rapidement parce que Carthage ne sait rien et elle commence à s'ennuyer du fait qu'elle a aucune culture. Mais je commence à m'ennuyer, c'est que j'ai, genre, déjà, je suis à ça à chaque fois d'être en... Ils vont spoiler un truc sans s'en rendre compte. Non, moi, jamais. Moi, spoiler, tu vois, quand All Might meurt, là. Non, vraiment, j'ai très envie de continuer MHA, mais je trouve pas le temps. Ça me saoule. Alors oui, ça diversifie beaucoup, d'accord. Nasser, d'ailleurs... Oui, no spoil, j'ai pas dit, j'ai pas spoilé, les gars. J'ai pas spoilé. Ça moi, suffit, spoiler, moi, spoiler. Arrêtez. Je spoil, moi. Pourquoi parler d'Amacha quand on peut parler de Vigilante? Deux derniers chapitres de Vigilante, un peu chiant. Je suis à jour. T'es à jour sur Vigilante? Non. Ah putain, je suis en train de... Kata, à jour par mois, quel enfer. Ah, Kerry te fait boire. Sur les dessins. Oh, de l'eau. Sur le débile, ça fait la 50e fois qu'on te dit que la dernière fois qu'Izuku peut utiliser One for All. Elle est juste venue me faire voir. C'est la 50e fois qu'on te dit que la dernière fois qu'Izuku peut utiliser One for All, avant de perdre son bras et tout. Non mais bon, ça c'est un truc de scénario quoi, en mode, attention il peut pas, et puis en fait si. Ah bah bon. Faites-moi des dons les gens, c'est bon, je suis à jour. En fait, elle te refait boire. Elle va me noyer. Genre, en vrai ça saoule, parce que là vraiment on était en mode... Bah Narix, mettre spoil au début de ton message, ça empêche généralement pas les gens de le lire, hein. Désolé. Ouais, moi, si tu... ouais. L'intérêt est là. Je vois pas les scans de Vigilante, je suis arrêté au moment où on voit Endeavor. Quelqu'un dit qu'on veut pas après la saison 2. Oui, je sais, on l'a déjà fait, mais... je lis les scans de Vigilante sur readmha.com. Il y a MHA et MHA Vigilante. Faut pas ScanTrad ? Non, ScanTrad fait pas Vigilante. Peut-être, vous avez vu le niveau site de ScanTrad et tout? Ouais. Ils ont dit qu'ils allaient mettre d'autres... ils voulaient, je pense, essayer. En vrai, je pense que le but de Mangadex, c'est un peu de ScanTrad, c'est un peu de devenir Mangadex, justement. Mangadex ou Manganello, machin, d'être un peu le site français qui répertorierait plein de ScanTrad FR. Je pense que le but aussi, c'est de devenir un jour officiel. Ah, je sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, un peu comme Mangadex. Mangadex, par exemple, renvoyait vers des pages officielles quand c'était des pages officielles. Ouais, quand tu vois le site, genre, c'est vraiment un truc genre super pro. Tu vois. Ouais, c'est pro, mais je pense qu'ils veulent devenir un peu le Mangadex français, tu vois. Mangadex, Manganello, Mangalife et tout. Parce qu'il y a énormément de sites de manga, de scan, très complets, américains. Mais pas du tout de français. Il n'y a pas du tout de rassemblement de... Ouais, c'est fini, Mangadex. Et je pense qu'ils veulent faire un peu... Non, Mangadex, c'est pas fini, ça revient, arrête. Stop. Je ne suis pas content quand tu me dis ça. Je ne rayonne pas de joie. Je suis con, j'ai lu le spoil, je continue de lire. Bah oui. Le jour où on va avoir une saison de Vigilante en animé, je pense que je pète ma chaise. Ça m'étonnerait vraiment qu'on ait du Vigilante en animé. Je pense pas du tout. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en bat les couilles. Alors le chapitre 139. Alors que c'est super intéressant, on voit des persos qu'on voit dans... Ouais, tu m'as dit. Mais non mais je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Personne lit Vigilante. On s'en fout. C'est dommage. Mais du coup, ça marche. Pourquoi ça continue si personne lit? Bah, parce que ça, des gens lisent assez, mais c'est pas connu, tu vois. Ouais. Malheureusement. C'est trop bien. Le héros est trop stylé. Il y a quelqu'un qui avait fait un AU ou. Daisy Fresque de Ferris. Ah que quelqu'un a fait un AU où Izuku n'a pas de. N'a pas de. D'alter. Il rejoint et vigilant. Enfin, il devient un vigilant. Y'a quelqu'un qui a fait un AU
Ah oui, d'accord, oui, il a vraiment pas d'alter. Bah oui. Oui, oui. Ok, t'as maté les derniers chapitres de One Punch Man, et tu penses quoi du fait qu'il y a enfin de vrais personnages et pas juste une gamine sexualisée, j'ai envie de crever. De quoi? Arrête, Coco, One Punch Man, c'est trop bien. Arrête. Il parle juste de Tatsumaki. Mais on peut dire que c'est trop bien, dire qu'il y a des lolis, c'est pas oui, grave. Oui, effectivement, Tatsumaki, c'est chaud. Et je l'aime pas. J'aime trop ces scènes d'action, parce que enfin, c'est juste... Quoi, la meuf aux cheveux verts, là? Mais oui, Tatsumaki. Tatsumaki, la dislost de Sassy Lost Child. Ouais. Voilà, c'est elle. Et oui, je vois. Mais après, voilà, elle a une scène jolie là dans le dernier chapitre, donc c'est cool. Et elle a une sœur trop belle aussi. Ah bon? Elle devient enfin cool en tant que perso. Oui, elle a du développement. Elle a du développement. Mais après, c'est un développement qui sert autant à Tatsumaki qu'à Fubuki. Et j'aime bien Fubuki, moi. Fubuki, moi, c'est un perso de Killary à mes yeux, c'est tout. Merci! Ulchabain, je crois. Ulchabain. Sherlock Holmes, c'est le Sherlock Holmes de Ace Attorney. Oui, je sais. Bah d'accord, tu peux pas être insupportable, moi je pensais que t'étais pas sûr. Mais toi tu l'as dit comme un fait, comme si genre je ne le savais pas. Bah tu l'as dit, parce que t'as lu Sherlock Holmes en mode Sherlock Holmes, comme si tu connaissais pas. J'étais en mode bah voilà, c'est lui. Ok, bah d'accord, le mec il mainslane. Excuse-moi vraiment d'essayer de te donner des infos quand t'as l'air de pas savoir un truc. J'arrêterai bien sûr de t'aider dans la vie. Merci, ça me fait plaisir. Non mais comme ça tu seras vraiment une vraie strong woman indépendante. T'as raison. Voilà, Ferris, t'as une Daisy qui a pris trop de café. Voilà. Et pas juste à Psychic Powers Go. Brrr. C'est toujours un peu son perso, hein, mais bon. Et puis, Tatsumaki. N'hésite pas à dire petite fille ou fillette au lieu de loli pour bien montrer le cringe du truc. C'est vrai que là, soudainement, hein, c'est vrai que t'arrives, t'es en mode. Putain, il est bien ce manga, mais il y a des petites filles. À poil. Là, hein. Tous les Weebs vont commencer à suer, quoi. Vraiment quand, tu remets les choses en place, genre t'as une fille de 5 ans qui est à poil et que et tout le monde trouve ça sexy, t'as... Stop. No. C'est pas une allure, c'est juste une adulte de petite taille. Une vraie excuse qu'on m'a sortie. Waouh. Après, en vrai, Tatsumaki c'est pas la pire, parce qu'elle a pas l'air d'une gamine. Elle a pas complètement l'air d'une gamine. Non, moi quand je l'ai vue, je croyais qu'elle avait C'est une gamine. Et à quel âge? J'en sais rien. Mais quand je l'ai vu, j'étais en mode. Mais c'est une loli, mais elle a genre 20-30 ans, tu vois. Dans l'univers après, c'est abusé, des lolis. Quand même, bon, oui, c'est abusé de ouf. Mais. Dans ma tête, quand je l'ai vu. Mais c'est vraiment pas. Elle a 28 ans ? Ouais, mais genre, elle a. En truc, mais exprès, regarde. Un truc de bord. Déjà, lol. Oui, elle a. Fubuki, 23 ans. Elle a un enfant, ouais. Fubuki, par contre, bon. La veste, hein. Sherlock Holmes, c'est aussi le nom du Sherlock Holmes dans Arsène Lupin. C'est qui est trop chelou. Ah, d'accord. C'est ça qui est trop chelou aussi avec les lolis, c'est que souvent elles ont un. Et le truc en plus, elles ont un corps de gamine, mais pas vraiment. Parce qu'en fait elles ont un corps trop fin pour être des gamines. Parce que les gamines c'est un peu rondelette, tu vois. Un enfant c'est un peu rondelet. Mm-hmm. Et du coup, c'est juste des enfants anorexiques. Non mais c'est un lore trop bizarre. Hein. C'est bizarre les lolis. Les gamines, les lolis, vraiment c'est pas normal. Enfin bref. C'est la pire excuse de celle-là, sinon tu peux le sortir pour n'importe quoi. En gros, genre, elle fait de la télékinésie. Non mais oui, c'est pas une excuse, on voulait savoir. Une moulante robe, ouais. Genre, elle vole, Ouais, ouais. C'est genre prochain. Ah non mais Murata et Tatsumaki, je sais pas c'est quoi son problème. Genre, elle a toujours une sorte de robe super moulante. Super moulante, et c'est toujours à ça de montrer son cul ou sa toche. T'es en mode, stop Murata, arrête. Déjà que tu te fais... Oui. Déjà que tu te fais grave plaisir avec Fubuki. Murata globalement se fait plaisir avec tous les persos féminins. Il est un peu cringe Murata. Parce que j'aime bien parce que Wan il est en mode little girl gourou et lui il est en mode ok à poil la gamine. Moi j'ai pas le truc de Wan hein, mais go to Ninja. Murata extrêmement horny, hein. Il faut qu'il se détende Murata. Qu'est-ce qu'il est fort et qu'est-ce qu'il est bon en mise en scène et en dessin et en dynamisme et en machin truc, mais par contre les meufs t'es en mode calme-toi. Il y avait genre les trois derniers tomes je pense, de MHA. Quand tu enlevais les covers de devant, genre, se faisait une très grande élue ensemble. Oui. Genre, c'était tous les persos, plein de persos ensemble. Et le dos, c'était genre juste les meufs en beach épisode. Au secours. Elles ont 15 ans. En vrai, en manga, complètement, les enfants sont souvent ronds, mais tous les enfants sont pas ronds, selon l'âge. Passer 5 ans, c'est plutôt fin, vu qu'il me semble que la croissance se fait un niveau entre des jambes et plus du torse. Mais j'ai dit peut-être une giga bêtise, source TKT, je m'en souviens. Un peu abusé de Murata. Non, mais Murata. Mais on s'en fout au final de la. Constitution des enfants, tu vois. En général, c'est juste le fait que. En fait, genre, je suis pas à fond contre les lolis et les trucs comme ça, parce que je me dis, ça fait pas plus de mal que ça, tu vois. Tu vas pas ça vraiment. Dépend lesquels, genre.
ça dépend lesquels. Bon, t'es en mode il y a des romans horribles, tu vois. Mais genre, le problème c'est que ce soit devenu normal, c'est ça qui me gêne en fait, tu vois. Parce que limite, c'est vu comme un truc, bon, c'est les gens qui ont des kinks chelous, et heureusement ils font ça sur des dessins et pas sur des vrais gens, tu vois. Et t'es en mode, ok, cool, c'est bien pour ça, tu vois. Le truc c'est que c'est devenu super normal et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment les lolis, tu vois. Tu vois, il y a Murata quand il veut être drôle. Et quand il reprend le style de One, et Yamurata quand il est orné. Ouais. Mais t'es en mode, ça suffit. C'est une robe. Ce n'est pas une seconde peau. Rien sur la peau. C'est comme si j'avais vraiment rien sur la peau, quoi. C'est Ned Flanders tout le temps. Sauf que la V1 est bien. Bah, la V1 est drôle. Mais si effectivement l'idée c'est de montrer que Tatsumaki est supérieure et puissante, bah ça ne marche pas du tout. Attends. Tu peux remontrer. En fait, c'était le truc de One. Non, c'est pas le truc de One, c'est genre c'est Murata qui. C'est deux versions en fait de la même chose. Mm-hmm. Je connais pas le panel de One, mais One jamais ne dessine ça. Ça ne lui arrive pas. Ouais. Ça. Oh, bitch épisode. Ah ouais, ouais. Bon, ça, t'as dit Emacha, mais tu parles de One Punch Man. Oui, il y a elle qui est un peu chou, il y a elle qui est juste Musclerman. Ouais, ouais. Elle est stylée, voilà. Musclerman, en vrai, hein, Muscler Woman. Athlétique, je sais plus quoi, comment elle s'appelle, je sais plus. Et c'est stylé, les pires Loli, la Loli qui est vraiment une enfant, mais qui a quand même une poitrine. Enfin, les lolis en général. En général, oui. C'est souvent vraiment des enfants. Enfin, c'est horrible. J'avais lu un manga nul. Il était pourri. C'était une meuf qui s'appelait Juliette et un mec qui s'appelait Roméo dans une école nulle. Et les deux se détestaient. Les deux étaient chefs de gang et en fait, ils sortaient ensemble. C'était nul. Et pourquoi ? Et il y avait deux lolis dedans. Et vraiment, c'était en mode je suis malaisé tout le temps. Non, pas Nisekoi, justement. Pas Nisekoi. Parce qu'ils s'appellent pas Juliette et Roméo dans Nisekoi. Bisous, Obioma. Va lire One Piece, ouais. Non, pas Shakespeare. Justement, une reprise. Je sais pas si vous connaissez Roméo et Juliette. Pas Roméo plus Juliette. Mais il n'y a pas de loli. Mais vous êtes fous. Écoutez, allô ? Est-ce qu'il y a un animé Roméo et Juliette ? Peut-être. Bah du coup, ce serait peut-être ça. Non, c'est un animé Roméo et Juliette qui se passe dans le temps médiéval. Et puis qui aime les lolis, genre les deux gosses qui ont une voix chiante et qu'on peut pas claquer. Mais en fait, il y a des gens qui aiment ça et c'est ça qui est... Là, on est entre men of culture, mais... mais il y a beaucoup de gens qui aiment genre vraiment sincèrement veulent baiser des lolis, genre... Ok. Mais après, il y a des gens, genre, ils le contrôlent pas, tu vois, de ce en quoi ils intéressent, faut juste être raisonnable, tu vois. Non, ouais, c'est pas un animé Roméo et Juliette, c'est juste que les deux ça reprend l'idée, c'est avec deux personnes de factions différentes qui tombent amoureux et gèrent, mais il y a que ça. Et les deux personnes s'appellent Roméo et Juliette, mais sinon c'est un harem nul dans une école de school life un peu bizarre, et c'est un peu nul. C'est même très nul, c'est vraiment très nul. C'est pire que Nisekoi. Donc bon, bien pire. Alors j'aime bien Nisekoi, moi, bizarrement. Je suis juste un peu attaché, laissez-moi tranquille. c'est un peu chou, Nisekoi. Le chiffre secondaire est trop bien, Nisekoi. Nostalgie aussi. Ouais. C'est comme toi qui dis que Fairy Tail c'est pas bien, mais putain, Gadget Levy, quoi, c'est la nostalgie. Ouais, mais tu vois, c'est pas pareil parce que Fairy Tail c'est de la grosse merda. Le début est pas mal, mais c'est de la grosse merda. Mais Gadget Levy, tu vois, encore aujourd'hui, je suis en mode, ils sont bien, tu vois. Mais Nisekoi, tout est pas bien. Sauf le chiffre secondaire. Mais voilà, quoi. Et bien un animé Jésus et Bouddha, oui. Roméo et Juliette en arène bizarre, oui vraiment c'est... C'est vraiment trop bien Jésus et Bouddha. Ça a l'air très drôle. C'est vraiment très cool. Parce que c'est très genre... C'est jamais genre moqueur, tu vois, c'est juste deux gars sympas qui veulent le bien de la Terre et qui genre sont en mode « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Si on allait dans ce magasin... Hein. C'est ça. Two guys. Ils sont très gays hein, d'ailleurs. Yes. Bon, je suis c'est moi. T'en as marre de parler de loli? J'en ai marre, ça me saoule. Enfin, il va les branler dans la tête, il va les dégueulasse. Se branler dans les toilettes, quelle horreur. C'est quoi pas demain? Je vais juste faire le visage, j'ai la flemme. Ça commence à être la fatigue. Hein. Mais écoutez, c'est ça le dessin. Sherlock Holmes? Oui. Enfin, Herlock. Holmes, ça? Sherlock Holmes, mais on a les droits. Noméo Juliette, la version avec les nains de jardin, jamais. Ce film est très nul, j'ai vu genre 2 minutes, j'ai arrêté directement après. Hop. Oh non, les lunettes elles sont horribles. J'ai envie de crever.
Mais ta gueule. Tu viens de voir. Bah oui, au secours. Oh, je suis en train de faire des bêtises. On est tous les deux sur un. Non, je suis vraiment pas cool ce que je fais. Tu crois que c'est cool ce que je fais? Je déteste dessiner pour les gens qui sont en live là, ces connards. C'est pas avec des dons en dessin que j'aurai un SMIC, hein. Mais non, je vous aime les gars, putain, je rigole là, calmez-vous. Hop. Du coup, ce soir, live à Mongus, du coup, les gens. À Mongus. Moi, il y a chez Flo, j'ai Cartaz et chez Marina. Je sais pas si c'est toute personne aussi. Ouais, non, mais qui live? Vous pouvez. Tu live, toi? Vous pouvez venir voir les différents points de vue. Faites le triple cam. Ouais. À Mongus. Vous pouvez streamac et aller dire ce que vous avez vu dans les autres streams. Ça, ça vous serait ban, mais ce serait drôle. Tu veux dire que tes revenus ils viennent de commandes, peut-être? What the fuck? Bah, j'essaye, oui. Revenus, ils viennent de commandes, ils viennent de... Bisous, Yabé. Et ils viennent de mes parents aussi, parce que bon, je suis encore au lycée, moi. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais. Bah oui, toi aussi, t'es au lycée, mec. Est-ce que quelqu'un a regardé Yasuke sur Netflix? J'ai pas encore regardé, il y a beaucoup de trucs à dire et beaucoup de déceptions. C'est j'ai quoi? Pas regardé du tout, je sais pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Désolé. Hein. Yasuke. Oh, je m'emmerde, putain. Nous sur le live. Oh putain, on s'emmerde. Regarde-le, ce petit Sherlock Holmes là, tu lui as fait un petit. Un petit terre dans le. Bah oui, mais t'as vu, il a une tête. Vous pensez qu'on aura un patch FR? Non, jamais. Parce que j'en peux plus en fait de Capcom. Ça me casse les couilles. Fais-le toi, nous emmerde. Je me chie dessus. Je me chie dessus. Il y aura une fan trad, ouais, mais il y aura une fan trad que sur PC. Bah, ça fait chier. Hein. Putain, espèce de non-joueur PC là. Oh, c'est chiant. Canard PC là. J'ai vu un mec aussi nul. L'histoire du premier samouraï noir du Japon. Oh. Ah, super, Illustrator à crash. No way, sérieux? Capcom le fait, vraiment? Oui. Putain, que... Mais je trouve ça trop bizarre parce que Capcom, pour moi, il faisait ça pour préparer le terrain à une nouvelle trilogie à Saturni. Moi, c'était évident qu'ils faisaient ça comme ça. Parce que la ressortie de la trilogie a un putain de succès. Ça amenait plein de nouveaux joueurs sur Switch et sur PC. Ils ressortaient ça en patch FR parce que c'était la première fois qu'on les voyait sortir du Japon. Et comme ça, ils étaient localisés en Europe et aux États-Unis, c'était trop bien. Et puis ensuite, c'était en mode, bah, on est full prêt pour ressortir une trilogie à Saturni dans toutes les langues, en grande pompe. Tout le monde va y jouer et ça va être trop bien. J'aimerais trop qu'il fasse une trilogie en ignorant complètement le 4-5-6. Bah, t'as même pas joué, putain. J'ai même pas joué non plus, mais genre, ça m'énerve parce que tu juges un jeu que t'as même pas joué. T'es vraiment comme ce connard de Mano qui dit « Oh, j'aime pas Wakfu alors que j'ai jamais vu. » Mais the fuck, j'ai déjà vu, je me suis forcé à regarder les 5 premiers épisodes, j'ai pas accroché, je trouvais ça nul. Voilà. Waouh. Au moins j'ai essayé. Est-ce que Arcade a essayé lui? Je ne pense pas, répond le policier. À quoi? 4, 5, 6? Oui. Ouais, mais on va quasiment tout raconter, hein, donc bon. Super. Mec, tu sais qui d'autre que toi dit en grande pompe Arcade? Baggy le clown. Bizarre. C'est vrai qu'il y a ça. Après, il y a le 5 et le 6 qui sont pas traduits en FR. Bah oui, mais bon, là aussi les gens se plaignaient. T'es en mode, mais en fait, on aime Ace Attorney, Capcom. Et Capcom sont en mode ta gueule. Le cas avec Capcom, c'est pour casser les autres couilles. Oui! Casse couilles. Voilà. Casse les couilles. Il n'aime pas Wakfu, quelle honte à la France et à la guillotine. Bon, peut-être pas quand même. Je sais pas si l'animation de Wakfu est faite en France. Hein. J'en douterais. Hein. Surtout que le public est là, la fanbase est énorme, il y a une ressortie de la trilogie et plein de streamers ils ont fait aussi, mais je comprends pas les gars. Mais vraiment, enfin, genre, la porte, l'autoroute est là quoi. Tu dors? Tu vas arrêter le live? On se merde là. Je faisais micro-sieste. Je dors parce qu'il n'y a pas de dons. Je rompis chaque. Ah, j'avoue, je rompis chaque. Putain, mais ça vient d'une blague. Ah bon? Qui marche, je pense. Micro-sieste. Ok. Ok. Stream dormir, hein. Putain, je suis nul. Je suis une merde.
Les gens en mode c'est nul, on joue pas à Phoenix, il est au chômage, mais justement c'est le principe que t'aimes pas qu'il soit au chômage, connard. Mais moi j'aime bien ça en vrai sur le truc. Alors l'idée, bon après voilà, j'ai pas vu comment c'est fait. Je trouve que l'idée, genre, est pas déconnante. Déconnante, le terme déconnant. Je trouve pas ça ouf que d'un, tu vois. Wakfu, si l'animation est faite en France, c'est pas comme les animés américains qui se traitent en Corée ou au Japon. Nous, c'est du terroir. Ah bon, ouais, Wakfu, c'est vraiment fait en France. Incroyable. Bizarre. Il y a MV Antoine qui l'ont streamé, c'est la meilleure pub ever. MV a... Oui, MV, il a vu jouer, genre, il a fait la première une ou deux affaires, puis il a arrêté. Ah Antoine, bon il a tout fait, par contre. Je savais pas qu'il avait arrêté. Oui, il a arrêté, il a fait à peine deux affaires, je crois. Un peu plus, peut-être. Peut-être qu'il a fini le 1, je sais plus. Le jeu sort en Occident, mais que en anglais, ça me frustre tellement, limite j'aurais préféré qu'il sorte pas tout court. Mais ça fait trop chier en fait, vraiment. Moi je peux y jouer en anglais, mais c'est juste c'est trop casse-couille. Bah, c'est pas cool pour les gens qui parlent pas anglais. Bah oui. Genre, pourquoi mais... avoir fait une traduction anglaise? Parce qu'ils étaient pas en anglais. D'accord? Il y avait pas eu de traduction anglais. Ils étaient pas sortis du Japon, ces jeux-là, il me semble. Pourquoi avoir fait une traduction anglaise, mais pas française et, je sais, et allemande et machin? Tu sais. Capcom! Bizarre. C'est vrai, Capcom n'a tellement pas la thune. Les pauvres. Ils sont dans le besoin. Oui, oui vraiment. Hein, ils en ont besoin, oui. Ce syndrome de l'imposteur de MV, car il voulait pas faire un bon accent. Il voulait faire un bon accent allemand à Francisca. Ça l'a dégoûté, c'est en mode j'y arrive pas, faut que j'arrête. Non, je sais pas. MV a fait tout le 1. Oui, il a fait tout le 1, il s'est arrêté au début du 2. Je sais pas. Non, il s'est même pas, il s'est arrêté. Ah si, il s'est arrêté au début. Quand je pense l'enquête DLC la soumise, je pense. Faut faire décoller les ventes en Europe pour avoir une trade comme pour Persona. Oh putain. Mais tous les jeux ne peuvent pas Persona. Y'a pas eu de doublage français à Persona et ça me rend triste. En même temps, c'est un peu. Bah bon, y en a bien mieux en anglais. Hein. Bah parce que c'est la langue que je parlais du monde. Bizarre. Tu fais le challenge emoji? Tu fais le challenge emoji? J'ai demandé aux gens de faire des adopts pour faire des adopts. Des trucs d'emoji pour faire des adopts. Voilà. Ouais. Bah fou, c'est en majorité fait en France, sauf certaines parties d'animation qui sont dirigées par des animateurs talentueux asiatiques, si je me souviens bien. Ah oui, c'est comme Steven Universe qui avait un. Il y avait un épisode qui était dirigé par un mec. Par un réalisateur japonais, ouais. Je crois. Et il était bien, c'était bien. Comme The Sauce. Ouais. Je pense qu'il avait juste storyboardé la scène des papillons. C'est tout? Ouais. Il avait pas storyboardé l'épisode? Je pense pas. Bizarre. Ouais, putain, venez, je refais tout ma life. Oui. On a fait attendre quand même, le 4 avait déjà largement assez bien marché pour mériter une trad FR. Nabil. Vous savez qui est au stream Ice Attorney? Flo, un samedi sur deux à 21h, venez voir les revoirs rigolotes. Oui, j'avoue, allez voir Flo. Allez voir Flo. Mais non, Yakuza 7 a eu des sous-titres FR alors que le jeu est sorti qu'en anglais. Oui, mais Capcom, bizarre. Pourquoi Yakuza et pas Ice Attorney? J'ai l'impression que c'est plus connu, Ice Attorney quand même. Attends, mais Yakuza, c'est pas Sega? C'est Capcom? Je sais plus. Bizarre. Le court-métrage sur Nox est réalisé par un animateur japonais. Ah, oui. Donc je vois. Bah oui, ça se voit. Ah bon? Ça se... On dirait... Je pense c'est que c'est, le mec qui a... c'est pas le mec Sega qui a fait Mind Game? Mind Game. Oui, Yakuza, c'est Sega. Je suis pas fou. Yakuza, c'est Sonic. Oh, merci, Ferris. Ferris. Ah, Ranma. Ah, c'est ça, Mind Game. Ah. Visuellement, ça ressemble à ça, tu vois. I see. Visuellement, Main Game, ça ressemble à ça, en gros. Attends, il faut que le don s'en aille. Attends, le don. S'il te plaît. Merci. Bisous, le don. Main Game, ça ressemble à ça, visuellement, en gros. Voilà. Et si je mets genre... Nox, short. Alors, je me plante, hein. Mais j'ai l'impression, tu vois, genre... Ah ouais, d'accord, j'ai ouais un peu l'impression que c'est la même patte, tu genre vois. Genre Adam Bias. Mais bref, c'est joli, c'est un chouette short d'ailleurs. Il y a un des, y a un des gus gars, qui a bossé sur Ponyo, qui a bossé sur l'OAV Nox. Waouh. Dingue. Stylé. Celui qui a fait l'épisode spécial sur Nox, c'est le même qui a fait animé Ping Pong. Qui a fait l'animé Ping Pong, je me rappelle plus le nom, mais le mec pèse un truc de taré dans le game. L'anime putain, mais il en a fait plein de trucs. King Kong ou Ping Pong? Ping Pong. Pas King Kong. Je sais pas s'il y a un animé King Kong, sûrement. Dans l'histoire du Japon. Ping Pong l'anime. Mais tu connais pas Ping Pong The Animation? Si, si, sûrement. C'est le truc le plus genre. C'est un. Oui, c'est genre intense. C'est un acid trip, tu vois le truc. Ah oui, d'accord, oui. Ping Pong The Animation. Ah, Kiri semble connaître les bails. Mm-hmm. Masaaki Yuasa, le mec qui a fait Mind Game.
Il a posé sur le character design de l'OAV, sinon c'est Eun Young Choi à la réal. Je sais pas comment ça se prononce, Eun Young, j'avoue. Ils font du ping-pong, je crois. Finement observé, Coco. Je pense aussi, perso. Le truc, c'est que c'est normal, c'était défoncé H24, mais ça a l'air bien. Ah ouais, c'est vraiment défoncé, ping-pong animation. Ouais, c'est genre... C'est un peu expérimental, là. Oui, genre, je pense que genre, Seiya l'adore. Seiya l'adore, c'est... Ok, c'est bon, je regarderai pas. Quel connard. Ça va, quoi, bon. Qu'est-ce qu'elle aime, Seiya? Je te déteste, hein. Je deviens comme elle, mais à l'inverse. Tu vas juste aimer détester tous les trucs de Snowflake, parce que... Oh, ça va, on aime tous les deux Zelda Breath of the Wild. On peut se retrouver là-dessus. Non, c'est pas que tu la détestes, c'est que tu détestes ses goûts, et parce que tu la détestes. Je déteste pas ses goûts, il y a plein de trucs qu'elle aime que j'aime bien aussi. Du coup, t'évites les trucs de Snowflake alors qu'elle, elle évite les trucs de Normie. Et vous êtes des connards tous les deux en fait, de la même manière. C'est pas vrai, on aime plein de choses ensemble. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Genre Homestuck ? Ta gueule. Je n'aime pas Homestuck. Homestuck, c'est la pire chose du monde, et c'est en même temps un truc Homestuck incroyable. Bah ouais, voilà, tu l'aimes. Non, mais tu ne comprends pas ma relation avec Homestuck. Tu ne comprends pas que je le déteste autant que je l'aime. C'est juste en coupe dans une relation toxique. Que non, mais vois. C'est horrible Homestuck, meuf. Bah alors arrête. Mais c'est aussi incroyable. Ah. Galaril qui sait, qui s'abonne. Galaril. C'est en troisième mois. Waouh. Mais comment est-ce qu'on fait un S? Maison coincée. Maison coincée. Non mais c'est nul Homestuck. Mais c'est trop bien. Mais c'est nul. C'est comme ça. Je me rappelle toujours de mon pote qui voulait ne pas regarder l'eau parce que c'est moche. Regardez l'eau. Genre l'eau. Je te l'avais dit. C'est... Ouais. Juste l'eau. Genre de l'eau. Le perso de la Non, l'eau comme l'eau quoi. Non mais Seiya, déjà on aime bien Zelda parce que tous les deux. Ouais. Je sais plus. Il y a des trucs qu'on aime bien ensemble. On aime bien Beastar. Ouais. Alors. Bah voilà. Oui, et bon, bah t'as basiquement tort donc. Ok. Basiquement. Je t'ai dit de Homestuck, je t'avais prévenu, chien. Je sais même pas si Seiya elle aime Homestuck. Tu peux ne pas secouer le bureau entier quand tu secoues la jambe, s'il te plaît. Merci. À l'OAV, Nox, parce que c'est moche. Ah d'accord. Moi je l'ai pas vu. Mais c'est pas moche. Vous êtes taré. Mais c'est un de ses potes. Bah vous êtes taré. Mais arrête de dire, tu es horrible. Bah ton pote est taré. Désolé Arcade de ne pas lire tous les mangas de romance hétérosexuels qui existent sur le marché. Je t'ai jamais accusé de ça. Qui a dit ça? Pourquoi tu me mets dans cette sauce? Qui a dit ça? Coco. Mais pourquoi tu l'as jamais accusé de dire ça? Non, parce que je sais pas, il s'énerve. Il veut me rappeler que je ne lis que des romances hétérosexuelles. Tu as raison. Bah c'est vrai, mais en même temps quand t'es hétéro... Bah tu peux lire tes trucs homo quand t'es hétéro. Oui je sais, mais je veux dire genre... Je comprendrais qu'une personne homosexuelle ne veuille pas lire de romances hétéro, ça intéresse pas. Je comprendrais. Ouais. Le sonat de Seiya, elle a pas les cornes de troll là? Non. Est-ce qu'elle a... Ça non, vient pas de là, ça, c'était ça bien avant qu'elle regarde Homestuck, hein, je pense, les cornes. Ça fait longtemps qu'elle a regardé Homestuck. Mmh, hein. Ça fait bien avant. Ça vient peut-être là. Bien avant que tu la connaisses. Mais vraiment oui, bien avant. Oui, j'ai pas dit que c'était par rapport au fait que je la connaissais, c'est juste que j'ai eu l'impression. Je pense que c'est bien avant qu'elle soit sur YouTube. Pourquoi je suis nul? Le sonat de Seiya, cornes de... C'est pas sa jambe qui bouge le bureau. Lol. Lol la bite. Attends, excuse-moi, est-ce que tu peux te peser? Parce que je pense que tu viens vraiment de gagner 80 kilos de poids, quoi. De lourdeur. Arcade hétéro. Moi hétéro. Morgane. Je l'avais pas dit depuis longtemps. Putain, faudrait faire cette blague, mon script. Morgane, je m'arrête, on s'embrasse, on s'embrasse. Non mais musique. Les gars, bah on s'ennuie. Moi je suis nul. Regardez-le. J'aime l'humour gras. Si tu veux une relation homosexuelle, va lire Berserk. Bonjour. En plus, il n'y a pas une relation hétéro dans Berserk, en plus. Si. Fait que tout le monde, évidemment, c'est l'homosexualité, Berserk, il me semble. Mais il y a aussi, genre, dans le oui, canon du manga, il y a la relation avec qui? Casca. Casca, c'est pas le mec, justement? Non, ça c'est C'est Gun, Gun, je sais plus comment il s'appelle. Pas Gun, c'est pas Gun. Je sais rien. Mais cherche Casca, Berserk, tu trouveras. Après, oui, clairement, ça parle de ça, Berserk, visiblement. Il y a des lolis dans Berserk. Ouh. Faudrait que je lise, mais j'en peux plus. Berserk, j'ai un peu une... T'as peur? J'ai pas peur, j'ai une appréhension pessimiste. Non, Guts, c'est le héros. Guts, c'est ça. Ah, mon Guts.
C'est juste que c'est... Tous les fans de manga les plus malaisants et cringe, ils sont tous, c'est toujours les premiers à dire Berserk, c'est une tuerie. Et voilà, quoi. C'est les gens qui aiment un truc, qui aimaient trop aimer Berserk pour se sentir un peu spécial. Pour se sentir un peu, ça, ouais, ouais, c'est ça Berserk, c'est vraiment, pour, c'est, vrai, c'est la oui, violence, c'est comme les, c'est comme les et, fans c'est, de et c'est dur, c'est vraiment... C'est Berserk, comme des fans de métal. Hein. Fans de métal face aux fans de Justin Bieber qui dit ouais, la vraie musique. Berserk, c'est le métal des Wigs. Retenez cette phrase, elle entrera dans l'histoire. Oh, Berserk, c'est mieux commencé avec l'âge d'or parce que ça commence avec l'enfance de Guts. Ah, c'est pas mieux de commencer par le début. Weeble Renan qui parlait de MHA pour se branler sur Berserk, mais tout le monde, enfin, il y avait aussi. Il y avait enfin c'était toute la, il y avait Benzaï aussi qui avait fait tout un épisode sur Berserk, le chef vieux. Otaku aussi bien sûr mais c'est qui était, les vieux qui mais vraiment c'est les vieux, mais c'est normal, ils vont grandir avec ça et puis en fini, mode, ça suffit quoi. En mode il y a pas besoin de dialogue C'est comme les fans de tout animé genre Jojo, Naruto, BZ. Non parce que Berserk c'est un peu vraiment le bail ça fait mature, c'est mature parce que c'est violent tu vois. Alors en vrai c'est pas ça, mais Berserk ça a l'air d'être vraiment très très deep, mais bon comment c'était un peu aimé. C'était un peu avant qu'il y ait SNK. C'était le oh lol, les animés c'est pour les enfants. Non, regarde Berserk, tu vois. Et maintenant c'est. Non, Berserk c'est trop la violence, c'est ça les animés. Et maintenant c'est SNK. Les fans de Jojo, c'est des immenses forceurs. Mais ils sont un peu drôles. Ils sont pas dans une position c'est mieux Jojo que tout. Enfin, certains oui, mais. Non, ils disent Jojo c'est incroyable, mais ils disent pas que c'est mieux que tout. Du coup, ça va. Enfin, ils disent un peu que c'est mieux que tout. Mais ils disent un peu que c'est mieux que tout en n'étant pas sérieux avec eux-mêmes. Du coup, ça va, tu vois. Naruto aussi, c'est des forceurs. Les fans de Naruto, faut. Enfin, oui, c'est bien Naruto, mais. Mais calmez-vous. C'est pas parce que ça vous a touché dans votre petit cœur que la fin est bien. C'est pas toi qui voulais défendre la fin, d'ailleurs. Oui, je vais défendre la fin, mais elle est pas bien. Moi, quand Kaguya arrive. Besoin de regarder bien ça, j'ai regardé Dark Souls. C'est un peu ça. Très bien Jojo, mais il y a tellement autre chose à lire que tu peux pas mettre au-dessus de tout. C'est juste que Jojo c'est particulier quoi, faut être dans le délire, c'est tout. Et tu peux aimer hein. Oui, genre moi, Arcade, on n'est pas dans le délire et ça nous a pas marqué. Mais, alors que j'adore la partie 2, tu vois, ouais. La partie 2 et la partie 1. Et j'aime certains aspects de la partie 3 et 4. Mais je sais pas, c'est un peu chiant aussi hein. Sans merde. Commence pas avec l'âge d'or, c'est épais, juste lit dans l'ordre et puis avec et puis c'est bueno. Comme si tu disais à quelqu'un de commencer Jojo à l'arc 2. Ce, mais c'est vraiment pas le but quoi. Bah c'est juste tu peux sauter des parties en fait dans Jojo. Jojo, genre un mec qui rend Jojo à la partie. Jojo, il a un peu. Le truc avec Jojo, c'est que je trouve qu'il a fait deux mangas différents, et puis depuis la partie 3, il fait le même manga. Et les gens pensent que c'est des mangas différents. C'est la même chose. Donc c'est bon. Et ce manga est pas ouf. Enfin, en tout cas, en animé. J'ai pas vu le manga du coup. Mais ça suffit. Toutes les parties de Jojo ne sont pas différentes. 1, 2, 3, oui. À partir du 3, c'est pareil. Bon, apparemment, avec Jojo Lyon et la partie 7, il a rechangé complètement. Juste Ballroom, ça a rechangé. Mais voilà. Bah, il y a des airs, on va dire, de Jojo, tu vois. Erawan, Eratu, tu vois. Non, juste Ballroom, ça change vraiment la recette. La recette. Et la fin la plus bullshit du monde, bah, ça, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y a des gens qui ont aimé la fin. Bah, j'en sais rien. Il y a des gens qui forcent, quoi. La fin de quelle partie? De Naruto. Non, Naruto. Ah. Je pense. T'as des gens qui veulent pas regarder Jojo parce que ça fait trop gay, et t'as des fans homophobes qui disent que Jojo c'est pas gay, je trouve ça terriblement sociologique. C'est pas gay, ils sont juste musclés et... Très LGBT. Voilà. C'est pas tranquille. Et y'a pas du tout un gag entier sur le fait que Joseph baise Azuab 2. Oui. Ignore tous les Dark Sasuke de la communauté Berserk, déjà tu vois que c'est complètement con parce que tu trouves que le manga est devenu pourri parce que récemment Guts a des compagnons, alors c'est complètement justifié dans l'évolution de personnages, bref le manga est exceptionnel, oui considère largement que l'un des meilleurs mangas qui existe, voire le meilleur, mais ce n'est pas à cause de la violence. Ah oui je connais des gens qui adorent la fin de Naruto qui disent que personne comprend rien. Oui on voit de qui tu parles. Il y a des gens qui aiment parfois beaucoup trop certaines choses quoi. À partir de la 5, c'est complètement différent, c'est le twist de la partie 6, il a décidé de refaire la forme. Je crois que la partie 6 était aussi plutôt dans le même genre. Non, la partie 6, en gros, elle est dans le genre, mais elle ferme, elle termine l'idée, quoi. Elle clôt un truc, quoi. Les fans d'Evangelion, ils détestent Evangelion, ironique. Les fans d'Evangelion, c'est compliqué. Evangelion, c'est compliqué. Parce que tout le monde déteste un peu Evangelion. Mais tout le monde...
tout le monde reconnaît que c'est génial parce que tu détestes. Parce que c'est un peu l'idée, je crois. C'est un peu, tu passes un horrible moment à tous les instants, mais comme c'est ça qu'ils étaient censés faire. De quoi, Evangelion ? Evangelion, ouais. Moi, je suis vraiment pas fan de ça. Okay. Après, j'ai pas lu, tu vois, j'ai pas vu ni lu, donc enfin vu, du coup, c'est pas un manga. Mais ça a l'air bien, hein. Ça a l'air d'être un peu, ça a l'air d'être profond quand même. Moi, j'ai fait une Ranma. Là, mais tu dessines la meuf que le mec de. Oui, justement, j'allais dire. Tu vois, ça, je te l'ai fait pour 1€, tu vois. Guys, laquelle des gamines de 14 ans d'Evangelion est la plus haute? Ah ça, bah justement, regarde. Il me semblait... Enfin, le discours des whips, c'est un peu... Mais c'est totalement de ça dont parle Hideaki Anno. Ça, je te l'ai fait pour 1€. Ça, ça coûte 200 balles. Ouh bah, vends ça pour 200 balles. Non, mais... T'as vu, son pouce est même pas dans le bon sens. Il me semblait que c'était l'idée d'Evangelion. C'est un peu Hideaki Anno fait une grosse critique de harem. Et de personnages comme ça, et du coup fait que tous les personnages, notamment le héros, est un immense fils de pute qui sert à rien. Et du coup tout est cringe et tout est horrible. Parce que évidemment c'est des gamines et tout ça, je crois que c'est ça l'idée. Il me semble, hein. C'est un peu parce que moi je fais confiance, Tero il me vend un peu ça comme ça. Quand il me parle de ça, il me parle effectivement que c'est Hideaki Anno qui déteste les animés, et qui montre comment il déteste les animés. Et Tero me dit que c'est trop bien. C'est ça, Evangelion pour moi. C'est joli. C'est l'auteur de Kazané. Oh. C'est en gros, du coup, Kazané, c'est mon manga préféré. Et je vois pas du tout, je sais pas du tout où le lire, mais le mangaka qui fait Kazané est en train de faire un autre truc où un mec voit les morts et une meuf entend les morts. Du coup, ils doivent collaborer. C'est ce que j'ai compris en tout cas de ce que j'ai lu dans les traductions de trucs en japonais. Et ça a l'air trop bien et j'ai trop envie de voir ça en fait. Mm. Voilà. Non, je te dis, c'est pas un DSP qui a une vision nihiliste d'Evangelion. Non, mais c'est pas exactement ça sa vision. Mais c'est une critique qui est pas en mode c'est nul et puis voilà. C'est une critique sur laquelle il construit un truc. Donc, c'est ça l'idée, quoi. Ça suffit de me résumer. Oh, j'en peux plus. De mainsplainer. Casser les couilles, en fait. L'idée, c'est que les otaku doivent sortir des fantasmes de meufs d'anime et de go sortir dehors. J'imagine que c'est plus complexe que ça, mais. Imagine le message en anglais, juste sortez. Sortez les gars, sur ça suffit. C'est pas trop le meilleur truc hein, en ce moment quoi. Sortez. Après je sais pas ce que vaut les films parce que la fin de la série, bah c'est ils avaient pas de budget et les films du coup ils ont refait tout un truc. Enfin, ils ont fait la fin, une fin quoi. C'est ça l'idée du premier animé sans la fin, The End. Anno be like, we live in a society. 5 minutes of the Bible, OST. Ah là là. Sacré idée à Keanu, hein. Qui a fait du coup Shin Godzilla. Oui, ça faisait... Putain, ce film. Putain, toute la scène du souffle atomique, quoi, putain. Ma scène de cinéma préférée, en cours. Ah bon ? Dis donc. Ça va vite, hein. Cinéma live, en tout cas. Animation, ça dépasse toujours à chaque fois, mais... J'en ai marre d'être nul. Visuellement, je veux dire, tu vois. Enfin, ou même ambiance, oui, non, mais tout ça. Je vois, en termes de dantesque, tu vois. Enfin, t'as le droit, hein, parce que, en termes, parce que. Enfin, pour le moment, tu vois. En termes de comment il m'a marqué. Tu, plus. Tu me l'as dit maintenant, ça ne changera plus jamais, en fait. Okay. T'as signé un contrat. Tu vois ou pas ? Ah non, c'est le guide de Mister MV qui dit whips de merde, mais avec moins de barbe. C'est un peu ça. Non, mais il semble assez critique sur la vision de l'animation japonaise aujourd'hui. Surtout l'industrie, en fait, plus que l'animation. J'ai envie de faire d'autres chibis comme ça. Faites des dons. Faites des dons. Je vais faire d'autres chibis. Tu dis, il est pas si pur Nechar en plus. Oui, non, mais ça a l'air d'être complexe et profond comme série et comme message. Exactement, comme Robots. Exactement, comme Robots. C'est d'ailleurs un peu le même film, enfin, non, je trouve. Je devrais dire de plus ou moins l'inverse sur Evangelion, comme quoi ça se justifie totalement que Shinji soit comme ça, et parce que juste un gosse qui a rien demandé à personne et qui est obligé de combattre. Non, mais oui, je dis pas que c'est pas justifié. En fait, j'ai pas vu la série. Ouais. Moi, je vous parle comme ça. Laissez-moi tranquille, à l'aide. Les 1€, les lieux investis de ma vie. Les mieux investis de ma vie. J'ai dit, c'est Renegger, mais hétéro, quoi. Ah bon. Fais perso, il m'a pas saoulé. Ça va aussi, les comparaisons à SNK. On peut pas tout comparer à SNK aussi. Hein. Si, tout va dans SNK. Tout marche pas. Je sais que c'est trop bien, SNK, je suis d'accord, mais bon, on n'est pas obligé de tout ramener à ça. Le truc de Evangelion, c'est que l'anime a deux fins, et qu'en plus, il y a un univers alternatif avec les films Rebirth qui ajoute des persos et change d'histoire au mieux pour aller vers notre truc. Oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants, les japonais. Pardon, pas les japonais, les animés en général.
J'en peux plus, hein, les fins différentes et les machins, et puis on a rajouté ça, puis en fait, il y a deux temporalités, puis ça... Oh là là ! Une fin. C'est bon, quoi. Ça suffit, les univers, donc c'est quoi ? Eren n'est pas hétéro. Oui, en plus, si, il l'est clairement, quoi. Quoi, que Eren est... Il est juste en mode, au secours. Oui, c'est un hétéro qui appelle à l'aide. De toute façon, personne n'a compris Evangelion, même son auteur ne sait pas de quoi ça parle, il en a marre. Non, je pense qu'il sait de quoi ça parle, mais je pense qu'il a fait une œuvre aussi qui a ses profondeurs et ses ambiguïtés, dans lequel tu peux voir certaines choses qui te font écho ou pas, quoi. C'est des œuvres profondes. C'est un Kirito inversé. Bah ça, c'était un peu le discours de Tero. Enfin, le discours sur Eugene, il disait, c'est un anti-héros de harem. C'est un héros de harem, mais retourné un peu. Ah, bien sûr, table, hein. Elle est trop drôle. Pic de table. Je la trouve trop drôle. Merci. Royo Poco. Royo Poco. Regarde. Quoi ? Je suis trop drôle. Ces petits yeux là. Rebuild, c'est pas mieux que Neon Genesis par contre. Ah. Par contre, c'est un non-sens de parler d'Eva comme un animé d'harem, genre de suite, il y a deux persos féminins dans un trio, c'est un harem. Bah il y a plus de persos féminins, il me semble. Et puis ensuite, c'est peut-être dans les codes narratifs qui sont utilisés plus que dans juste le cast. Après, j'avoue, je parle en vide, mais Ah bah arrête de parler d'un truc que t'as pas vu, tu vas juste... Je discute. Et tu vas juste te mettre dans la sauce. Mais je ne me mets pas dans la sauce, je fais que répéter. Change que c'est pas sujet, mon avis réel. Faut que t'apprennes à... Toi, faut que t'apprennes à dessiner en regardant le chat, peut-être que ça te débrouillera, t'éviteras de faire des critiques. Putain. Ok. Ouais. Misato et Ritsuko, c'est des adultes, donc bon. Bon, enfin, dans les animés de harem, là, je n'ai jamais été un problème. Hein. C'est plus mon live, j'ai plus. C'est pour ça que les animés de Ram, c'est souvent de la grosse merda. Il est génial ce dessin. Pour résumer, Evangelion, le premier anime n'est pas assez budget pour finir, donc ils ont fait une fin chelou qui serait une illusion. Plusieurs années après le succès de la série, ils ont fait une vraie fin en film, et plus récemment, ils ont fait un remake pour faire la série, probablement dès le début avec la bonne fin, sauf que c'est de la merde, c'est censé être un mec, mais les mecs changent plein de trucs dans le scénario, ça n'a aucun sens. Bah, moi j'ai vu des bons trucs sur les films récents qui sont sortis. Je suis perdu, d'accord. Hein. Moi j'aime bien Code Geass et Steins Gate. Je suis totalement d'accord. Yes. Lelouch, putain, ça a réveillé Kerry. Lelouch. Oh Lail. Lelouch, bien sûr. Hein. Pourquoi Kerry elle parle dans le chat, elle vient pas ici? Wesh, ça je sais pas. Elle n'a pas de PC portable. Quelle vie. Après, second visionnage de Code Geass, on parle de hentai, je connais plus beaucoup plus calé en hentai. On a vu la même anime. Vas-y, parle le truc, c'est ton live, hein. Non. Désolé de lire le chat et de discuter avec le chat. Vraiment, je suis vraiment désolé de faire ça. Je sais que ça te gêne. Je me sens vraiment coupable. Si t'as vraiment l'air en colère, alors que je sais que tu l'as pas vraiment, tu vois. Mais t'as vraiment l'air en colère. J'ai pas vu l'évangile. Oui, Kiri travaille. Rentre dans le robot. Juste que pour une fois, il n'y a pas une majorité de persos masculins de suite pour qu'elle finisse avec le héros, alors que trop pas. Bah, j'en sais pas. Je suppose. Arcade devant les Evangelions, Osef, alors que devant Code Geass, Lelouch. Bah, Code Geass, c'est bien, mais comme je le dis, moi je trouve le deuxième visionnage était moins bien, mais bref. Bah, c'est parce que nostalgie. Peut-être. T'as bien Steins Gate, plutôt Steins Nose alors, hein? Quoi? Quoi? C'est me, juste me qui dit des conneries! Alors, Steins. J'ai pas compris la blague! Parler à son chat, sur Twitch. À son chat! Son chat. Son chat. Putain, j'étais dans un autre espace, le quoi? Pourquoi tu parles? Je suis fatigué. T'es fatigué. Il a des bras, des jambes et un visage. C'est ton chat? Oh, bah, ok. Miaou. Ok, la guerre des clans. Let's go, quoi. Il est si gros. J'avoue. Regarde. Il roule. Wow, il roule lentement, dis donc. Si je vais trop vite, ça fait rien, ça fait juste ça. Bah, il est entouré par un carré millénaire. Il est très bien, mon chat. Regarde, il rebondit. Il est très rond, ce gros maton. Ah oh, non. Le nez de Stein. Ah, Stain's Nose, ok, je l'ai. Pas mal, mais je suis juste trop con. Elle sait plus quoi dessiner. En même temps, vous ne faites pas de dons. Donnez de l'argent.
Je veux faire des chibis. En fait. Dites-moi, donnez-moi des dons que je puisse faire des chibis comme ça, des persos que vous voulez. C'est vrai qu'à cause du live blind test, il y a une bonne réputation de connaisseuse de hentai. Ah bon? T'étais là sur le blind test? Non, j'étais pas là. T'as deviné du hentai. Est-ce que vous êtes encore ces genres de gens qui imaginent des gens sur des lives? Ouais. Dans le, qui imaginent des gens sur les lives de Marina? Alors qu'ils n'étaient pas là. Alors que Marina, c'est vraiment la seule qui met les trucs Discord. Oui. Marina, elle met qui est là. Elle dit tout le temps quel invité est là. Moi, je fais jamais ça. Personne ne se trompe. Ce soir, elle va faire. Oh, merci à Julien d'être présent. Super, trop bien. Mais non, c'est Princesse Magique. Putain, mais pourquoi vous pensez que c'est moi, Princesse Magique? C'est insupportable, vraiment. Il y a les noms écrits, il y avait les trucs Discord. Vous êtes aveugle. Merci pour Echo Sensitive. À l'aide, à de l'argent. Que tu puisses dessiner quelque chose, une petite buffet de. Ah. Il y avait Karim, dommage. Quoi? Trop bien ton live avec JDG, Marina. T'as vu que quelqu'un a partagé ça dans le partage de dessin? De quoi? C'est ah, pourquoi? Je sais pas, ça me ça va plus marcher avec les queues de Tails parce que Krim a fait vraiment ça. Mais. Oh, mais c'est classique les Cotels. Le mec a juste marqué, tu t'es Krim fan. Ah, pendant cette soirée, je t'ai cité, j'ai dit que t'aurais largement pu débattre avec Princesse Magique sur les hentai. Bah, on voit qu'on ah, a une connaissance. Elle a de la connaissance. Ça, ça fait plaisir. Parce que moi, j'en ai. En vrai, j'ai pas une grosse connaissance, mais je suis curieuse. En même temps, vous êtes tous blancs, du coup, ils confondent. Je suis pas blanche. C'est vrai. What the fuck? Moi non plus, hein. Je suis espagnol. Ta gueule. C'est blanc espagnol, fils de pute. Déjà de 1, tu sais même pas si t'es espagnol, de 2, c'est blanc être espagnol. Je peux rentrer sa DL, voilà. Ça, elle en a de la connaissance. Princesse Magique, bah d'accord. Bah, Princesse Hentai, et son nouveau nom. Et voilà. Prince Sexe. Magique. Pendant un instant, je me suis dit que j'étais un génie. Pendant l'autre instant, je me suis dit que j'étais la plus grosse des merdes et ça s'est mélangé. T'avais l'air fière et en fait, ouais, elle est pas ouf, mais j'adore. À moitié blanche, fait... pas content. Attends, en vrai, débat. À fait... moitié blanche. C'est comme ça que t'as défini Faris. Bah, c'est vrai, hein, je suis moitié blanche. Hein. Je suis moitié privilégiée, moitié, moitié un M, quoi. Moite-moite. Bah écoute, je suis peut-être un. Peut-être métisse, un mélange de couleurs. Je suis une tarte au citron meringuée, jaune et blanc. Mmh. Ouais, mais une tarte au citron meringuée, c'est à deux étages. C'est à deux étages. Toi, t'es une dame blanche. Genre, tu vois, en dessous, c'est pas jaune et là, c'est blanc, tu vois. C'est super drôle. Débat. Meufette, elle a un trou dans les cheveux ou une corne? Moi? Quoi? Pourquoi est-ce que tu parles? C'est ses yeux? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, Meufette. Oui. Si je me fête. Ah, ça! Comment elle s'appelle? Ah, est-ce qu'elle a un trou dans les cheveux là? Ouais. Quoi? Ça c'est, le dessin original. C'est un trou dans les cheveux ou c'est une corne? Moi je pense que c'est un trou. C'est une mèche. Oui, non, c'est un trou. Moi je pense que c'est pas une corne. Bah après, si tu veux le faire en corne, fais-le. Parce que là, on dirait vachement une corne. Là, on dirait vraiment une corne. Ouais. Après, bon, c'est les. Je sais pas qui l'a designé. Avast Demon. Non, mais qui l'a designé dans le Stand Undertale? J'en ai aucune idée. Non, moi, je pense Arcade, à côté de toi, c'est Chrono Music. Vous lui mettez un masque, c'est Chrono Music. Quoi? Ah oui, parce qu'il est asiatique. Oui. Super, j'adore. Mais ça. Non, mais putain! C'est la blague dans le chat! Je vous déteste. Vraiment, vous m'avez mis dans la sauce aux yeux de Carthage. Elle a un petit trou, genre sa frange qui est légèrement de côté. Oui, c'est comme ça, mais les gens, je suppose, ont interprété aussi ça en. Oh! Elle est pas trop mignonne. J'avoue. Putain. Ah. Et ses petites dents là. À quoi, Pokémon Snap? Ah ouais, c'est bien. Bah là, il a fait un Guerilande. Super. C'était un courant, hein. Là, il a fini. Ah mais je suis pas sur le stream de Soumachou. Non, t'es sur le stream de Rena. Non. C'est vrai qu'en plus Rena est en live là. Ouais. Je vais la raid après d'ailleurs, si on arrête après, hein, parce que j'en ai marre du racisme que je suis. Trou dans les cheveux, Kiri aussi trou dans les cheveux. Ouais. Bah elle a des yeux, non, on parlait de l'espèce de petite corne au-dessus de ses yeux. Non mais le professeur dans Pokémon Snap, ça va être professeur miroir. C'est de la merde. C'est vraiment un nom d'arbre ça. Oh oui. C'est peut-être un nom d'arbre en vrai, j'en sais rien, moi j'ai une... Oh, les plantes, je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Mais putain, tu pourrais avoir un... Professeur la même succulente. Blague en même temps. Quoi? Tu pourrais avoir professeur succulente. Et c'est le nom d'une plante. Mmh. Imagine, professeur succulente. Il y a Hortense, non? Il y a Hortensia, non? Professeur Hortense, non? Je pense que ça n'a rien à voir. Je sais pas, j'y pensais. Ok. C'est une plante. Espèce de fils de pute.
Ce timing, c'était si drôle. Quel timing? Parce que Kerry et toi, vous avez mis en même temps Reyna. Alors. C'est vachement avancé la télévision du VTubing. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup. En plus, elle a fait deux modèles, un pour moi, un pour elle. Quoi? Parce que Reyna, elle est en VTuber. Ouais. Bah, du coup, si c'est Reyna, t'es en VTuber. Ah, bah oui. Bah oui, mais suis un petit peu, s'il te plaît. Alors, il y a le professeur Shen. Oui. Professeur Orm. Oui. Professeur Seko. Oui, comme Sequoia. Sorbier. Oui, Sorbier Standard. Professeur Keteleria, avec deux E. Oui. Professeur Platane, évidemment, Euphorb. Oh, Platane, putain, qu'il est beau, Platane. Magnolia. Oui. Puis il y a les autres. Autre catégorie. Il y a Flora, il y a Sirius, il y a Cresson. Pimprenel, Petra, Willow, le chêne, Raphaël, chêne noir là. Ah oui, chêne noir. Ah oui, le chêne de Hawaï. Ah non. Le chêne de Hawaï, oui, c'est ça. Il y a Professeur Cerise. Oh, mignon. Oh. Bah, c'est le mec de l'anime. Ma femelle. Kerry a décrit Reyna comme sa femelle. non, Kerry a décrit Reyna comme sa femelle. Ah, oui. J'ai pas dit ça. Il y a Big Chêne, oh mon dieu, il est trop stylé. Y'a Big Shen! Wow, il est trop stylé! What the fuck! Coco, Reyna! C'est Big Shen! Big Shen! Big Shaq! Big Shen! What the fuck! Incroyable. C'est qui Reyna? Reyna Coco, c'est une. Dessinatrice, Yutaite, membre d'NTNT et streameuse. Tu peux lui envoyer un lien de la chaîne de Reyna? Je ne fais que ça. Merci. Allez voir sa chaîne, bah, elle est en live maintenant, n'y allez pas maintenant parce que bah, restez sur mon live quand même, mais je ferai peut-être un raid après sur elle, et sinon abonnez-vous quoi. Pas maintenant? Non, plus tard. Qui est très stylé, et elle, ses lives sont en mode VTubeuse, elle a un modèle. Là elle fait du dessin je pense. Et elle fait des covers, et des chansons. Elle fait des lives dessin, des lives jeux vidéo, et des lives karaoké. Je sais pas ce qu'elle fait d'autre. Dingue. Une personne réellement polyvalente. Alors, Marina. Oui. Ok. C'était génial quand même. Chez Game Freak, pour entourer les formes régionales, ils font la forme régionale du professeur Shen. Ils le font un peu partout. Shen à travers l'esprit. L'espace et le temps. L'esprit. L'esprit. Guess who's back? C'est Flo! 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 Flo qui a du Flo qui pose son Flo sur le Flo. Ah, il voulait où ça, dans le live ce soir? À Mogus. Luna voulait venir ce soir, bah écoute, il n'y avait qu'à se prononcer un peu plus tôt, hein. Bon. C'est à 20h30, à quelle heure vous commandez? Regarde, elle est terrifiante. Non, je vais sortir pour m'acheter un kebab. Là, je sais pas si machin. Mais moi, je te dis que tu devais le faire. Oui, Force. À boire, de Night Killer. J'arrive. Flo! C'est quand que tu viens avec Marina et qu'on fait un marathon retour à la future? C'est vrai qu'on est censé aller chez Marina pour sa pendaison de crémaillère. Putain, trop de déplacements à faire. Oh, Marina, pour ta crémaillère, donne-nous une date et on la fixe, hein, parce qu'au bout. Ça, j'avoue, mais une date, hein. Ah, t'as vu qu'en France, Macron a envoyé un petit tweet, ce qui est donc ma source d'info première. Il a dit qu'à partir du 15 juin, je crois, les plus de 18 ans pouvaient se vacciner. Ah, c'est bien ça. Mais en France. En France. De toute façon, je pense que je peux pas me vacciner en Belgique. Moi, je peux venir, invitez-moi. Qui? Ah, Marina va poser une date demain. Bah, y a un peu, là. Vous allez prendre qui chez Marina? Tout le monde. On s'en fout du Covid. Tout de suite. Toute la planète. Sur quoi? Le chef Otaku. Ah, j'ai cru, le chef Otaku. Ah, mais... Tu dis le chef, mais pour moi. Non, c'est le chef. Ça fait super longtemps qu'on dit le chef pour dire le chef et plus le chef Otaku. Mais tu peux te pas mettre le son, s'il te plaît? Pardon, pourquoi? Pourquoi ça te gêne? Mano? J'y vais, je vais aller geeker sur LOL. Quelle drôle d'idée. Et insulter des minorités, c'est complètement faux. Ce B est fait des dons à Arca... Écartaz et surtout pas Arcade. Je trouve ça pas sympa. Ah, qui fait ça? Chef Otaku? Bah non, non, pas lui. Je trouve ça vraiment pas cool. Surtout que moi, quand vous me donnez de l'argent sur Twitch, bah ça va à Mano et à Kerry. Moi, ça vient à moi. Et au kebab de l'arcade aussi, parfois. Ouais. Et parfois, je paye des repas complets à toute la. C'est plus en donnant de l'argent ici que vous me donnez de l'argent. Enfin, là, vous en donnez plus à Slow. Oui.
C'est vrai parce que Laszlo en gros a pété son téléphone. Du coup, je vais l'aider un petit peu financièrement. Si possible. Pouvoir payer la sauce. Je devrais renommer ma barre de dons du salaire de Kerimano. Juste appeler ça Kerimano dans la sauce. La sauce de Kerimano. In the sauce. Comme ça, je pourrais les payer pour leur bon et loyaux service. Pas qu'à d'idée geekée sur l'homme. Pourquoi on est soudainement dans une ambiance épique? Je sais pas, je voulais même pas ces musiques-là à la base, je sais pas pourquoi il y a de la musique épique. Je sais pas, mets du Undertale Chillax. Ou tu dessines du Undertale. Parce que vous êtes épique, le dessin est épique, vraiment me fait. Hein. Best personne Undertale, bien sûr. C'est faux. Bah arrête, elle est cool. Ouais, elle est aussi cool qu'elle est Osef, quoi. T'as juste mis toute l'OST. J'ai mis Undertale Happy Music. Ah. Parce que tu as parlé de Macron. C'est vrai que j'ai appelé Macron, puis finalement il y a eu une ambiance de JRPG. Je pleurais. Ok, je chiale, merde. Ça y est. C'est décidé. Et je sais pas quand est-ce qu'on va s'acheter à manger. Enfin, moi je vais m'acheter, je sais pas, je vais y aller vers 19h. Hein. Max. Non, peut-être 18h30. Comme ça j'ai un peu de temps. À l'aise. Mais toi tu vas commander, toi, non? Bah voilà. Moi je bouge. Ah, où ça? Moins cher de bouger. Mais j'ai pas de cuisine. Tu peux payer par carte à l'intérieur? Ça va, vous êtes relaxé à cause de la musique ou comment ça se passe? Bah, soudainement, on est dans une ambiance un petit peu, on a baissé le temps, tu vois. On passe en fin du temps. La caméra est si sombre alors qu'on a mis la lumière. J'ai envie de chialer. Mais en fait, quand je mets plus la lumière, je suis cramé. C'est pour ça que je mets pas la lumière plus haut. Mais ça va, on nous voit, on nous discerne. Hein. Pourquoi on a tous les deux des caméras de merde? Bah, elle est bien, elle m'a coûté 70 balles la mienne. Trop bizarre. C'est celle de Luna. Bah ouais, je sais pas comment il la règle, Luna. En même temps, Luna, il a. Après, il utilise pas la lumière du soleil. Mais oui, il a des lumières de film porno là, connard. Hein. C'est ça. Vous inquiétez pas pour la musique, de toute façon on n'entend pas. Ah bon? What? Mais dites-le, putain, vous êtes cons. Ils sont débiles. Ils sont vraiment débiles, hein. Vous êtes débiles. On met de la musique, vous pensez que c'est pour qu'on l'entende, nous? Putain. Vous entendez, là? C'est pas trop fort? Sinon on monte le son sur machin, comme ça on n'aura pas à le monter plus son pour nous. Comment ça? Bah si tu montes le son... C'est ce que j'ai fait. Bah j'étais clairement envie de monter le son de la vidéo. On entend, ils sont juste sourds. Ah d'accord, très très faiblement, mais ça va. Donc encore plus con, ouais, bien sûr. Ça allait très bien. Sauf quand vous êtes Kerry qui s'énerve. C'est joli ce que tu fais, dit Kiara Lennon. Merci. Désolé. Big Spider Madame. Pas très big. Little. Middle. Medium Spider Madame. C'est ça. Big Spider Madame, c'est dans genre le harem avec des meufs monstres. Putain, tu sais c'est quoi les points de chaîne de l'histoire JD? C'est quoi? Des points en retraite. C'est drôle. I like the spider madame. Elle est choupax. Elle est choupinette. Et elle veut te bouffer. Oui. Non, elle veut te prendre ton argent. Elle veut pas te bouffer. Elle veut te bouffer financièrement. Effectivement. Pourquoi tant de violence? Les gens ne sont pas violents, ils sont juste sincères avec vous. Waouh. C'est pour ça que mon père me frappait. Non. Elle serait mieux si elle voulait pas te raquette. Elle veut pas te raquette, elle fait un honnête commerce et vous avez juste pas l'argent. C'est un commerce de luxe, vous plaignez pas? Oh putain. Moi j'ai ça pour le reste des gens, je mets la musique de mon côté moi. What the fuck? Comment tu fais? Je pense que la plupart des gens mettent pas de musique dans leur live et du coup ils mettent la musique à côté et personnellement ça me fait chier. Si je vois quand un mec fait un live et ne met pas de musique derrière, je suis en mode bah... Mais comment tu peux nous avoir et avoir aussi la musique à côté? Il met YouTube à côté. Mais oui, mais là du coup ça veut dire qu'il a deux musiques en même temps puisqu'il entend aussi la musique de chez nous. Oui, mais vu qu'il c'était pas fort, et ben ça va, tu vois. Ah, d'accord, on lui a gâché son plaisir. Oui. Ça me fait plaisir. Kerry n'est qu'amour, c'est vrai. Kerry est quand même assez sympa. Je rigole. Kerry n'est que sucre. Et anxiété. Sucre et anxiété. C'est Kerry. Pour de vrai, du coup, c'est un peu fort là quand même.
En même temps, les musées de Notre Dame, parfois, elles attaquent, hein. T'aurais pu mettre l'album de jazz entier de Insane. Ouais, j'en ai marre, j'ai trop écouté. Tu sais que genre en, dans plaisir, l'année 2019-2020, c'est genre sur Spotify, c'était mon truc le plus écouté. Ouais. Je l'ai trop mis en fond, tu vois. Ah, t'as écouté d'ailleurs le nouvel album de Damso? Non, mais j'ai vu. Moi la non, cover, j'ai pas vu. Ouais, elle est pas mal la cover. Elle est sympa. La reprise. J'ai pas vu. Il est, enfin, je sais pas. J'avoue, j'ai juste écouté, j'étais en mode oh, c'est cool. Puis voilà, j'ai pas vraiment d'avis. Il y a aucun morceau qui m'a vraiment fait en mode oh, trop bien. Mm-hmm. Oh, j'ai vu la cover, je trouve la cover vraiment stylée. Ouais, la cover est sympa. J'ai encore une phrase. Une phase Undertale fait chier. Écoute, tu sais, encore. On retombe toujours dedans. Hein. Tous les chemins mènent à Undertale. C'est comme les fans de My Little Pony, ils retombent toujours dedans. Putain, c'est trop cool parce qu'avec TikTok, il y a des fandoms que je pensais genre n'existaient pas ou étaient morts. Genre, il y a des gens qui font du contenu My Little Pony, ça marche. Et des gens qui font du contenu La Fée Clochette et ça marche. Et je suis en mode, waouh, tous ces fandoms que j'avais plus depuis des années, tu vois. Et je suis en mode, voilà, je suis contente. Fandom La Fée Clochette, putain. Mais les films. Ah. Pas juste Peter Pan. Il y a des films La Fée Clochette. Fandom Peter Pan, putain. Je regarde le but que mon snap et il est vraiment pas beau. Ah ouais? On va dire les gens plus moches que Monster Hunter. Ah. Ouais. Pour un jeu basé sur la photographie. Ah, c'est dur. D'accord. Après qu'il soit pas beau, encore à la limite, mais si les animations des Pokémon sont nulles, là par contre ça va remettre. Non, ça a l'air d'aller. Mais... Madame Spider, tu veux du thé? Tu veux du thé? Des donuts. Fais chier, je dois repayer un grade requin sur Tipeee pour avoir une Undyne. Oui. Bah, tu peux me faire une commande, sinon. Oui, tu peux. Mais c'est pas assez pour attendre que ça se réouvre. Je vais encore avoir une phrase. Oui, d'accord. Sinon, prends un abonnement mensuel et t'auras un dessin par mois. Dingue. Alors? Ou te prendre un abonnement unique. Et c'est bien parce que du coup, je serai rémunéré par mois et toi, tu auras ton petit dessin tous les mois. C'est pas cool? Checker toutes les infos de mon Tipeee en lien je en dessous. T'as mis tes lunettes doucement? Oui. Un connard. Sinon, j'ai plus d'argent. Oh non! Oh non. Oh non! Soutien sur Tipeee depuis le début. J'avoue, moi aussi. Yay! Sauf que toi, t'as aucune récompense parce que tu payes pas assez. Cool. Bah, c'est vrai, c'est juste vrai. Bah, c'est pas grave en vrai. Bah, tu peux voir mon contenu, mais c'est pas comme si t'allais le voir. Oui, effectivement. Tu sais, je te donne juste de l'argent pour te donner de l'argent. En vrai, oui, un dessin tous les mois, ça m'intéresse pas plus que ça. Bon, des fois, tu te dirais pas genre. Ouais, bah, à chaque fois, tu me dis ça en plus. À chaque fois que t'as une à chaque idée. À chaque fois, j'ai une idée, je l'oublie. Mais note-les. J'ai envie de chialer. Note-les. Ça va, j'ai d'autres choses à faire que de noter les idées que j'ai pour un dessin pour toi, quoi. Ok. Bah, le mec. Oh, la meuf est blessée. De ouf. Je te déteste vraiment. Je me sens mal là, Arcane. T'es pas un bon ami. Je m'en vais. On arrête le live, il est 18h. On va pas tarder de toute façon. Ce que tu dis me rappelle à la fois où j'ai découvert sur Twitter et TikTok qu'il y a vraiment un regroupement de meufs qui se prennent pour des sorcières au premier degré. Ah oui, oui. Genre mettre du miel, de l'eau, de lune et tout ce que tu veux dans un flacon dans la forêt pour nourrir les fées. Ah bon? Oui, sinon, une ça. Meuf qui m'a fait de mon astrologie et s'était claquée au sol, et bien justifié que ça marchait parce que son chat et sa copine avaient le même caractère. En vrai, nous, on a juste fait de... Putain, t'imagines, t'as un chat, c'est le même caractère que ta copine ou ton copain? Bizarre. Ah, si, mon si copain... Si le chat est sympa, ça va, tu vois. Oui, si le chat est un connard. Je dirais pas que mon copain et ma copine ressemblent au caractère de plume. Quelle pute. Vraiment pas. Hein. Voilà. En tout cas, travaillez pour me donner votre argent. C'est ça. Vos relations avec vos streamers sur Twitch, c'est ça. Travaillez. Pour me donner de l'argent. Moi, Plume, elle m'avait mordu. Mais Plume est une grosse salope, faut le savoir. Je l'adore, hein, mais une immense salope. Faut savoir que oui, elle est méchante. C'est prévu. J'ai d'autres trucs à faire. J'ai des trucs en retard. Je suis désolé. Effectivement. Voilà. Ça va slider dans les MP là. Tranquillement. J'ai envie de crever. Quoi? Crever? Pourquoi? J'ai tellement de trucs à faire. J'ai dû rembourser des gens de leurs commandes parce que j'avais pas le temps de les faire, j'en peux plus. Du coup, j'ai perdu de l'argent. Eh oui. Ça, je préfère faire des petites commandes, les grosses commandes, c'est chiant.
Ça prend du temps. Bah, je veux qu'ils prennent du temps, Gardaz. T'as trop hâte qu'on fasse une BD. Oui, mais tu seras là pour me dire bouge ton cul. Super. Parce que mes clients, ils me parlent. Mes clients, ils me font une commande et puis 5 mois plus tard, ils me disent c'est pour savoir si. Et ils disent pas, ah, peut-être qu'elle a oublié, tu vois. Moi, t'es genre, moi, je préfère encore... fucking donkey. Moi, je préfère encore les gens qui te harcèlent toutes les semaines que les gars qui te disent en fait, je fais ça il y a 5 mois. C'est un appel au harcèlement. Oui. Oui, sur moi. Harcèle-moi, s'il vous plaît. Trop bizarre. Parce que je me sens coupable parce que oui, tu fais toutes les semaines, je te trouve chiant, tu vois, mais je le fais. Mais si tu viens après 5 mois, juste je me sens coupable, tu vois. J'ai fait ça à Blo, ça fait un an que je vais pas rappeler que j'avais une commande. 2 bientôt. D'où Seigneur. Ça va faire 2 ans, moi. Ouais. je l'ai payé genre quoi, 30-40 balles, un truc comme ça. Non, moi je crois que c'était 20 euros, hein. C'est tout. Par contre, tu veux voir un truc, s'oublie, enfin. Regardez. J'ai payé 15 balles pour une commande, j'ai eu ça. Ça vaut pas 15 balles ça. Ça vaut genre 70 balles. C'est trop beau hein. J'avoue. Et bah la personne elle fait ça. Du coup allez sur sa page. Je vais vous mettre un petit lien. Elle fait ça vraiment pas cher. Des petits headshots même, et des... Mema. Ouais. Mema. Et elle m'a dit tu peux publier. Je ne publie pas les commandes. Parce que je dis bah c'est compréhensible. Les gens ne font pas tout ça. Ouais. Mais elle m'a dit parce que 100 balles ça pourrait lui faire de la pub. Elle m'a dit tu peux la publier et me créditer. Mais t'es pas obligé de me créditer. Je t'en voudrais pas. Mais c'est quoi? Wesh, il faut qu'elle soit business un peu! Oui! Plus c'est trop beau ce qu'elle fait, wesh! C'est très très beau, ouais. C'est mon. Je vais l'appeler pour un petit poster de script là, à l'aise. Tu vois, je sais pas si tu vois quel perso c'est, un des persos. Non. C'est pas grave. C'est. Je lui dis pas beaucoup. C'est Léon. J'ai fait une romance entre deux gens qui écrivent des webcomics. Oui! Anastasia et Léon. Oui. Et voilà, c'est lui. Bref. Très joli. Trop mignon. Pas grave, juste un petit MP pour savoir quand ça commence, comme ça je sais, et voilà. Moi je dois te payer la dope, mais j'ai pas la thune. Elle préfère le harcèlement que le sentiment de culpabilité, voilà son histoire. Conclusion, harceler Cartaz en MP, qu'est-ce que t'as fait tomber? Rien. Comment ça rien? J'ai entendu un bruit, mec. Oh non, mais faut que je m'habille, non, je m'en fous, Désolé, tu fais ce que tu veux. Team 5 mois, ça me fait rire parce que... Car je fais partie des gens qui attendent 5 mois. Car je suis timide. Perso, j'attends 5 mois, j'oublie, et c'est toujours les artistes qui viennent vers moi. Genre, cette personne-là, elle est venue, genre, je suis en fait, c'est toujours. 1. J'ai oublié que je t'ai fait une commande. 2. Ça me fait juste plaisir parce que je suis en mode. Oh, des surprises. J'avais oublié que j'avais commandé un dessin, tu vois. Voilà. J'attends pas particulièrement les dessins. Cartaz, c'est un perso de Nagatoro. De quoi tu parles? Est-ce que ça, c'est un perso de Nagatoro ou est-ce que Cartaz est un perso de Nagatoro? J'avoue, t'es trop Nagatoro. T'es trop Nagatoro en fait, meuf. Tu teases les gens et tout, c'est pas vrai. Ah oui, parce que le harcèlement. Parce que t'appelles le harcèlement. Arrête de me chauffer. Arrête de chauffer les gens, Nagatoro. Ah, je chauffe d'ouf avec mes cheveux gras là. Et mon t-shirt sale. C'est ça, ça chauffe. Mon Cartaz, c'est le mec de Nagatoro qui veut se faire harceler. Ah, est-ce qu'il veut se faire harceler? Est-ce que c'est pas juste là, parce je que c'est Nagatoro? Là, j'ai mis du coup en red light, regarde, je suis cramé. C'est vrai que t'es Cramax. Hein. Après, c'est mieux Cramax ou être sombre? Je préfère être un peu sombre, parce que là on voit juste le décor. Qu'est-ce que tu veux? Je me trompe pas les couilles du décor. Bizarre. Je suis plus blanche que toi, comme d'hab, fais chier. Voilà. Gay, ça a le bronzé. Hein. Et du coup, je dois finir ça, je fais un des commentaires, c'est bon. D'ailleurs, l'anime est très cool, by the way. Ah oui, il est bien? Parce que je crois qu'il va vite, en fait. Il fait un peu comme Rimia, il va très vite. Le premier épisode. Où il y a déjà la scène où une des potes veut le toucher et elle est en mode non. Du coup, on commence à voir qu'elle l'aime bien et qu'elle est pas juste pour la faire chier. Ouais, ils ont bien géré le rythme, je suppose. Je n'aime pas lui. Cartaz, elle aime le harcèlement, elle n'aime pas les gens qui attendent. On va passer en lui. Comme ça, le mec, il veut se faire harceler, c'est quoi ce manga horrible? Mais ça suffit déjà. En fait, c'est. Arrêtez d'interpréter ce que dit le chat. C'est pas qu'il il a veut toujours se faire peur. Harceler, c'est que genre, en gros, il est genre. Il est genre grosse victime et il la repousse pas tant que ça, tu vois. Mais parce qu'il est en mode ouh! Ouais, parce qu'il est joli quand même. Position ouh sur la meuf quoi. Non, franchement, genre, Nagatoro, c'est ce genre de truc où t'es en mode. Après, au début, si c'est une salope, vraie après, vie, ça va. Si ça se passait dans la vraie vie, ce serait horrible. Mais c'est de la fiction. C'est comme Lobby's War, c'est insupportable. Après, ça va. Genre, au début, c'est un peu chaud, puis ensuite, elle fait genre un peu du tease quoi. Ouais. Ça va, tu vois. Genre, non, mais Lobby's War, par contre, c'est. Tout tourné à 200 quoi. Ouais. C'est ça qui est trop bien. Je sais pas, peut-être. Tu l'as même pas à jour, fils de pute. Bah oui, mais de ce que j'ai lu,
Tu veux être sombre comme Dark Sasuke. Normal, arcade a un strip pass. Un strip pass ne me rend pas plus bronzé. Ça ne marche pas comme ça. Non, c'est ses origines hébraïques, là. What the fuck? Ah, mes origines juives. Hébreuses. Oui, c'est ça. Ça, bien sûr, les juifs sont historiquement... Surtout que la famille de juifs d'où je viens, je pense qu'ils étaient blancs. Hein. Ouais. Des gros blancos, là. Des bons gros blancos. Toi, regarde, je suis posée dans un jacuzzi, regarde la cam. De ouf. Ah, ça va, les gens. Tu veux, Live Action Love, Iswar, il est très malaisant. Mais arrête, qui? Pourquoi vous faites ça? Par tous les japonais. Pourquoi? Je m'adresse vous... Non, mais déjà, les japonais, tu vois, ils sont hors de ma portée. Je peux pas les empêcher de faire des live action et des dramas. Pourquoi vous les regardez? Vous savez pertinemment, seconde 1, screenshot 1, annonce 1, que ça va être nul à chier. Vous le savez. Mais c'est trop rigolo. Ne regardez pas, quoi, please. D'accord, donc le héros, c'est comme les gens sur Twitter qui veulent se faire étrangler par les guides Dimitri. Oui. Non, c'est pas, non, vraiment, pas vraiment ça. Il n'est pas vraiment... En fait, c'est juste une grosse victime qui ose pas lui dire « arrête de me faire chier ». C'est un incel grosse victime, ouais. Mais pas détestable avec les meufs. Ouais. Il est juste qui se fait teaser par une meuf un peu athlétique et populaire. Pas populaire, mais un peu genre le queen du lycée, quoi. Pas vraiment. C'est pas vraiment la queen du lycée. Hein. Enfin, une racaille, quoi. La queen du lycée, c'est Madame Lapin, là. Ah oui, non, pas queen du lycée, mais la... Ouais, une racaille. Une petite fouèche. Terreur. Hein, une petite terreur, une petite teigne. Qui le harcèle pas. Au début, c'est un peu harcèlement. Mais rapidement, ça devient juste... En fait, ils flirtent, quoi. Ils passent leur temps à flirter. Voilà ce qui se passe. Ça peut passer Love is War, car c'est assez réaliste. C'est juste que j'ai vu des extraits qui me font rire. C'est des... Mais il y a des bons live action, genre la voix du tablier. Ils ont une fille. Et ça se trouve que c'est parfait. Ça, c'est une bonne idée, ouais. Ce qui est marrant sur le Tipeee de Carta, c'est que sur le rang abeille, c'est écrit « Tu pourras voir les mêmes choses que le rang abeille ». Ah, merde. Waouh, bien. Il fallait me le dire, merci de me le dire, je vais modifier ça maintenant. Je trouve ça drôle. Je trouve ça pas drôle. Ça fait pas pro, là. Ouais, putain, ça aurait été trop pro. Oh, putain, regarde combien je gagne par mois, quoi. Je suis trop une... C'est avec seulement 11 personnes. Ouais. Putain. Ça fait plus ou moins 10 euros chacun. Waouh. Tu fais plus de pub à ton Tipeee. Tu fais souvent de la pub à ton Tipeee sur Twitter? Oui, c'est dans mon tweet épinglé. Personne va voir les tweets épinglés. Et quand tu vas sur ma page... Ouais, mais quand une fois que les gens sont abonnés, ils retournent plus sur ta page. Généralement, ils te voient dans leur feed. Moi, bon, je leur tweet régulièrement. Ils sont trop chauds en ce moment dans Nagatoro. Je sais pas où vous en êtes, du coup. Je sais pas ce qu'il y a. Ah oui, dis-moi ce qui se passe, plus ou moins. Qu'on puisse reconnaître, tu vois, ce qui se passe. Hein. La 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 la. Judo. Déjà. Déjà? Non, il y avait un peu de judo avant. Avant là où et on en neige. Est. Neige. Si, si. Sérieux? Putain, ils sont déjà là où on en est? Non. Vous êtes des fils de pute, hein, vous savez pas à quel point ça nous a mis du temps pour. Non, non, non. Non. Ah oui, dans Nagatoro, dans le manga! Ah, pas ah, dans l'anime. Je parlais dans l'anime, j'ai oui, eu peur. D'accord. Oui, oui, d'accord, oui. Ok, oui, oui, dans le manga, c'est Judo Land. Ouais. J'ai les cheveux gras. Les c'est très gras. Mignon, d'ailleurs. Il y a eu des scènes un peu mimi. Ça, regarde. Oui. Je t'avais montré qu'il avait fait une fausse marque de chocolat. Oui, oui, tu me l'avais montré, oui. Ah. Je me souviens, oui. Elle était stylée. Ça, dans 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Pourquoi? Je sais pas, une semaine, on va pas tout mettre là. Fais ce que tu veux, mec. C'est d'avoir une sorte de mini-rythme. Après 2 semaines, c'est pas non plus. C'est énorme, non, c'est bon, sur internet. Bah, après, un post par semaine, c'est pas beaucoup, mec. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a exposé un problème que j'avais pas pensé. C'est que quelqu'un voulait prendre un rang avec une contrepartie, c'est-à-dire un half-body, un full-body ou alors un buste. Ouais. Mais il m'a dit, mais je ne veux pas avoir accès au contenu NSFW. Sauf qu'à partir de 5 euros, t'as accès au contenu NCW. C'est vrai que c'est un problème auquel j'avais pas pensé. Et j'ai pas envie de créer genre un version sans NCW, genre en créer plein, tu vois, c'est chiant. Ah oui, d'accord, ouais. Du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, quand il y aura du contenu NCW sur mon Tipeee, je mettrai un lien pour avoir accès à l'image, comme ça t'as pas besoin de voir le NCW, tu vois. I see, I see. De toute façon, la bestipeuse, c'est les personnes se nommant Lucie,
Et son pseudo, c'est Lucy sur Tipeee. Je pense que je sais qui c'est. C'est qui? Bah, c'est Kira Lennon. C'est elle qui a dit. Okay. Voilà. Kata, j'aime trop tes cheveux! Kira Lennon, toujours. Merci! Ça fait plaisir. Il est où mon élastique? Bah, il est là. Merci. Il est corsé? Oui. Il y a Marina qui a ouvert un truc sur le serveur, si jamais. Qui a ouvert un truc sur le serveur? Qui a notifié un truc. Dans l'anime, ils vont jusqu'au moment où il revoit son ancienne senpai dans le cours d'art. Ah, ils vont jusqu'à la. Ganaril qui a dit Arcade, j'aime trop tes cheveux. C'est gentil, Ganaril. T'essayais de faire la balance. Putain, j'avoue, après les cheveux de Manon, ils sont quand même vachement beaux, quoi. C'est vrai. Il est débile, hein. C'est pas vrai, hein. Vraiment, c'est fou. Il est stupide. Un peu d'amour pour le meilleur des 7 kicks. C'est toujours là. Ah, la apparemment, il y a un nouveau crawling. Il y a un nouveau crawling. Elle veut jouer à crawling. Yes. Ça te fait chier? Non, ça va. Better crawling? Attends, mais du coup, il faut le réinstaller. C'est un nouveau, et tout. Ouais. C'est un nouveau? Ouais. Mais du coup, je pense qu'on va arrêter le live. On va discuter de tout ça et on va commander à manger. Et je vais sûrement aller raid quelqu'un. C'est triste de résumer Arcade en sidekick. Vous savez, je fais quand même pas mal de trucs dans mon coin. Rena a arrêté. Effectivement. Il y a Link et Nathalie. Il y a qui d'autre? Il y a tout le monde qui joue à Pokémon Snap. 2700. J'en ai marre, tout le monde joue à Pokémon Snap. Pas, 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 je sais pas s'il y a pas des artistes. Pas. Putain, Mano, j'adore tes cheveux. C'était meux. Je suis trop content, Piccolo, un artiste connu depuis longtemps pour faire des fanarts magnifiques comme un teen movie sur les Teen Titans, fait maintenant un comics officiel sur les Teen Titans dans les outlines droites de ses fanarts. Stylé. Tu vois, il y en a l'un qui fait du Pokémon Snap et Dracid, il fait du Minecraft. Gilet, il fait du Snap. Ah, ça semble que Rena ait arrêté en vrai avant moi. Quelle vie. En même temps, tu l'as depuis 3 ans. Elle m'a pas raid, cette connasse. C'est toujours ça. Tu sais, quand tu vois tes potes qui sont en train de live à machin, et quand t'as fini, c'est en. Okay. Non, c'est en vrai, je m'en fous vraiment, moi. Ça fait bien plaisir. Je fais ça à chaque fois que Luna finit un live avant moi. Okay. Écoute, je pense qu'il y a personne qui entend, je vais pas raid du coup. Peut-être qu'elle a vu que t'as raidé aussi. Ou alors je pourrais raid un artiste, tu vois, je me dis bon. Je sais pas si elle raid, peut-être qu'elle raid pas, c'est vrai. Oh, c'est joli ça. Quelqu'un qui fait du. Oh, bon. C'est beau. Je vais vous raid sur cette personne parce que ça a l'air joli ce que fait cette personne. Et si elle est d'extrême droite, c'est pas notre faute. Non, je le dis, hein. Vous avez tous cassé les couilles à Antoine Daniel. Pourquoi maintenant, il raide plus personne. Il a fait quoi? Un jour, il a raidé chez des gens chez quelqu'un. Il raide mes gens, c'est pas toi. Ben voilà. Il n'y a plus trop des inconnus. Donc voilà. Hein. Mais putain. Voilà, si jamais elle a des propos qui ne correspondent pas aux propos que je tiens. Bah, je sais pas, vous partez, puis c'est tout. Voilà, je ne suis pas. C'est pas moi, je ne soutiens pas. C'est juste que je. Et ne lui cassez pas les couilles en mode alors tu penses quoi de ça? Juste soutenez en fait. Ouais, soyez ne sympa. Soyez pas chiant. Soyez piqué. Gentil. Bref. /red. Waouh. Voilà. Virginie Sefton. Sefton. Voilà. Merci aux gens d'être venus. Merci. Allez au raid, allez dire bonjour, elle dessine, c'est très joli ce qu'elle fait, c'est du tradi. Du coup, c'est en plus c'est rare les trucs en tradi comme ça. Enfin c'est rare, c'est pas si rare que ça mais voilà, bref. Merci d'être venus, c'était très cool. Merci pour les dons, vous êtes trop sympas, vous êtes trop généreux. Vous êtes ouais, des amours. Vous êtes trop cool. Merci pour les subs, les gens c'était qui sont sympa. Les gens qui ont renouvelé leur 3 heures de bonheur. Les gens qui ont renouvelé leur abonnement et tout. On se retrouve ce soir pour du Amogus. Amogus dans genre 2 heures, un truc comme ça. Du 20h30. Coup, ouais voilà, 20h30. Dans plus ou moins 2 heures quoi. Voilà. Et vous aurez la multicam, il y aura Carthaz, il y aura Flo et il y aura Marina. Allez voir les trois, donner du soutien. Les trois en même temps. Triple écran, voilà, bref. Un stream squad, c'est possible de faire ça, non? Je sais plus comment. Allez, des bisous! Faut demander à Flo. Bye. Grosses bises! A plus! Et vous, moi, vous me retrouvez demain pour du Mario Sunshine à 15h. Donc abonnez-vous, ça, bien sûr. Et mettre ça. Allez. Bye! Bonjour.